Il n'y a pas un jour où mon nom ne sort pas de ta bouche. Il n'y a pas un jour où tu ne parles pas de moi. J'espère que vous allez bien. Ah, que je ferme cette porte. Ça va? Tadada. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ouais. Salut à tout le monde. Partagez, hein, s'il vous plaît, je vous en prie. Je viens remercier déjà les abeilles de m'avoir souhaité Happy Birthday. De m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Je suis très, très content pour vos beaux messages, pour vos messages magnifiques, pour vos messages, voilà, pour vos beaux petits messages. Merci. Partagez le live. Que je fasse mon coup de gueule. Mon coup de gueule. Une fois pour toutes. Parce que aujourd'hui, je vais réaliser ton rêve. 4 grammes. Nivakin. Alias l'ex-général de la team. Tu auras ta réponse aujourd'hui via le FBI de la team pédigiste. Tu auras ta réponse. Salut Black, Dave. Bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, je vous en prie, partagez ce live. Appelez tout le monde. Appelez tout le monde de cette team. Et je vais aussi parler aux abeilles de cette team. Je vais parler aux abeilles de cette team. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ouvrir sa bouche et dire les choses telles qu'elles sont. Tu n'as jamais fait partie de cette team. 4 grammes. Nivakin. Tu n'as jamais fait partie de cette team. Aujourd'hui, je te cite. Je ne t'ai jamais cité. Mais je te cite clairement et honnêtement et directement dans cette vidéo. Depuis des années, tu me clashes sur Facebook ici. Depuis des années, tu me clashes. Tu passes ton temps à m'insulter partout. Juste parce que de 2018, tu as mis tes pieds dans ma maison. Tu es revenu encore et encore campé. Mais tu as passé ton temps à m'insulter, à raconter partout. Parce que tu cherchais, je ne sais pas, un indice de ma géolocalisation pour parler de moi. Toi, cette misérable chose, affamée illettrée, petite prostituée de bas étage, de merde que tu es, fils d'une prostituée encore aujourd'hui. Tu veux venir me parler. Toi, tu veux venir me parler. La seule chose que tu as eu à dire, c'est tes papiers. Tu veux passer ton temps à insulter. Qui, Nivakin? Toi, tu peux m'insulter. Toi, tu peux me parler. Tu allais te marier, non? Mais où est le mariage? Où est le mariage, donc? Tu vois, qui va se marier avec toi? Pourquoi tu ne t'es plus marié? Tu crées les trucs. Tu fumes le manga partout avec une grosse boîte que tu tournes comme ça pour fumer le manga. Ça te monte à la tête. Tu es devenu comme ça, colibri, comme le singe. Hein? C'est à cause de moi que tu as commencé à vendre ton anus. C'est pas à cause de moi que tu as commencé à vendre ton anus. Tu as commencé à le faire depuis des années. Tu penses que je suis prostitué comme toi, Nivakin? Je ne suis pas prostitué comme toi. Ta prostitution a commencé depuis hier, depuis l'époque. Le temps des ancêtres. Tu es même sorti dans les infos. Où on parle de toi, cette jeunesse adepte de l'homosexualité. Il y a la photo. Mais pourquoi est-ce que tu veux toujours recoller tes bêtises sur les gens? Vous êtes en train de faire, vous faites vos commérages. Je ne suis pas avec vous, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis là pour chercher ma vie. Mon objectif était d'arriver en Europe, aller à mon école, réussir et bâtir ma vie que je n'ai pas pu faire au Cameroun. Arriver ici là, une certaine bande de, je ne sais pas de quoi, aristocrates, vont vouloir toujours te coller. Tu as entendu, Mini Mino a fait l'enfant. Mini Mino a fait les enfants, Mini Mino a fait le Mouna ici là. Tu as couru inventer l'histoire que, oh, j'ai fait le Mouna ici en Belgique. Tu as fait quel Mouna? Toi, tu peux faire quel Mouna? Quelle fille va être stupide pour écarter ses fesses pour toi qu'on te voit? Quelle fille? Quelle fille va être stupide pour se mettre avec toi? Tu as fini de te travestir. Tu as fini de faire la prostitution partout. Quand tu es tombé malade, on est parti coudre ton anus. Salut Liban. On est parti coudre ton anus. Maintenant, c'est sur moi que tu viens tomber. Mais qu'est-ce que... Partagez le live, s'il vous plaît. Tu es aigri.
Depuis le premier, la première fois que je suis venu à ton anniversaire, tu te rappelles? À ton anniversaire à Liège, au petit bar là, c'est ce que tu avais fait. C'est ce que tu avais fait. Mini Minon sort, tu as réussi ta vie. Hein? Mini Minon, tu as réussi ta vie, il faut sortir. Ah, moi, je vais travailler, je vais vendre mon piment. Tu étais dans ton appartement, tu avais pris ton appartement pour faire ta position. Ok, tu vendais ton piment. J'allais voyager, j'ai fini mon boulot. J'ai pris la route. Je travaillais de 5h à 18h. Je suis rentré, j'ai dit que je ne peux pas manquer. J'ai pris la route, je suis venu à ton. Je n'ai même pas pu me reposer. J'avais pris mon hôtel. Je ne connaissais pas le chemin parce que mon téléphone était déchargé. J'ai dit que, écoute, attends, je vais donc là charger mon téléphone avant de partir à mon hôtel. Ce n'est pas que je n'avais pas pris mon hôtel. Monsieur, ou c'est madame, ou je ne sais pas quoi. Oh non, sors, tu as réussi ta vie et tout, tu es marié, tu as la voiture, tu as nanana, tu as le travail. Je dis, hé, qui est? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu veux m'inventer la vie? Même si je vais vendre le piment, ce n'est pas avec toi. Et je te l'ai toujours dit. Même si je vais faire quoi de ma vie, ce n'est pas avec toi. Tu es la dernière personne avec qui je peux faire quoi que ce soit. C'est les commérages que tu écoutes, gauche à gauche, droite. Alors, il y a quelques jours, cette merde, toi Honoré, cette merde-là, toi l'aristocrate avec qui tu passes ton temps à Paris, on t'accepte même dans l'association des jeunes de Paris, là. Tu as failli détruire cette association des jeunes. Là, heureusement que Benzine était là pour te soutenir, pour sauver. Benzine a dit que pardon, s'il vous plaît, laissez, je sais. Tu salis tout le monde. C'est-à-dire que tu vas boire une bière avec quelqu'un. La personne est homosexuelle. Vous donnez les titres aux gens. Oh, la personne est homosexuelle. Dès que tu causes avec quelqu'un, oh, c'est mon gars. Oh, même Alexis, tu n'es incapable d'aller payer la maison. Vous avez les taxes d'habitation, les dettes ici de gauche, droite. Vous volez. Ni va qui tu peux me parler? Quand on parle même de manteau, même manteau, même tu as même. Quoi même tu as? Je suis parti en Suisse. J'étais en Suisse, à Zurich. Tu es venu me retrouver. Tu as volé l'argent dans mon portefeuille. J'avais l'argent de cotisation. J'ai failli péter un cap. La personne chez qui j'étais en Suisse sait. Avant de sortir, j'avais pris cet argent. J'ai mis dans mon portefeuille. Tu peux parler de vol. J'ai pris ma carte bancaire que j'étais commandé le Uber. Tu es allé, tu as changé l'adresse. Tu es allé, je ne sais pas trop où, avec combien, ça a fait combien. Toi là, qui connais où tu vis. Je t'ai un jour demandé que je veux venir où tu vis. Moi, Mini Minon, je t'ai un jour demandé que je veux venir où tu vis. Jamais je t'ai demandé où je veux venir où tu vis. Ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui cours après la vie des gens. Est-ce que je dis, tu as entendu, on a appelé, je t'ai dit que lui, raconte-moi un peu sa vie. Je m'en fous de ta vie. Je n'ai rien à foutre de toi. Je n'ai rien à foutre de toi. Tu es venu sur TikTok trouver, non? C'est sur TikTok que tu as commencé à crier. Je suis sur TikTok. Je fais mes distractions. Quand je rentre de mon stage ou je suis à l'école, je croise des gens. Hein. Je suis à l'école là. Hein. Je suis à l'école, je suis ici à l'Université de la Croix-Rouge française. Hein. Quand on n'est pas à l'Université, on est à l'université là-bas. À l'Université de la Sorbonne. Espèce de pauvre malheureux. Est-ce que tu vas faire quelque chose de ta vie? On peut sortir de rien du tout et venir ici réaliser ses rêves. Mais vous n'avez pas compris ça. Vous avez compris que vous allez chercher l'argent. Moi, j'ai décidé que ce n'est pas l'argent que je vais chercher. Je cherche la stabilité dans ma vie. Je ne peux pas mon avenir pour demain. Ça, c'est mon choix que j'ai fait. Ce n'est pas parce que vous avez l'anus que vous allez la foutre partout et l'écarter partout et venir embêter les gens. Je vous ai toujours dit que j'ai quelque chose. Si j'étais riche, je ne serais pas là. Mais la seule différence, c'est que ma vie est mieux que la vôtre. Ma vie est mieux que la vôtre. Ma vie est mieux que la vôtre. On n'a pas encore entendu que Mini Minon, les choses que on a entendu sur TikTok, que Mini Minon a volé la carte bancaire. Carte bancaire où? Quand on a demandé aux gens que, mais j'ai demandé, mais la carte bancaire là, c'était où? On n'a pas pu répondre. C'était dans la tête. On a dit que non, on avait acheté quelque chose sur Internet. On avait commandé. Moi, il fait le char. On avait commandé et on n'a pas confirmé le mot de passe. On a faim. Vous aimez inventer les vies aux gens. Arrêtez d'inventer les vies aux gens. Arrêtez de faire les commérages. Madame s'est assise que Mini Minon avait volé l'argent. Une montre ou c'est Ferrari ou c'est montre. Tu n'as rien. Tu es comme une épave. Je dis bien une épave. Une épave. Une vieille serpillière.
Mais qu'est-ce que tu fous en Europe? Tu es arrivé en Europe, non? Même on dit que les gens qui vendent le piment, les gens qui vendent le piment ont l'argent. Les gens qui vendent le piment ont l'argent. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Nous sommes arrivés en Europe au même moment. Mais comment est-ce que j'ai pu bâtir ma vie comme ça là? Parce que je suis objectif. Je fais la fête comme toi. Je voyage comme toi. Je mène la vie que tu mènes. Je ne mène pas la vie que tu mènes. Tu mènes une belle vie, non? Mais qu'est-ce que tu vas chercher dans ma vie? Pourquoi ta haine, pourquoi tu es si aigri et si malheureux dans ta vie? C'est moi qui t'envoie fumer. Tu fumes parce que tu as des problèmes. Parce que ça ne va pas dans ta quête. Mon très cher, je n'ai rien à foutre de ta misérable vie. Si tu as envie de trop faire, ma mère là, elle ne souffre pas comme ça là. Elle a au moins de quoi manger. Elle n'a pas besoin d'aller gâter ses fesses pour vendre sa chatte pour pouvoir manger. Mais ta mère, ta pauvre mère, cette pauvre femme, on peut dire qu'elle s'est prostituée pour pouvoir vous aider. Est-ce que tu connais ton père? Tu connais ton père, Nivakin? Tu connais ton père? Le nom que tu poses sur le nom de ton père? Tu es obligé de coller sur Facebook Atangana Ona. Atangana Ona, c'est ton père. Elandi, ce n'est pas le nom de ton père. Elandi, c'est le nom de ton grand, ou c'est ton grand-père, ou c'est ton grand-oncle qu'on t'a donné. Parce qu'il était dans l'armée. Hein? Tu connais pas ton père. N'est-ce pas, c'est dans la prostitution, dans les alcools que ta mère a conçu pendant qu'elle faisait sa pute. L'héritage d'une famine. L'héritage d'une famille, la petite prostitution de merde du bas quartier, des alcools, qu'on peut au bar, comme ça on écarte, on s'empiffre. Tu veux parler à un enfant digne? Tu veux parler à un enfant digne? Tu veux me parler? Tu peux me parler, toi? La personne qu'on fouettait dans les prostitutions à Colmar avec le fouet, même dans tout ce que tu as fait là, tu n'as rien foutu. Tu es toujours là. Tu as campé là-bas. Je signais que Waris disait. Chez Waris, tu as campé. Waris t'a insulté. Tout le monde partout, tu penses qu'on t'insulte. Même chez Adolina, que tu étais Adolina, t'a insulté. Tu l'as insulté. On a vu. Il y a quelques jours, tu étais là-bas. C'est de là que tu m'insultais, non? Tu venais tirer ta balle. Mais j'ai compris. Tu savais ce que tu venais chercher. Moi, je vais vous dire. Moi, je vais vous dire. Quand vous faites vos congoussas, laissez mon nom là-bas. Laissez mon nom parce que vous n'êtes pas sain. Laissez mon nom. Laissez mon nom. Laissez mon nom tranquille. Je voudrais dire que 2022, si j'ai les cornes, laissez mon nom tranquille. J'ai vu où tu partais. J'ai compris ce que tu voulais. Mais tu n'es pas arrivé. Les personnes que tu cherchais, je n'étais qu'un prétexte pour que tu clashes. Les personnes que tu cherchais, tu as balancé, non. Tu as dit ce que tu avais dit, non. Mais ces personnes-là, la personne ne te calcule même pas. La personne ne te cherche même pas. La personne ne te voit même pas. Mais ta haine. Il va te tordre en deux. Ça, c'est sûr qu'il va te voir. Il va te casser en deux comme ça, là. Parce que c'est ce que tu cherches. Vous êtes toujours en train d'inventer les choses. Je suis au courant de tout vos commérages. De tout. One by one, je suis là, non. Je ne fais rien. Quand j'ai le temps, je vais m'asseoir. Je vais dire que tu as fait qu'avec les preuves. Tu as dit qu'avec les preuves. Tu as commencé à vouloir te marier. Tu as cherché à acheter l'épargne. Tu as mis l'épargne en vente. Tu as commencé à vendre l'épargne partout, à toute la France. J'ai dit que, Samy, laisse-moi comme ça là. Je suis assis hier. C'est hier ou c'est avant-hier dans mon live et tout. Une chienne sort de nulle part. Oh, Mini-Mino, tu as prononcé mon nom. J'étais en train de dans mes clashs avec Annabella sur TikTok. Et Annabelle a parlé de Nivakin. J'ai dit que non, ne parle pas de Nivakin. Laisse-le là où il est. Tu n'as pas besoin de parler de lui. Laisse-le où il est. Ne prononce pas son nom ici. Il n'est pas ici. Ne prononce pas son nom. Alors, Nivakin s'est levé. Nivakin est parti commencer à me clasher. Honoré, tu vas t'asseoir pour dire que Nivakin a fait quoi? Mini-Mino a fait quoi? Salut Rebecca Apiania. C'est de moi que tu veux parler. Tu as sorti de ta bouche que Nivakin t'a violé, non? Honoré, Nivakin t'a violé, non? Hein? C'est le mamie Ouattara qui est dans tes narines là, qui te bouffe comme ça là. Espèce de mythomane. Espèce de mythomane. Donc vous croyez que vous là, vous pouvez parler, mais on peut vous répondre. Tu chantes d'abord quoi? Toi, tu chantes d'abord quoi? Même la petite, dernier truc que tu veux sortir là, que je m'engarba. Vas-y, ça dans mon téléphone. On quittait Liège avant que c'est sorti, que je m'engarba. Que je chante ça. Je t'ai dit que prends.
C'est là, la preuve que tu as écrit toi-même, tu as envoyé. L'auteur parle d'une petite prostituée de mettre que sa mère fait la pute de Nivakin et de honorer cette chienne qui tire son anus partout. Les fesses comme ça. Ben oui, j'ai percé le nez parce que j'avais envie de mettre un diamant dessus. C'est un petit diamant. J'avais envie de la mettre dessus un peu, changer un peu. Oui. Hein? J'avais un poids de beauté là. Tu veux me parler? Voilà l'histoire, Samy. Il est montant là. Je ne peux pas citer parce que il y a d'abord un point de départ. Tu vois, je ne peux pas citer. Les gens font les choses, mais ils ne peuvent pas assumer. Et quand on veut répéter, ça va devenir autre chose. Je garde parce que ce sont les gens que je connais, sont mes proches. Mais limitez vos actions. Faites attention. La bouche là, ça arrange, ça tue. La bouche là, ça tue. Quand vous êtes assis là, vous manquez quoi faire? Parlez de vos vies. Oui, parlez de vos vies. Ils n'ont même pas fini, oh. Tu ne peux pas connaître le pays de Lyon. C'est une chienne, une artiste qui chante, qui se dit chanteuse ici. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le live, là. Je veux vous la voir venir ici, là. Je veux voir ces choses-là venir ici, là. Partagez, s'il vous plaît, je vous en prie. Partagez le live, pardon. Oh, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas là. Ça ne m'arrange pas. Partagez, je vous en prie. Vous n'avez pas partagé le live là. Partagez le live là. Je veux voir le nombre de partages là-bas. 4 grammes, c'est Nivakin. Je dois vous dire ça. 4 grammes, c'est Nivakin. C'est Nivakin. Ce que tu faisais, c'est que quand tu venais dans la team PDGiste. Quand tu arrivais dans la team PDGiste, tu attendais toujours le moment que. Petit moment comme ça là, que ton anniversaire arrive. Tu commences à t'agiter. Partagez le live là, s'il vous plaît. Vous ne partagez pas. Pourquoi vous n'avez pas de partager? Vous me payez. Vous me payez. Quand il parle là, vous me payez. Vous êtes content d'écouter, non? Juste partager. Ça vous coûte quelque chose. Juste partager, ça vous coûte quelque chose. Des appels. Juste le partage, ça ne vous coûte rien. Rien. Ça ne vous coûte rien. Vous ne payez pas. Vous ne payez pas le partage. Vous ne m'embrouillez pas. D'accord? Partagez le live. Je continue à parler. Combien de personnes? 626 personnes. Tes partages. Seulement regardez. Je continue à parler. J'attends que vous partagez. Je continue à parler. Le Japapla, qui parle là. Waris a lavé. Waris a correctement lavé. Partagez. Salut Dieu et Seigneur. Waris a lavé. Je sais pas ce que tu veux faire le retour sur Facebook. Tu as décidé de sortir de la team PDGs. Je te dis pourquoi. Je vous dis pourquoi il a décidé de sortir de la team PDGs. Il a décidé de partir de la team PDGs parce que Mama Verlaine, comme Flore a des problèmes avec le couple Amot, le président Amot et sa femme, et que Mama Verlaine est proche d'eux. Tu comprends? Vous comprenez? Hein? Que Mama Verlaine est proche d'eux. Alors, il va. Et Lolo est proche de Amot aujourd'hui. Il va sortir de la team PDGs. Il va suivre là-bas parce qu'il va suivre de quoi manger. C'est juste ça pour toi. Moi, le couple Amot, je respecte le couple Amot. Hein? Je n'ai pas de problème avec eux. Je ne mets pas des problèmes avec Flore. Mais, ce n'est pas pour autant que je vais aller insulter Flore. Ce n'est pas pour autant. Oh, quand Flore, c'est ma mère. Flore, c'est ceci. Flore, t'as pas avec. Elle est libre de faire la paix avec qui elle veut. Est-ce que Lolo t'a un jour, Flore t'a un jour empêché de marcher avec Lolo? Flore t'a un jour interdit d'être avec qui tu es? Jamais. Jamais elle t'a interdit. Personne ne t'a jamais. Tu as tout fait tes amitiés. Personne ne t'a jamais arrêté. Tu n'imposes pas quoi que ce soit à personne, monsieur. Tu as envie de sortir? Tu portes tes clics et tes claques. Tu te casses. Tu n'as rien foutu de cette team. Tu n'as rien foutu. Tu venais juste pour manger. Quand ton anniversaire arrive, tu as venu mettre l'autre de tes fautes insulter. Et les amis vont te suivre. Ils vont dire que oui, c'est son anniversaire. Il parle. En te donnant les cadeaux, tu manges.
Comme Minimi n'en est pas affamé, je ne demande pas. Voilà. Il vient, il fait son show, faux show. Quand il faut défendre, tu es où? Est-ce que tu as défendu? Dis-moi, tu as jamais défendu. Tu as jamais défendu. Quand il faut défendre, depuis des années là, tu as fait quoi? Tu as défendu quoi? Tu étais dans ton film, film. Dans ton petit film. Tu n'as rien foutu dans cette team. Et tu ne fous rien. Même dans ça, même tu n'avances pas dans ça. Dans ça, même tu n'avances pas. Tu sais, insulter seulement Paul, Jean, patati, patata, ce n'est que ton palmarès là-bas. Insulte sur insulte, clash sur clash. Je n'ai pas forcément besoin de clasher. Je n'ai pas forcément besoin de clasher. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez. Je n'ai pas forcément besoin de clasher. Oui. Je n'ai pas forcément besoin de clasher qui que ce soit pour réussir dans ma vie. Je ne vois même pas le nombre de partages. Je ne vois même pas le nombre de partages. Tu ne fais rien de ta vie. Tu es venu m'insulter. Oh, Mimi, non, c'est Mario. Mimi, non, c'est Maya Wato. Oh, le Wata rien. Tu connais le compte de la personne. Tu étais là. Qui t'a raconté ma vie? Qui peut te parler? Moi, je peux te parler de ma vie. Je suis venu à Paris. Oh, on a foutu Mimi, non, dehors. Parce que je suis venu à l'école. Parce que je suis venu faire mes études à Paris. Je vais te donner mes allers-retours. Je vais te donner, je peux parler de, depuis là, dès ce que tu avais fait dans le groupe quand il y avait Marie-Louise. Je ne peux pas te parler de ma vie. Quand tu venais parler de ma vie au départ, c'est parce que tu croyais que je pouvais avoir peur. Parce que tu croyais que j'avais peur, Nivakin. Je n'ai pas peur. Hein. J'ai laissé juste parce que je te laissais. Je te laissais voir jusqu'où tu pouvais venir. Jusqu'où tu pouvais arriver. Mais quand tu as vu comment tu as vu comment, j'ai vu comment tu as enchaîné tes cachements dans le sang, tu étais trop sûr de toi. Ou tu pensais que moi j'ai peur de ma vie. J'ai pas peur de ma vie. Hein. Pour ta saleté qui est sur toi, ta pourriture là, tu ne te laves pas. Pour ta merde, tu ne parles pas. Tous les gens sur qui tu étais, tu as insulté. Tous les gens que tu fréquentes, tu as insulté. Tout le monde, tu as insulté. Mais tu peux toucher qui même? Qui tu peux toucher? Donc quand tu t'es regardé là, moi, minimum, tu vas me taper. Tu rêves dans ta tête. Dans ta calebasse, tu rêves. Le manga que tu fumes là, ça te fait pousser les cornes, ça te donne le muscle. Tu perds la route. Vous buvez même souvent quoi? Tu as commencé à devenir aigri quand ta copine, c'est ta copine avec qui tu as fait l'aventure, a décidé de prendre ce magnifique garçon avec qui tu étais, le sorti de la honte, le sorti de la déviance. Des ténèbres sur la route de la Libye. Tu as pleuré, tu as commencé à maigrir. C'est là où ta souffrance a commencé. Dès que tu entends que quelqu'un connaît le gars, ta meilleure copine a couché avec le gars, fait l'enfant avec le gars. Tu as pleuré, mais oui, Valérie Bolingo. Tu pleures, tu veux mourir. Tu passes ton temps à traîner partout dans toute l'Europe, toute la France, à tirer tes fesses, à tirer ton anus. Si ce n'est pas que tu te travestis, si c'est, tu peux te travestir. Travestis-toi, tu fais alors les vidéos sur TikTok comme les autres. Parce que ça marche bien. Ça marche bien. Même dans ton travesti de prostitution, ça ne donne pas. Oui, ça ne donne pas. Quand tu venais à Strasbourg, n'est-ce pas, je t'accompagnais. Est-ce que j'ai le temps pour ça? Je n'ai pas le temps pour ça. Est-ce que tu m'as vu un jour filmer ton profil pour mettre dans les choses? Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne suis pas dans ça. Après l'amitié, ce n'est pas la guerre. Mais tu es à l'afflux de ma vie. Tu es à l'afflux de ma vie. La dernière fois, tu es venu à Strasbourg. Tu devais être à Strasbourg. Tu devais dormir à Strasbourg chez mon ami. Oui. Comme tu as insulté les gens que oh, les gens n'ont pas l'argent, les gens n'ont pas l'argent. Tu pars, quand tu es à Strasbourg, tu dors chez qui? Quand tu viens à Strasbourg, tu dors chez qui? Réponds-moi, tu dors chez qui? Réponds-moi donc. Je connais où tu vis. J'ai un jour été dans ta maison ou dans ou quelque part où tu es depuis qu'on se connaît depuis en Europe. J'ai campé un jour dans ton espace. Je parle aux gens. Minimina, nanana, nanana, inventer. Faut parler du concret. Faut pas inventer. Je te dis que je te cherchais. Hey, bienvenue, Waris. Bienvenue, Waris. Tu as volé le manteau de fourrure chez Waris.
Voler. Allez, cache-toi. C'est comment? Hé, hey, Walis. Viens, voilà. Je vais te trouver où? Oh, tu vas. Walis, arrive dans ma maison. J'ai dit que je vais te trouver où? Hé! Hey. J'ai dit hier, parce que je fais mon anniversaire samedi, j'ai dit à Flore de te donner mon numéro. Quand tu m'appelles, comme tu as rejoint Parisienne, moi je suis dans les Yvelines. Oui. Donc j'ai dit, elle t'a pas appelé Flore? Non, Flore ne m'a pas eu. Elle a dû oublier. C'était quand? C'est comment? C'est donc tu es à Paris, c'est avec nous. Je fais Paris, Strasbourg. Bon, toi, mais balatoises, bon, toi, mais mes abeilles, tout le monde la voit, tout le monde bon, toi. C'est comment? Je suis là. Tu te prends la tête même pour quoi, Milly? Non. Ah non, cette chienne, il faut la laver, il faut la dire qu'elle est plus de rien. Moi, j'ai appris qu'elle m'insulte sur TikTok. Moi, je te dis que. Elle m'insulte sur TikTok il n'y a pas longtemps. Et c'est, j'ai vu les esprits, j'ai les balles ici. Je dis encore. Non, je te dis encore. Attends, non, ne me dis pas ce que vous faites. Moi, beaucoup. Non, non, ne me dis pas ce que je vais faire. Ne me dis pas ce que je vais faire. Parce que on m'appelle à Paris que ma vie par là-bas. Je connais les problèmes. Je te supplie, je te commande, papa, pardon, je te supplie, je te dis. Demande à ta copine, à Stéphane de Belfort, qui je suis. Quand je tiens un problème, je connais gérer. Parce que là, je suis encore tranquille. Il a quoi insulté, mais je lui ai donné l'ultimatum. Parce que ce qu'il est là, il me voit. Je n'ai aucun problème avec ce gars-là. Tu comprends? Je ne lui ai jamais rien dit. Je ne lui ai jamais rien fait. J'ai tendu la main à ce gars-là dans Paris, si tout le monde a vu. Tu te lèves, je laisse pas de l'ultimatum. S'il est un homme, il prononce encore ma famille. Parce qu'à l'heure que tu parles là, j'ai encore eu d'autres balles. Pardon, envoie-moi ça sur WhatsApp, non? Comment tu me. Est-ce que je fais le aide-moi à détester? Non, je te demande. Non, c'est... Attends, toi tu as plus de 800 personnes à l'île, les 1000 personnes. Moi, c'est quoi à 2 vues? Laisse-moi garder. Non, laisse-moi garder mes balles. Waris. Les balles là, mieux ils vont s'abonner seulement, non. Tu es là aujourd'hui, non. On verse ça. Je vais déposer, parce que là où je vois qu'il congèle son mauvais esprit là. Je n'ai jamais vu un coin. Écoute-moi très bien. Tu vais te dire quelque chose. Je me sers de là, je me dis, mais je vais te dire, toi là, Nivaki, tu tapes tout le monde sur Facebook. J'ai utilisé le téléphone d'Adolina pour m'insulter. Il a dit que ma camarade de classe Adolina, on a le CEP ensemble. Est-ce que je manque? Eh bien, c'est la pourrie télé que j'ai à 400 euros. Pardon, ferme toi là-bas. Mais non, le lavage. Je dis, moi, j'ai bien fait le CEP avec Adolina. On a eu notre CEP en 2001. Adolina et moi. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu comment le gars-là a insulté, parce qu'il a commencé à me faire les problèmes, c'est barbac ici à Paris. Voulant montrer les trucs contre moi, je ne disais rien. Après, il a commencé, quand j'ai vu qu'il a insulté Adolina, oui. Jusqu'à parler de la sérologie d'Adolina. Ouais. J'ai dit, mais mon Dieu, donc ce gars. Adolina là a ouvert sa porte encore de nouveau. J'ai dit que. Donc c'est pas moi le problème alors. Bonsoir mes balatoises. Vous êtes toutes les teams sur les balatoises. On va manger demain. Donc j'ai dit, merde. Donc c'est pas le seul. C'est moi qu'il a glissé où il ne faut pas glisser. Moi je dis, soit que les querelades, la mini, mais non, il ne faut pas trop parler. Quand tu aimes les problèmes là, Facebook fait les directs clashés là, c'est rien, c'est petit. Je dis que s'il avait détruit, il dit, tu as vu toi, un seul direct que j'ai fait. Le lendemain, la fille qui l'a volé, là, j'ai venu témoigner. Le troisième jour, il a volé, là, c'est il n'a jamais. Mais il fallait qu'il fasse suivre mes directs. J'ai suivi tes directs, Là où j'avais le pull blanc, la fille est partie derrière, c'est la voisine qui l'avait volé 2 millions, 3 000 euros pour Boza. Il n'a jamais Boza de lui-même. Mais il y a même. La baisse, mais le jour là, la baisse, la baisse, ça ne m'a supplié de laisser. Quand tu vois les gens qui mentent, il ne s'est jamais débrouillé, il n'a jamais rien fait tout seul. Je dis que la haine où je suis là, j'attends seulement. Parce que là, je dis que j'ai dit à ma famille, ils sont venus pour la réunion. Je leur ai dit que c'est trop facile de laisser. Parce que si je laisse, il va continuer à croire que j'ai peur de lui. Où je suis là, j'ai fait le montage de tes photos du piment et sa maman. Même la photo que sa maman avait envoyée à l'aide au Tchad. Parce que c'est facile d'inviter les mamans de souffrir. Maman ne souffre pas. Il y a une maman à Yaoundé. Maman. La mère. La blanche aimait. Pas pour vous faire là, non. Pas la tête. Mili, maintenant, tu as un frère que je vois, je ne t'ai jamais vu. On ne se connaît pas les intermédiaires des amis. Ouais. Comme tu sais qu'on a des amis en commun. Mais tu n'as jamais entendu que Warren s'est parti provoquer quelqu'un. Jamais. Jamais.
Abonnez-vous sur ma page YC Blanchet officielle parce que bientôt, quand il va encore parler sur ma famille, ce n'est plus que je vais encore venir faire la paix. Maman, il va te. Ah, merci, mes larmes. Ça, c'est les chants de petites fous. Je te dis que pardon, Waris. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit que Waris, s'il te plaît, il faut laisser. J'avais vu mon direct, non? J'avais même dit merci. Tu as dit merci. Maman, c'est sur moi qu'il est arrivé. Chaud. Il nous a pas quoi. J'ai dit que là. Avec lui, je suis une place. Avec lui, je suis une place parce qu'il prononce ma famille. Qu'il m'insulte, je n'ai rien à foutre. D'ailleurs, pour commencer, je vous annonce à Mondovision que je vous avais dit non. Qu'en étant le mariage, on va voir. Ah, je ne parle plus de ça. On va là, non. On ne peut pas laisser, maman. On laisse comment? On ne doit pas laisser. On laisse quoi? Samzout. Tu vas venir me doter et lance 70 fois. Tu vas, tu viens parler encore ici, Samzout. Je te bloque ici, maintenant. Bon, ça, Miss Coco. Il y a même FDL. Je te dis que Minnie Minor, je suis avec toi. Tu vois, c'est pas les hommes. Allez, Annabella, sont mes soeurs. On ne se dérange pas. Juste pour ce qu'il m'a fait à moi et ce qu'il faut aux gens. Quand tu ouvres ta porte, je parle de la vie du vécu de mec. Regarde mon clash avec lui. Qui s'est mêlé dans notre communauté? Personne. C'est moi qui l'accueille à Paris. Les trucs qui viennent du gars, c'est moi qui le prends chez moi. Le gars là où accueille chez moi, il est venu même me retrouver à Reims. Pour me faire le taper d'eau. On regarde, moi je me connais. Il me connaît. Il est venu, le malin l'a piné. Ouvert au gros. J'étais là. J'étais là. Je me sers maintenant de ton. Tu sais que j'ai. En fait, je ne demande pas que j'ai des amis qui m'ont envoyé des vidéos sur WhatsApp. Hein, ou. Parce que pour les Annabella et les autres, ce sont les... je ne me mêle pas parce que ce sont des amis amoureux. Bon, des amis virtuels, elles m'ont jamais. On ne s'est jamais choqué. Mm-hmm. Mais juste pour lui, pour le mal, pour son côté qui est ingrat, parce que vous avez dit un mot que si tu tends la main à Nibakine, c'est là que Nibakine t'a commis. Attends, je ne sais pas. Oui. J'ai accueilli cette chienne chez moi quand cette chienne sortait. Je vous l'avais dit. À Dijon, elle était avec un blanc. Le blanc nous faisait souffrir. Le blanc, c'est à minuit, non? Nibakine, je suis sur mon canapé. Oui, c'est un Dieu m'a levé. Dans ma maison, je suis dans ma chambre d'étudiant à Paris. Dans ma chambre d'étudiant à Paris. Tu sais qu'un mini, non, vous querellez soi. Même dans ma petite chambre d'étudiant, là, tu ne peux pas. Vous querellez pour rien. Laisse même la chambre d'étudiant, il y a des gens qui dorment dehors dans toute l'Europe. Pour vivre en France, virgule, il faut mériter le titre de séjour français. Point d'interrogation. C'est moi qui vous a dit qu'il avait la lettre d'inscription, on a tous vu ici à Paris. On l'a chassé ici à Paris, ici devant nous. Ça a commencé à récépisser de 6 mois, récépisser de 3 mois, récépisser de 1 mois. Elle est d'attendre le chaos, le temps, je ne sais pas comment ça fait le piment. Je dis que mon frère, il voulait me donner, il dit que ma maison, tu dis que j'ai les dettes là. La maison, c'est la maison que j'ai dette, n'y est pas qui était là-bas, il a appelé même. Une semaine, peut-être, il m'a insulté pour dire qu'il ne suit rien. Il dit, mais il va peut-être jamais que tu quelque chose. C'est Lolo, ma soeur, qui m'a présenté Nibakine. Et je vais vous dire un truc. Les choses que Nibakine fait sur la toile, aucune star là, aucune maman là, aucune femme là, n'est d'accord avec lui. Donc, de grâce, s'il vous plaît, ne vous abattez pas sur le mana. Ils n'ont rien à voir. C'est pas parce qu'elle est venue, mais la camarade dit que je suis du côté de Flore contre Lolo, que forcément Lolo me soutient. C'est faux. Tu comprends, non, Mini Minor. C'est une personne que. Maman, attends, mon cerveau a bugué quelque part. Le mari. Mariage est qu'un toyon, pardon, allez là-bas, votre mariage. Le mariage. Le mariage, le mariage. Le mariage. Bugué quelque part, tu as parlé de 20 euros. Si on divise 20 euros, 4 coups, non. Quoi, je vous ai dit, divisé par la fête 5 euros. Nibakine avait dit au gars marié. Donc, on l'a binda un coup, 5 euros. Un coup, 5 euros. Je vous jure, regarde, mini, mais non. Je jure. Donc, 4 coups pour. Je te jure comme ça, je te dis, je te dis comment ça s'est passé. Hein? C'était en fin 2017. Il faisait la froid. Il est venu avec sa copine Tina. Hein? Je te jure. Je suis arrivé à la place d'une canette. J'ai vu une Nibakine avec une malienne. La place du canet, c'est où? Non, elle s'est enfermée. C'était avant à Rouen. À Reims, pardon. J'ai vu Nibakine avec le manteau Highlander et la ballerine taille 50. Je l'avais vu en hiver. Il a fait 4 jours sans un client devant moi. Je te jure. Hey, c'est que ça te chien, la regarde. Balata que le vent, c'est que Dieu me donne le vent. Et Anna Morona, Waris. Et le gars, là, je connais ce Malien-là. Le Malien-là habite au quartier Châtillon.
Yeah. Arrête. Hey, papa, c'est un Malien qui était venu en aventure, il avait beau ça. C'était un Malien, il est noir, petit détail. Donnez la force à Waris, abonnez-vous. Tu vois, je passe par ton live parce que j'ai vu ton Dieu, ça m'a fait de la peine. Et tu es quelqu'un qui m'a jamais offensé. Et moi, je ne publie pas les gens. Il a des soucis qu'il aime bien souvent. Il aime publier et insulter ses amis. Ce n'est pas bon. Donc, il te dit alors que le Malien est venu. J'ai même dit, va là-bas, toi. Je me pose ça. Mais le Malien, c'est un Malien gentil. Tu vois tes quotas de la ville où tu vis, non? Non, je vous dis encore. Je vois Nivakin derrière moi. Je vous jure. Voilà mon anniversaire qui est le 11. Nivakin dit au Malien que montre-moi ton bangala. Montre-moi ton bangala. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Caro. Il dit maman ton bangala et je vous dis que le Malien là, même moi, vous abonnez chez lui. Waris Blanchard officiel, allez vous abonner là-bas. Oui. La télécommande c'est petite. Il avait le bangala comme la bouteille. Ouais, c'est ça. Gros. Je vous disais mes quotas. Tu ne pouvais même pas faire l'appellation. Elle s'est assise sur ça. Après, dis-moi, ton bangala est derrière moi. Pour toi, maman. Je regarde, après, le gars sort de billets de 10 euros. Je dis, il dit qu'il a. Après, il dit qu'il me fait. C'est que comme il n'avait même pas work leur mamie. Ah, moi, même en partie, moi, donc, il avait pris l'hôtel B et B derrière la gare de Rennes. C'est pas pour redire ça mille fois. Le gars est parti dormir avec Nivakin 4 coups. Je rencontre le gars là un jour, je n'avais plus de cigarettes parce que moi je suis fumeur. Je pars donc pour acheter des cigarettes à Place d'Erlon, ceux qui connaissent Reims. Je pars à Place d'Erlon, je suis au téléphone avec mes amis, on avait les écouteurs, on ne voulait pas partir à BBB, tu connais la BBB? Oui. On avait dit qu'on va pas. Mm-hmm. Et t'entends pas, tu m'entends, le micro a coupé. Oui, d'accord. On part, je sais que parler mes amis, je croise le Malien, je dis au Malien, oh, c'est comment il me dit, hey, tes copines, elles sont où? Je dis que, ah, mes copines, elles sont à Paris. Il dit que toi, tu es trop radin, va là-bas. Il dit, je l'ai bien baisé. Il dit que tu l'as bien baisé, mais tu peux pas donner 200 euros. Tu es trop radin, il me dit, je l'ai donné 20 euros. Je l'ai dit trois fois dans les quilles, une fois dans les bouts. Et le matin, je l'ai accompagné à acheter les croissants. Voilà ce que le Malien a dit. Je n'étais pas seul au téléphone. Il dit qu'on baisse dans la nourriture. Ouais, aristocrate. Et c'est comme ça que 13 000 en Europe, 13 000 maman, pour toute la nuit, 13 000, il est malheureux, Waris. Voilà. Donc, c'est comme ça que il part donc. D'ailleurs, Titi, donc, mon ami, j'ai un ami qui est musclé, c'est à mon anniversaire là. J'ai un ami qui est musclé comme ça là, avec le gros bangala même. Je m'en fous. Je dis. Donc, c'est comme ça que. Abonnez-vous sur moi, vous abonnez sur Waris. Voilà mon nom que j'ai écrit en bas là-bas, Waris Blanchot officiel. C'est comme ça que mon ami me dit Nivakin prend le sperme en bouche, wesh, parce qu'ils avaient entendu. Si j'avais su que le Malien allait me dire les cochonneries, je ne l'ai jamais. En bouche, il a dit je l'ai dit trois fois dans les quilles, une fois dans les bouches, et je l'ai accompagné chez les croissants. Donc, quand il voit les gens qui appellent les gens les saletés, honnêtement, on m'appelle saleté. Regarde où je vis, Mini, mais non. Pas besoin d'un bagaille. Tu es propre, tu avais la connue. Regarde, je vais vous montrer que je ne me cache pas. Je ne me cache pas pour. Bon, comment est-ce que pour tourner la caméra ici même? Ouais. Sur TikTok, quand la chose me voit sur TikTok, Mini, mais non, je vais lui montrer ses photos. Comment faire pour tourner la caméra? Je ne sais pas tourner la caméra où? Mini, mais non, tourne la caméra où? Quand tu es invité, c'est. Ah, c'est bon, ça tourne comme ça là. Ah, oui, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, Nivaki, quand tu dis que les gens. Voilà, ma maison ne peut pas manger. Regarde, on a mangé tout à l'heure, mes amis. Tu as vu? Ouais, donc, c'est beau, c'est magnifique ta maison. Regarde le plafond. Tu as vu? Haussmannien dans le 78. C'est chez moi. Je ne dis pas que je suis un blanc. Aïe. Donc, moi, je dis souvent que je ne me cache pas. Moi, je n'ai pas été content parce que le problème, c'est que je n'aime pas les gens qui sont ingrats. Tu ne peux pas te lever toujours. Tu sais que je suis au courant de ce qui s'est passé à Liège. Je suis au courant de ce qui s'est passé en Belgique. Tu passes ton temps à insister à ton tendu la main. Écoutez bien, je vous dis d'abord, ça va qu'il aille vous dire ça. Mais quota, j'ai la robe maritale qui n'aime pas. Je suis remis, ça va vous taper les mini-minor, regarde. J'ai ma robe maritale. Parce qu'il n'aime pas la robe maritale, si j'ai mis. Maman, regarde la sauce.
regarde la bêtise qui m'insulte, regarde à quoi tu ressembles. Regarde à quoi la bêtise ressemble. J'ai dit qu'elle est née, mais non, ne réponds plus dans les conneries des querelles. Moi, je dis à Nivaki de qu'il prononce comme la famille. Nivaki, si un homme, Nivaki, pas les langues qui dit la Nivaki, je te dis. Elle, Nivaki, je te dis, c'est pas mon Dieu, c'est Dieu de l'élimination. Moi, je te dis, parce que moi, c'est pour aide-moi à détester. Au bout d'un moment, il faut arrêter à être ingrat. Tu es très ingrat. Tu ne peux pas toujours faire les problèmes aux gens pour lui, pour non. Oui, il est pas ici, ma mère. C'est qui ça? C'est pas elle là-bas. Maman, voilà, c'est moi qui vais vous les photos là, non? C'est moi, non? Mais oui! Mais oui! Là, voilà. Positionnez le tir. Boum! Maman, es-tu pas là-bas, Benguru? Eh, mais quand ta fille me classe demain, je m'en fous. Je dis à Nivakine que s'il est un homme, il prononce ça comme ma famille. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Je m'en fous des vilains. Nivakine, je te dis, c'est ici. Moi, je prends le direct pour toi. Toi, je n'ai pas ton temps. Je viens là parce que je viens soutenir Mini, mais non, c'est pas le aide-moi à détester. C'est pas le aide-moi à détester. C'est comme vous d'un moment là. Comme tu t'as commenté que aide-moi à détester. Aide-moi à détester, c'est quoi? C'est qui ça? C'est qui? C'est même plus. Je sais même que. Bonjour. C'est qui ici? J'ai dit, hein? Il a la tête comme le pas. Ma bruit est là-bas. La tête comme l'igname, elle est là-bas, elle ne répond pas. Chienne là. Ne réponds pas, on va nous distraire. Elle a volé ton manteau. Attends, je vais te montrer. Le manteau rouge, les caleçons. Je vous dis qu'elle a volé les caleçons. Parce que quand elle est libérée, je me tais pour te répondre les classes. Wari, tu veux le manteau de fourrure sinon? Voilà. Voici la fourrure qu'elle a volée. Attendez. Quand vous avez dit à la fourrure et le manteau rouge. Moi, j'ai une buanderie. Nivakine, moi, j'ai une buanderie. Je ne peux pas quoi arranger. Voici le manteau en fourrure que Nivakine avait volé. Yeah, non, le manteau, si c'était pour toi. C'était mon manteau. Nivakine, regarde-moi où je n'ai même pas encore tout lavé. Regarde le lot de jeans que j'ai. Je vais commencer où et finir où. Yeah, toi, tu ne peux même passer à lui même. Partagez le live, s'il vous plaît. Yeah. Le manteau qu'il avait volé. Il avait volé madame, avait le manteau rouge. On doit la nommer. Mbombo Edou. On doit la nommer. On doit la nommer. Nivakine, Michel. Nivakine, tu sais que je suis amoureuse de toi. C'est toi le père de mon enfant. Tu ne me connais pas. Je t'ai dit que Nivakine. Nicole, c'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Nivakine, je te dis que comme ça m'a coïncidé, je passe par Mini Minor pour te répondre. Balata. Mini Minor, je te soutiens aujourd'hui, demain, après-demain. Les insultes, normalement, tu es personne. Il ne peut rien te faire. J'ai eu mal quand il t'a insulté sur TikTok. J'ai eu trop mal quand il t'a insulté. Et c'était pas son problème. Tu as eu des problèmes avec Annabella. Il est entré dedans parce qu'il est jaloux de toi. Si nous sommes les vérités. Je ne sais pas ça. Annabella, à un moment donné, on doit arrêter la bêtise. Oui. Attends, pour Waris, attends, il parle. Waris, j'étais là ce jour. Waris, bonsoir tout le monde. Bonsoir la TKC, bonsoir les abeilles. On est une famille. À un moment donné, on doit arrêter la jalousie. J'étais là ce jour. Mini Minor était en clash avec Annabella. Il est comme des jaloux de Mini Minor parce qu'il a vu le statut que Mafo a fait. Mini Minor, parce qu'il a vu le statut que Mafo a fait sur toi, Mafo t'a valorisé. Ça fait mal. Hein? Maintenant, et comme il a vu qu'Annabella t'a clashé, il est entré dans ça pour t'insulter. Nivakine, on a peur de toi. Tu comprends? Tes insultes, tu ne fais rien à personne. Voilà. Tu attends faire le mal avec ton genre. C'est moi, Nicole, que tu as. Tu n'as pas insulté, c'est pas rêvé pour Mafo et ma pépé. Mais comme tu as touché à Mini Minor, tu essaies. Nivakine, tu essaies. Tu veux finir avec ta race. Tu n'as pas peur de toi. Laisse-la. Ne le pique pas la belle. La dégâts, tu ne piques pas la belle. Tu es trop jaloux. Tu es jaloux, Nivakine. À un moment donné, il faut arrêter ta bêtise. Tu te dois rien. Mini Minor, on a la tête. Tu te dois rien. Mini Minor. Elle a star de TikTok. Mini Minor est la star de TikTok. Tout le monde l'aime. Parce qu'elle est gentille. Alors, vous êtes gentil. Laisse ta jalousie, ta haine. Tu exagères. Tu insultes tout le monde. Tout le monde, tu insultes. Hein? Moi, je m'en fous. On y va. Les insultes, la moitié de la personne. Tu ne peux rien faire à personne, Nivakine. Rien faire à personne. Tu es un peu mais de ce côté, vous avez peur de Nivakine qui dit non. Voilà, on a peur de qui est qui, maman. On a peur de qui est qui. Partagez le live, abonnez-vous. Essaye ce mini-minor. Et Nivakine, je vais partager.
partager. Attends, Mario, s'il vous plaît. Je dis qu'avant de lancer Warif, tu dois m'appeler. Écrivez-moi. Je veux prendre tes dossiers. Tous les personnes qui ont les dossiers sur lui envoyés, je prends. On va s'occuper de vous. Moi, je l'ai écouté. Moi, je l'ai écouté par le fric. Si j'avais fait l'erreur de faire quoi que ce soit avec quelque chose de là, si j'avais fait l'erreur de faire quoi que ce soit un jour avec moi, je vais laisser dehors comme ça. Si j'avais fait l'erreur de faire quoi que ce soit, mini minor, écoutez-moi, Nicole, c'est Nicole, non? Nicole, Nicole, c'est moi ma personne. C'est moi chez moi. Je suis, je parle à ça à Mondovision. Nicole est chez moi. On peut lui après l'avoir donné la BDT. On dansait avec les pailles, on montait, on sautait avec les pailles. Il y avait moi, mon ami, ce n'est pas vous conseiller, tout Nivaki. Nivaki n'a pas de filmer. J'ai sauté, j'ai attrapé le téléphone. J'ai passé. Yeah! Si je n'ai pas. Tu vois alors? Tu vois? Tu vois? Un petit jaloux. Un petit jaloux. Je vous le dis, j'étais là ce jour. J'étais là ce jour. Mini Minon n'a pas de. Mini Minon n'a pas de problème avec Nivaki. Mini Minon avait les problèmes avec Annabella. Il est entré à l'intérieur. Il s'est mis à insulter Minon. Avec Annabella, on fait notre game. On fait notre game. C'est le game. C'était le game. Mais il a pris sa comme ça chaque fois. Mon Dieu. Je ne fais pas le game avec lui. Ce que je déplore, hein, c'est que quand j'ai vu même ça, ce que je déplore, c'est que Annabella faisait du game. Tu vois, elle rigolait, elle parlait, mais avec beaucoup de classe. Bien sûr, elle rigolait. Elle était énervée comme les enfants pauvres de Mélène. Il est aigri. Il est aigri. Il y a un endroit où on cache les bâtons de fourrure. Tu vas cacher pour moi, s'il vous plaît. Parce que... Non, mais là, tu es la star de Tito, tout le monde les t'aime. Tu es la star, tu fais la jalousie. C'est pas qu'il est jaloux de toi. Maman, il est la star de Tito. Tu comprends non, pas. À cause de toi, j'ai fait mon TikTok. C'est les amis sur TikTok. Il a dit que... J'ai fait mon TikTok avant de faire un mini minor. Parce que comme j'ai vu qu'on t'avait dit, ça me faisait mal. Je me suis dit, donc les gens filent sur TikTok. Donc j'ai créé mon TikTok il y a deux jours. C'est Waris, W-A-R-I-S 237. Je vais tomber sur TikTok. On va tous faire là-bas. Il t'a dit... Hey, elle peut mourir sur TikTok quand elle voit les garçons là, les footballeurs, les gens, les filles. Je vais elle peut mourir. Bonsoir. Ce soir, assiette de la salle TikTok. Mon anniversaire est passé. Quand l'anniversaire de cette chienne passait, on faisait les litiges comme ça dans la team. On lui donnait. Mon anniversaire est passé. La team là m'a pas de cadeau d'anniversaire où? Parce que Mini Minon, on ne demande pas. Non, Mini Minon, vous avez fait la cotisation que vous faisiez la cotisation de cette mandiante là. Qu'elle va prendre l'argent où vous te donner. Avec les gars, on roule pas. Toi, tu as eu, je n'ai rien eu. Le seul et l'unique qui demeure, c'est Bilaki qui peut mourir. C'est quoi, Mini Minon? Mafo a confirmé, elle t'a valorisé, elle fait un beau poste sur toi. Elle a choqué Bilaki. Elle pourrait aller jusqu'à dans le village. Waouh! Mini Minon, vous avez toujours eu la chance d'entendre la chanson de Bilaki. On est dans. On leur donne. Moi, je ne savais pas comment elle m'a vu. Les appels étaient cassés, les gens sont levés, me donnaient de l'argent, je prenais les directs. Tout je mets ce gars au défi, tu essayes sur Mini Minor. Et toi, jamais, tu m'attends à insister sur Facebook. Parce que mon truc, j'ai pas peur de toi. On a des bons d'ailleurs. J'ai bon d'ailleurs, je suis fier de ça. Comme tu m'insultes tous les jours. Je te montre que je suis garçon, femme. Comme tu insultes les gens, je te montre. Je connais Nivaki. C'est quand vous faites là, c'est ce qu'il aime. Ce sont les curulates. Il va vous insulter parce que vous n'avez pas les balles. On s'en fout des balles. On peut garder les balles. Le classe, c'était. Tu vas m'insulter mille fois. Je bombarde ma voix deux photos. Bam, sur mon mur. Je me calme. Après ça. Les balles.
tu as les balles. Et c'est pas ça que je veux dire. Il ne peut pas être comme ça. Non, je le dis. Non, elle va t'insulter. Waris, ou c'est Ilo, ou c'est Elo, il va t'insulter. Et alors quand il va t'insulter. Elle s'appelait que. Elle avait dit qu'elle s'appelait au niveau de Davila. Après, elle s'appelait. Ça, c'est Davila à l'époque quand il était au Maroc, il braquait. Elle est venue. Davila, après, s'appelait maintenant. Elle, en tout cas, c'est elle que vous avez vu là-bas. Et ce sont ses amis, ce sont ses amis de Belgique. Ses amis de Belgique qui m'ont envoyé parce qu'elle a fait le. Elle a acheté la carrière. La, tu vois le photo de ce gars-là. Qu'on appelle c'est un jour ou c'est un jour. Les photos du sud gay là, oui. Où c'est marqué Black XXXL Barbare là. Oui, c'est, j'explique aux internautes qui sont hétéros que Barbare me dit sans ta porte. Donc, si vous ne connaissez pas. Ouais, okay. Je ne sais pas comment. Ouais, je voulais aller regarder la photo là où elle est travestie là. Il m'a qu'une travestie avec un jour. Va sur mon mur, tu l'étais en bas, je l'ai vu qu'elle est passée. Tu crois que toi tu peux me mettre au travail, mais moi elle vient venir passer les photos de mon agresseur. Ben, tu me dis d'effacer. Je n'ai rien effacé. Non, tu as bien fait d'effacer parce que j'ai utilisé. Waris, elle peut mourir. Elle dit que Mini Minor, est-ce que si elle m'habille, je peux être comme toi. Je dis que, mais attends, je rêve ou quoi? Allô? Elle t'avait aussi dit un jour que, comme toi, tu ne connais pas Galerie Lafayette. C'est moi qui ai venu vous dire qu'elle a acheté les balancés à 80 euros et la ceinture à ton gros. On était tous là chez moi. J'étais là. 80 euros la balancée à 20 euros de ceinture. 100 euros le. Maman, voilà c'est le parfum que je mets chaque jour. Je te dis que c'est le parfum que je mets chaque jour. Quand c'est fini, oh, je vais chez Louis Vuitton. Je vais chercher. Elle-même, elle le sait. Elle a commencé à dire que Mini Minor, est-ce que tu vas acheter le. J'ai dit que c'est ce que je mets depuis des années. Les gens, quand je vois ton manteau là, cher. Le je connais. Manteau aussi, là, je connais. Regarde, je n'ai pas expliqué l'histoire de ce manteau. Ce manteau de fourrure. Waris, écoute-moi. Oui. Ce manteau de fourrure, je n'ai pas acheté. Hein. Le manteau de fourrure, c'est là. Tu sais qui m'a offert ce manteau de fourrure? Tu as parlé de qui tout à l'heure? De qui? De Belfort. Ah, elle t'a donné. Ça, c'est le manteau que Stéphanie. Stéphanie est mariée, les bonnes choses, chère. Stéphanie c'est ma copine, non? S'est mariée avec ce manteau, s'est mariée. C'est-à-dire que quelqu'un te donne le manteau de son mariage. Il faut comprendre. Mini-minor, je vais te faire. C'est Stéphanie, mais c'est ma copine, non? Si tu Stéphanie m'a offert ce manteau, c'est le manteau que Stéphanie s'est mariée avec. Il y a la photo de c'est ma copine, comme ça. Je vais te faire ce manteau de fourrure. C'est le manteau de fourrure de son mariage. Stéphanie a pris. Mini-minor, prends ce manteau. Waouh! Dans ce côté, c'est Stéphanie est généreuse. J'ai les manteaux, hein. J'en ai plusieurs manteaux. Nibakine, même quand on ma belle tante. Nibakine, il est tellement fait du bébé. Ma part d'héritage qu'elle a trouvé me donner, c'est les manteaux de fourrure. C'est-à-dire que quand elle dit manteau de fourrure, c'est manteau de fourrure. Elle a manteau de fourrure de 15 000, de 20 000, de 30 000. Ah, moi, je dis ça, je connais ça, je connais où elle habite. Elle m'a donné son. Ma part, donc, c'est-à-dire que quand elle meurt, elle garde ses manteaux de fourrure, ça se garde au congélateur. Wow. Elle a tout un hall de magasin de manteaux de fourrure. Mmh. Bah, oui. Wow. Elle m'a montré. Côté là, Ngonda. Ngonda, on l'appelle Ngonda. Ngonda aime beaucoup, a les bons manteaux souvent. Hein. Nibakine, même dans les tendances de l'Europe, quand on dit que les petites tendances, quand c'est l'idée, c'est pas parce qu'on met la doudoune qu'on doit être mal habillé. Nibakine, je vais te montrer un peu. Parce que c'est trop bête. Tu as un petit habit comme un villageois. Tu as vu? En haut, c'est le truc et en bas, c'est la doudoune. C'est ça la tendance. Tu ne connais pas. Qu'est-ce que Nibakine connaît? Nibakine connaît quoi? Elle s'habille d'abord. Nibakine s'habille d'abord comment? Nibakine peut faire 3 jours, il se lave, père. Il fume. Quand tu parles de Nibakine, moi, bon, laisse Nibakine, là, c'est moi qui est la championne de la santé. Laisse accepter. Mais laisse-moi dire si c'est un ami de l'État pour ma famille. Je vous dis, comme j'ai eu la vidéo sur ma famille, je me suis dit que laisse-moi. J'ai dit les raisons, j'ai donné à ma famille les raisons que lui, il a l'air de saler les habits des autres. Moi, pour vous, laissez-moi, je suis adulte, donc ça me regarde. Si vous prononcez encore dans cette direct, partagez le live, si abonnez-vous chez Nicole, chez Waru. Si vous prononcez ma vie, je vous dis que c'est va pleuvoir ici des tombes de poids de mission. C'est très bien, moi je n'ai pas aimé. Tu ne peux pas insulter une personne que vous avez mangé ensemble. On t'a vu comment tu as vécu avec Mini Minor et tout. Vous avez mangé ensemble, on voyait comment vous faites. C'était beau. Mais tu peux quand même insulter ton père. Il faisait des petits c'était chez moi dans ma cuisine. Cette dévergondée là, cette dévergondée en histoire ouverte là, ne sait pas ce qu'on appelle un salon, une cuisine américaine. Une cuisine américaine est une cuisine ouverte au salon. Attends, elle t'a insulté sur ta cuisine. Elle me dit que j'ai.
Mais oui, Emilia, où tu as 221 euros, où tu tapes à 30 euros devant nous tous là. Parce que c'est mon quartier. C'est pas le dire là. J'ai vu les Américains. Tu dis que c'est moche là. Ta maison a des meubles. Je lui ai dit que s'il te plaît, la personne qui te suit n'est pas minuscule. Il est escalateur. Et s'il faut parler de meubles, il est quoi de meubles? Et ces meubles là, c'est moi qui ai choisi ce meuble. Si tu regardes même dans mon salon, j'ai le gramophone. Le gramophone, c'est ma décoration. Je suis parti. Des années antérieures. C'est pour ça que j'ai mis mon meuble et j'ai gardé cette table avec un bois. On a tout ça vintage. Merci chérie, vintage. Je suis à Paris, je vais à l'école chaque jour. Je te vois avec la blouse, parce que je suis abonné à ta part, je te vois avec la blouse de la Tu te casses le dos. J'ai dit que non, je vais valider, je vais continuer mes études. C'est comme ça que je suis retourné à l'école. J'ai validé mon diplôme, je suis quitté dessus, je suis quitté. Donc voilà, encore reparti à l'école. C'est la restauration collective. Mais ce qui veut vous montrer sur Facebook, vous avez confirmé le code. Et ça, pas en formation, là, moi, je ne rigole pas. Mon travail serait mon ministère. Je serais ministre dans mon travail, dans ma tête. Chérie, vas-y, je t'encourage. Oui. De la Croix-Rouge française, ce sont des écoles en lien avec lui, on peut dire comment c'est des écoles en lien avec l'université de la Sorbonne. Et je suis là. J'ai ma carte d'étudiant, c'est la carte d'étudiant de la Sorbonne. Oui. Je vais à la fac. Quand je serai à la fac, je vais souvent me lancer les lives. J'ai dit que je vais lancer le live étant à l'université à la fac. C'est là que vous parlez. Quand je vais finir mes études, j'aurai quand même un diplôme. Je serai quand même. Je me bats. J'y vais. Je vais réussir. Demain, je pourrais dire que j'ai fait, mais elle pourra sortir ça. Parce que oui, tu as été. Tu as été. Le plus, ce qui m'a énervé, c'est que quand il t'insulte comme ça, Antolina, qui est le plus grand parmi vous, accepte la bêtise. Non, ce n'est pas normal. Adina et moi, c'est la même génération. On ne peut pas vous dire. Waris, détruis l'hypocrisie. Antolina devait mettre la paix entre eux. C'est pas bon. Comment Adina va mettre la paix entre eux alors que lui-même l'invite à Adina comme il s'appelle toi aussi? Tu as été Adina est une victime? Comment tu veux qu'elle n'a pas réussi vraiment les coups de balle? Mais Adolina a donné son téléphone. J'étais dit que toi, Honoré, tu as dit que tu as. Honoré qui est le chanteur. Si tu me croises, Honoré le diamant, tu perds la route. Qui est le chanteur? Tu me croises, tu t'égares. L'un de vous s'égare. C'est-à-dire que je vais te renseigner vous sur moi. Renseignez-vous. Je ne veux pas parler au nom de la personne. Renseignez-vous bien. C'est-à-dire que ce que je vais te faire. Laisse-le. Honorer le chanteur. Non, même la police, personne. Tu me regardes seulement, mais tu ne me connais pas. Ce que je vais te faire, des choses que vous buvez souvent, c'est que vous dites que je vais casser la bouteille.
Tu vas voir. Tu verras le. Mais quel honoré, Billy Bina, le chanteur. C'est ça, les bêtises là. Le Congo, ça, il y a quoi? Ils étaient ensemble. C'est pas. Elle chantait Denise. Elle avait quoi? Le Congo, ça, ils étaient avec Ivaki nos jours là. Qu'elle dit à côté? Dis que. Ah bon? J'ai même pas vu. Il faut m'envoyer ça une fois. Je t'ai dit non. Quand Honoré a dit que Mini Mino, c'était quand? Vous rêvez souvent ou quoi? Ton rêve, c'est de m'héberger. Donc, vos rêves, là, c'est seulement que je sois un jour dans la rue et que vous m'hébergez. Mais si tu cherches une chambre pour faire la colocation, moi, je suis en train de lui parler. Vas-y, ma la chambre ici. J'ai trouvé déjà ma colocation à Paris. Oui. J'ai trouvé déjà ma colocation à Paris depuis longtemps. J'ai même appelé Mafo. Mafo m'avait même envoyé le numéro de téléphone de la même personne que Honoré m'avait envoyé. Il fallait m'appeler, voilà la chambre que j'ai ici, dis donc. Moi, je suis même pas dans ma colocation. Je suis ici à la maison, regarde, j'écris, non. Est-ce que je n'ai pas les voisins? Est-ce qu'elle n'est pas là? J'écris pas. Toi, tu parles avec une animal. Regarde, je ne cuisine même pas à manger. Je suis là-haut. La maman là va cuisiner, elle va venir. Mon fils vient manger. Denis. Parce que tu es gentil. J'ai fait un mois et demi à Strasbourg avant de venir. Je suis resté ici à Paris parce que j'avais un ami qui devait venir. Tu connais. Je suis venu à Paris parce que je devais venir à Paris. Il y a un ami qui devait venir et je suis resté pour mon stage ici là. J'ai dit que non, je reste. Les deux là. Et tu sais, je vais quand même te voir. J'ai dit que l'un de vous qui s'égare, il paie la route. J'ai dit que ça. Là, j'ai dit que. Qui va te taper? Ou Honoré ou bien Kivakin. L'un d'eux qui s'égare. Kivakin tape là sur Facebook, dis donc. Ah. Il va taper sur Facebook. J'ai dit qu'on va se croiser. On va se croiser, Kivakin. Je suis payé. Mais c'est pas vos choses que vous. Demandez, même Achille, le jour qu'on se croise avec Achille, y compris ça. Demandez-le, ils vont vous dire que je suis malade. Kivakin, je ne suis pas une femme. Il y a les couilles que tu. Nivakin a dit que quand elle me croise, il va me percer les yeux. Qui me fait ça avec vous? Avec qui? C'est avec Nivakin chez moi le 24 décembre. Que Nivakin vous dise la vérité. Il y avait Jérémy et Fanny, m'avait séparé. Demande à tout le monde que tu connais. J'ai mis la clé à mon caleçon. Nivakin m'a arrêté. Si une personne a traumatisé une ville, chef de l'État, Nivakin peut me faire du mal. J'ai gagné une cité en France. On était les Zoulous. Est-ce qu'il peut tenter moi? Je le détruis à un ami. Si c'est vous savez, Nivakin, elle n'est pas forte. Mais elle est forte dans la lâcheté, les bouteilles. Mais moi, le temps pas la bouteille, j'étais à arrêter les pieds, j'étais à acheter par terre pour mon village. C'est bagnon que tu fais là, tu as fait ça à ta famille. Une famille, on t'appelle Mandéti. Voilà, ma famille, donc, c'est-à-dire que sa mère vend en Côte d'Ivoire, il vend aussi en France, ou je ne sais pas, partout dans l'Europe, il est international. Et même en étant international, sa mère est en Côte d'Ivoire, sa maman est en France, qui cherche. Ça met d'abord Tchad avant en Djamina. Bon, ça là, je veux d'abord la juste. La photo de sa mère, c'est sa mère ici. Parce que je vais vous montrer. Où j'ai la photo de sa mère, où elle a l'air. Quelle souffrance. Elle est au Tchad. Sa mère qui le Tchad pour aller au Cameroun. Et au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a pendant la Côte d'Ivoire. Oh. Ouais. Tu sais, il y a les gens. L'héritage familial. Tu ne veux même pas me provoquer, moi. Parce que tu sais très bien que je connais trois personnes ici qui connaissent votre maison familiale. Si vous arrivez chez Nivakin, même pour des sages. C'est ton année, tu vas bouffer. Moi, je ne gère pas les querelles des enfants. Les querelles des petites filles que je suis riche et le blanc, il oublie que c'est moi qui a créé le Japap. C'est Mini Minon qui a créé ce qu'on appelle le Japap. Le mot même Japap, c'est moi qui l'ai inventé. Moi, je ne me querelle pas. Maman, le FBI, tu vas souffrir dans mes mains, Nivakin. Je te prononce son nom. Il a osé avec les photos que j'ai dans mon téléphone. J'avais les photos là, moi, 10 personnes de ma famille de garder. Quand je vois les photos des maisons des autochtones avec les 5, certains canapés, certains nos frères, les nations, les vagues, les vues, tout ça, les tombes, ceci, je dis, mais ils se moquaient d'Adeline. Les deux là ont la chance d'avoir les maisons familiales. Pas familiales, pardon. Mais comment tu peux te moquer de quelqu'un d'autre alors que toi-même tu ne fais rien?
Vraiment. Il a dit ton jour pour dire qu'il a payé, il a vivé de payer le permis à son frère. Aïe. Je suis en contact avec deux voisines. J'adore le chapeau de Waris. Je paye. Est-ce que vous ne voyez pas que dans mon Japon, quand l'université a commencé à me provoquer, vous avez tous vu pour un respect. Il y a beaucoup même d'entre vous qui ne me connaissaient pas. On n'a pas de problème. Et quand je me connais, il ne faut plus personne, même à la bêta. Tu cuisinais souvent ta pondeuse, ta poule pondeuse. Ma poule va, poule du. Ah, mais pour Dieu, je connais, non? Nibakim, avec mes 4 vues, j'ai plus de 2500 euros. Je ne sais même pas de qui m'a envoyé. Toi, tu peux parler à quelqu'un. Tu es dans le mariage. Pardon, la team, PDG, la team PDG là, et la team TKC. Pardon, envoyez-moi pas des cadeaux avant qu'on me tue. Je veux manger un cadeau d'anniversaire. On est une famille. On est indivisible. On est une famille. On est une famille. Même au moins, c'est pour l'honneur. L'honneur. On peut dire comment le grade de toutes ces années, le poids, vous savez ce comment on a fait pour avoir. J'ai dit qu'on te insulte de Waris, le chemin est long. Hein. Le chemin est long. Waris. Est-ce que ma fille clashe? Non, non. Moi, mon chemin, c'est que je fuis. Aujourd'hui, tu crois que tu peux fuir aujourd'hui? Tu ne peux plus fuir, mon traité. Aujourd'hui, là où tu es là. Aujourd'hui, là où vous êtes là. C'est le truc. Que moi, Waris, souffre. Tu peux m'inviter, faut de m'écouter. Tu sais, on peut m'inviter. Waris. Waris, on découvre chaque personne. Il y a des gens qui ne te connaissaient pas. Il y a des gens qui vont te découvrir. Il y a des gens qui ne connaissaient pas Nicole. Ils vont les découvrir aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Une fois que c'est parti, tu vois que Minimino, moi aujourd'hui, Minimino peut décider de plus faire des vidéos. Je vais toujours faire. Même si tu as réclamé, tu as sur Facebook. Viens nous faire les directs sur Facebook. Moi, je fais les directs, mais à mangeant. Je te dis encore, vous dis encore, vous êtes fort dans le virtuel. Moi, je suis fort dans la sorcellerie. Parce que moi, j'ai fait Zurich. J'ai fait le Lausanne, j'ai fait la Suisse, les femmes là me connaissent. Donc, je perds une femme de Suisse là. Et que je parle même, je mange. Quand j'ai rappelé l'Ibaki, il ne savait pas. Je ne l'ai même pas annoncé. Maman, on peut insulter quelqu'un comme ça. Et ce qui, non, ce qui, moi, ce qui m'a fait mal, c'est que il parle de ma famille, alors que c'est la famille là qui m'a donné tous les privilèges. Je suis l'enfant de quelqu'un comme lui et je l'accueille chez moi. Et il commence à m'insulter comme ça et insulter ma famille. Aïe. Donc, lui là, tu ne peux pas lui répondre, tu ne peux pas parler de ça. Viens prendre ça, tu pars avec. Viens porter ça, tu pars avec. Regarde ta vie, comment ta vie est misérable. Ta vie, sa vie est tellement misérable, Waris. Même tu vas à Paris où il y a les gars que tu avais 100 euros, 50 euros, 30 euros, tu pines là. Même pour la poule là, tu pines. Quelqu'un qu'on a refusé même son propre argent. Émilie, mais non, ce jour-là, j'ai eu l'impression d'Annabelle, parce qu'Annabelle était dépassée. Elle avait fait hein? Annabelle était dépassée. Que, hey, je suis en train de mon show, je suis en train de mon show. Avec Émilie, mais non. Elle va voir qu'il y a la vraie sorcellerie, elle va voir qu'il y a la vraie sorcellerie qui va te détester. Après, t'es vous. Elle est interdite de venir. Non. Je n'ai pas aimé le fait que tu as insulté toute ta version. C'est quand tu as lu la cuche. On n'insulte pas une personne. Je n'ai pas accueilli une seule fois. Nibakin quitte la première fois. Nibakin quitte la première fois de Dijon. Il m'appelait. Je n'avais pas encore vu Nibakin. Je ne connaissais pas encore Nibakin. On parlait puisqu'on était. Il était sur TikTok. Il défendait Flore de son côté. Et qui traversait des moments difficiles. Avec le monsieur chez qui il était à Dijon. Le monsieur avait les enfants, il avait tout le temps les problèmes avec les enfants et tout. Avec les enfants comme ça là. Oui, les grands enfants. Alors, il a des difficultés. Après, il m'a dit qu'il faut qu'il quitte de là. Et bien, il n'y a pas de souci. De là, il n'y a pas de souci, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Il avait un blanc en Allemagne. C'est comme ça que Nivakin est quitté pour venir. Mais Nivakin était sale. Même la dernière fois que tu étais chez moi, tu me parlais de manteau. Tu as pris mon manteau, même te couvrir avec mon manteau de fourrure. Que j'étais au salon sur le fauteuil, tu te couvres avec. Moi, je n'aime pas. Nivakin laisse la chambre. On l'a laissé dans la chambre. J'avais un ami qui était de passage. Wow. Il faut tourner de l'autre côté. Tourne ta caméra de l'autre côté. Je sais qu'il va me reprendre. J'attends le jour qui va déraper dans son banga. Ma famille. Voilà sa page. Voilà. Abonnez-vous à la page de Waris. Voilà.
Abonne-toi à Carrefour ouvert de Nicole Kecha. C'est de ça qu'il s'agit. Nivakin, tu as tes faux profils. Nivakin vous dépasse. C'est également les faux profils Nivakin. Tu peux te soutenir sur la toile. Tu marques les ménages. Nivakin, vous n'aimez pas. Nivakin, vous n'aimez pas. Nivakin, vous n'aimez pas. Waris, il m'a mis dans cette situation. Je veux me sacrifier corps et âme. J'ai dit, je me sacrifie. Mais viens, viens le 11, viens, viens, ça me dit mon anniversaire. Ça me dit là, il y aura tout le monde de Paris ici. Même les amis qui connaissent son musique, là, ils sont ici. Ils sont ici. Mieux même, hein, je viens comme ça, ils me voient bien. Comme ça, on voit bien. Le menu. Côte de porc braisé, poulet braisé, poulet DG, poisson bar braisé, maquereau braisé, tilapia au barbecue, à la poêle, viande dans les légumes, chèvre braisée. Comme j'ai un ami congolais qui m'a beaucoup aidé, c'est là qui dit qu'il veut le sakasaka, je sais en faire où. Donc, voilà tout, va dire le menu de chez moi. Pourquoi tu n'as pas trop. Pourquoi tu m'amuses trop, Nicole, et 10 000 fois mieux que la lionne, Nicole. On va vous appeler les noms des gens, pourquoi ici? On n'a pas parlé de Nivakin. On n'a pas parlé de Nivakin. Vous venez avec le nom de notre soeur. Pourquoi laisser la femme? Moi, honnêtement, la bêtise, s'il vous plaît. La bêtise, c'est qu'elle est. Parlez de Nivakin, zéro distraction. C'est lui qui est le problème. Écoutez bien, moi je me tiens, moi je fais mes petites vidéos ici à Paris. Je me perds pas, hein. Continue, je me perds pas. Je fais mes petites vidéos à Paris où je mangeais, je dansais et les gens qui me connaissaient depuis. Je sais, À la base, on m'a connu sur Facebook sur Paris. C'était pas dans votre monde virtuel là, dans Paris. Maintenant, comment cuisiner le poulet du. Alors, je voilà. Maintenant, le Lofodja m'a présenté Nivakin. Je ne voulais pas. D'accord. Je ne voulais pas. Elle m'a grondé, mais comme le loup foutait, moi on est comme ça. C'est une personne que elle et moi, ça. C'est comme toi et Flon, non? Moi, elle et moi, je connais visuellement, on se connaît. Donc, mais je dis à vous, bon, que Nivakin vienne à cause de loup foutait que j'accepte. Nivakin, quand tu as vu des gens, tu parlais une baratée qui t'avait envoyé chez ton frère, toi. Tu es venu chez moi, non? C'est comme ça, donc, que le loup foutait, je t'en fais venir. Ça n'a même pas fait 2 mois. Nivakin a commencé à se le loup foutait. Je quittais chez moi à Reims. Ne dis pas chez moi à Reims pour aller chercher Nivakin. À cause qu'il insultait le loup de Marie-Louis Mbaga. J'arrive chez lui, on a appelé avec les Nivakin. Nivakin était couché sur mon canapé vert. Il était malheureux. J'ai dit à Nivakin que un enfant n'a pas. Non, je dis ce que je dis, c'est la vérité. Vous voyez qu'il veut dire que c'est la vérité. Non, elle dit à Nivakin qu'un enfant n'a pas honte ça. Mais même le chassement là-même, je n'arrive plus à chasser. C'est tout une abeille qui me donne ma vaseline comme ça chaque jour pour mes. Comme ça que je laisse Nivakin. Je laisse Nivakin. Le salon de coiffure qui est à Paris. Le salon de coiffure qui est à Paris à Château d'Eau. Il y a un salon de coiffure à Château d'Eau. Il ne t'a pas dit, il me dit à l'époque style, avec les longues tresses. Il dit qu'une femme féminine doit avoir les longues styles. Je l'ai vu, non? Nivakin était vu, non? Nivakin mettait les fausses à Château de Pomme comme ça, là. Tu mets ça poudre, tu fais comme ça, là. Ça remplit le doigt. Il part à Château de Pomme. Il part à Château de mettre les fausses il avait les longs traits. Il disait qu'il avait les longs ongles comme ça. Nivakin dit, si je manque les embarras, c'était chez moi. Il dit que une femme féminine doit avoir les longs ongles avec les fausses styles. Fallait voir Nivakin. La poudre de ça, quand il marchait en journée, il mettait ça de ses lentilles. Dracula. Il sait qu'il ne manque pas. Donc, même derrière les paris qui vont voir, il y a des gens qui me connaissent qui voient. Il mettait la poudre blanche. Non, il mettait la poudre, je crois, marron ou noir, mais en fait, il avait un système que. C'était pas sa teinte de peau, il ne savait pas ce que c'était. Non, en fait, il avait un système qui mettait les longs ongles comme ça, longs. Avec le vernis très long, hein. Bon, je suis jamais parti avec lui là-bas à Château d'Eau, mais il avait beaucoup, il avait les longs ongles, il rentrait sur les reins, et puis il mettait les cils comme là, les longs cils là. Et du coup, il faisait ça les rasta. Vous voyez les rasta, non? Pas les rasta des hommes, les rasta des femmes d'Afrique là. Oui. Longs,
Waris, il y a énormément de personnes in école, vous tous présents, il y a énormément de personnes qui m'ont dit, Mini, tu te respectes beaucoup, Mini, on te respecte, Mini, tu n'es pas comme lui, ne lui réponds pas. J'ai dit, je vais faire ce direct, je ne fais pas ce direct au fait parce que je les respecte pas, ou bien peut-être parce que j'ai peur de quelqu'un, mais parce que dans notre société, les gens sont très malhonnêtes. Les gens sont très malhonnêtes et très, très hypocrites. Il y a des personnes même avec qui tu es. Mais dans leur tête, c'est que, oh, Mini, Mino, je ne vais jamais clasher quelqu'un si la personne ne me clashe. Non, même moi, c'est vous-même qui partez. Honoré, même que tu comprends là, c'est Honoré qui part avec Niva qui me clashe. Mais Honoré, c'est ma personne. Si tu ne fais pas sur. Tu peux faire le proposant sur moi dans la vie. Est-ce que je vais venir forcément sur TikTok, sur Facebook te clasher? Si tu viens sur les réseaux sociaux me clasher, je vais te reprendre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Et comme ces personnes, ils n'ont pas la visibilité, on ne voit pas, mais on voit que nous directement. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Depuis, si on tape sur Facebook, sur YouTube, Nivatine Clash Mini Mino, vous allez voir les vidéos il y a 3 ans, il y a 4 ans, depuis longtemps. Je réponds quand? Je réponds quand? C'est aujourd'hui que je réponds Nivatine, j'ai dit que Nivatine, j'appelle comme ça que Nivatine, je te réponds. Nivatine, tu peux pas la tape. Attends. Tape Nivatine. Accès à la publicité. Attends. La publicité, elle est aussi. Je ne vais même pas les pubs là-même. Tu remontes à cette vidéo. Nivatine, que ta mère l'a prostituée. Tu peux me parler. Nivatine. Mais c'est cette chose. Ouais, il est gentil. Il est gentil. Dénigé. Le Congo, ça que la France, il fait, tu peux disparaître. Ah bon, le Congo, ça, sur Benzina, jusqu'à j'ai dit que, hé, maman, tu connais Benzina. Mais il a dit quoi, c'est toi, en fait. Il a dit quoi, Demi. Mais il m'énerve. C'est juste comme on est. Il a prononcé, Nivatine prononce le nom et même Adeline a écrit que ce n'est pas moi, c'est Honoré qui a mon téléphone. Ils étaient ensemble. Sur TikTok, mais... tu ne parles pas que je parle mal. Moi, j'avais dit Adeline, moi, honnêtement, excuse-moi, Adeline, je n'ai pas pour toi. Tu es ma commande. Honoré a pris le téléphone de Adeline pour m'insulter avec. J'ai dit que. Avant le direct. Adeline, ton téléphone, fait comment que tu. Adeline, elle me dit que non, c'est Honoré. Il dit que mais tu donnes ton téléphone comme insulte avec. C'est ton nom qui est écrit. Nivatine, mon bébé, va acheter les pizzas. On mange. C'est pour toi, là-bas. Tu es là-bas, ton bébé. Donc, quand tu racontes l'histoire, c'est comme ça qu'il était là-bas avec son monsieur, là. Mais son monsieur, là, il disait que non, il ne peut pas être avec le monsieur. Oh, la cocaïne. Le monsieur tape la cocaïne. Maman, aujourd'hui, elle ne peut pas laisser. Ce n'est même pas une histoire de cocaïne. Nivatine et moi, on a tout le coup ensemble. À l'époque, à Carona, on a appris un coup ensemble. Elle est ça. Ce n'est même pas ça le problème. Elle a campé chez moi. Oui, on peut héberger tout le monde. Ça, c'est normal. Ce n'est pas une chose qui est mauvaise. C'est une bonne chose. On est en Europe et ça peut arriver que la route tourne dans la vie. Tu comprends? Pour moi, dans ma tête, c'est que quand j'ai ouvert ma porte à cette personne, ce n'était pas dans le sens que j'imaginais que cette personne était tellement mesquine. Elle était dans l'hypocrisie, elle était dans la concurrence, dans l'aigreur. Moi, je ne connais pas ce mode de vie, je ne connais pas ce système. Je n'étais pas dans mon petit coin. Alors, quand Nivakine est arrivé chez moi, moi, j'ai accueilli Nivakine. Bon, ça va là, c'est tout. Quand Nivakine venait même chez moi, même le week-end, peut-être le jeudi. Je viens par exemple pour le week-end, je viens peut-être jeudi. Quand Nivakine va se taper, c'est une semaine, c'est deux semaines. Bon, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est déjà que soit même hygiénique. Je ne vis pas seul. Sois-même hygiénique. On a une chambre, on a un salon, on a une cuisine. Tu connais comment on parle la... Je ne lave pas les plats. Moi aussi, ferme la gueule, s'il te plaît. Voilà, je ne connais pas. C'est moi qui ai des plats. Je ne lave pas la main. Pas ça ne tient à rien. Je prends les plats, je les vois, je vide l'assiette comme ça là dans la poubelle. Et ensuite, je rince un peu ou je fous dans la machine à laver. C'est juste ça. Maman, l'évier dans la cuisine. C'était souvent en plomb comme ça là. Le watt rentre, le watt regarde comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça se nettoie. Et moi, quand je rentre, je pète un câble, je me dis, mais putain, mais ma cuisine n'est pas sale comme ça. Je connais pas ce bordel, mais c'est bordélique, là. Je nettoie. Même les personnes que j'ai accueillies chez moi, il y a des gens que j'ai accueillis, des gens que j'ai aidés, j'ai fait venir. Mais en aucun cas, ces personnes n'ont un jour eu un problème. On ne les connaît même pas. J'ai des personnes que je ne peux même pas partir. Je salue. Je t'ai vu. Polo, je t'ai vu. Donc, mais ces choses, le jour qu'ils viennent à Strasbourg, ils devaient aller chez mon meilleur ami. On parle parce que mon meilleur ami. Mais quand je connais mon meilleur ami, j'ai vu son comportement, comment il a commencé à se comporter. Il voulait un peu faire jage. J'ai dit que non, moi, normalement, il ne venait pas chez moi. Il ne venait pas chez moi parce qu'il ne nous avait même pas avisé. J'ai vu commencer à voir la tendance. J'ai dit que non, pardon, mieux je pars. Nivakine, c'est où tu es encore revenu chez moi? Quand Nivakine est revenu chez moi, Nivakine,
est venu chez moi, j'ai sorti une bouteille, non, la café, une bouteille de champagne. Je suis allé, j'ai pris, je dis, bah, écoute, on va boire cette bouteille de champagne. On a bu la bouteille de champagne, on a causé, causé, causé jusqu'au matin. Je devais normalement aller travailler, je devais me reposer. J'ai même pas pu me reposer. Le lendemain, j'ai porté mes pieds pour aller travailler. Après ça, je n'avais pas bien dormi. Pas la chambre. Minor. PDD. Plus en plus beau. Merci, venu, Germain. C'est gentil, Germain. Donc, j'ai porté mes pieds pour aller travailler, j'ai laissé une vacine. J'ai dit, bah écoute, quand tu rentres, écoute, essaie de faire à manger, essaie de faire. Je crois qu'on avait fait la blanquette de... ou les escalopes de veau à la crème fraîche, un truc comme ça, aux champignons. J'ai dit, bah écoute, fais quelque chose pour que Nivakine puisse manger et tout. Maman, c'est Nivakine qui va t'élever demain pour venir insulter cette personne. Mais normalement, je commençais le matin et je terminais très tard le soir. C'est-à-dire, quand je partais, il dormait. Je revenais parfois, il était après à dormir. C'est pas moi qui préparais, qui faisait. C'est-à-dire qu'ils ont mangé le matin, il a mangé. À midi, il a pris le petit déjeuner. À midi, il a déjeuné. Et le soir, il a pris le dîner. Et je ne suis même pas là. Moi, je pouvais faire la cuisine, mais je n'avais pas le temps. Il fallait pas. Que je fais la cuisine. On te dépose une Nivakine. Par exemple, tu démarres sa voiture, pas te déposer par rapport à quoi. On le faisait. Mais tu vas venir insulter quelqu'un qui ne sait même pas que tu l'insultes. Quelqu'un qui demande que tu reviennes dans sa maison, il va t'ouvrir la porte, il va même encore te donner. Mais tu t'assois et vous n'avez aucun rapport. Aucun rapport. Vraiment. Tout ce que j'ai en Europe là, cette personne m'a soutenu grâce à cette personne que tu insultes là. Tout ce que je suis là, c'est grâce à cette personne. Tu as compris? Ou même le diamant, c'est grâce à cette personne que j'ai dit. Je suis quoi? Je n'ai pas besoin de vendre le rêve parce que j'ai des personnes qui me suivent. Je ne vends pas le rêve. Si j'avais trop, je ne serais pas ici. Ma famille n'est pas riche. Si j'avais trop, je ne serais pas en Europe en train de courir par-ci, par-là, travailler, en train de faire le métier, le métier d'être soignant. J'ai laissé. Comment énervé quand elle a insulté ton mari? J'ai eu mal. Il était à mon mariage. Il connaît ma vie. Il ne connaît pas ma vie, Nicole. Il ne connaît pas ma vie. J'étais mariée. Il devait se marier, non? Il va se marier. Il a entendu que Mini Minor a l'enfant en Europe. Il a commencé à parler que, oh, parce qu'il a j'ai fait le Mouna. Il a entendu que j'ai besoin de parler de ça ici. J'ai besoin de parler de ça. Moi, au demain, il veut que j'ai fait l'enfant ici, là ou pas. On a même vu, j'ai même posté la photo que voilà mon enfant. Oublié, j'ai pas besoin de poster. Non, la vie. Deux jumeaux. Je vois comment on a voté. Avec Koumis. Oui. Il est capable de jouer avec Koumis. C'est même sur de la fille, même la cousine de Koumis, c'est ma cousine. Il avait volé la. En fait, il avait dépisté la petite fille de tous les 15, 14 ou 13 ans. Et puis, il a volé la cousine qui était avec le blanc, qui est ici à Paris. Et c'est pas qu'il a fui. Il a fui avec les 3000 euros là. Ils sont partis avec Anne-Laure pour voyager la Boza. Elle va au Maroc, il a fait le fil, il est parti au Cameroun en 2010. Et puis, il a encore au Boza encore. Je maîtrise, je dis donc, vous parlez de quoi? Donc, je le maîtrise. Donc, cette personne-là qui va passer son temps à insulter là, il ne peut pas. On connaît très bien que la Croix-Rouge française, c'est une école qui coûte énormément cher. Mini, mais non, tu ne sais pas comment parler. Donc, tu travailles à l'hôpital, tu mets la blouse, tu fais des tutos avec tes collègues de service, la jalousie, mon frère. Je me lève, ça. Il est aigri. Si je parle même sur Snapchat, on regarde, je ne pas il y a 3 ans, on va voir. Il y a 3 ans, on va voir. Mais. Merci d'avoir un tanga. Nivakine. Non, moi, en fait, je n'ai pas aimé le fait qu'il vienne se mettre pour rester Mini Minor. Bon, et quand je connais, j'ai vu la République de Mini Minor où quelqu'un t'a ouvert sa porte 2 fois, mon frère. Je ne le pas même pas, Wari. Je ne l'insulte même pas. Non. Je m'en fous de Nivakine. Tu t'es exprimé. Tu as raconté le détail de comment tu l'as connu et tout. Et comment tu l'as accueilli chez toi. Moi, franchement, je conseille Nivakine que Nivakine, nous sommes en Europe pour nous chercher. Le Wati que tu as avec lui, hein, cherche ta priorité, ce sont tes Kaolo. Quand ça n'a pas marché, il a quitté pour aller. Je crois qu'il est parti en Belgique. Il dit que même quand il était en Belgique, il venait nous voir à Strasbourg. Hein. Il est parti en Belgique, on l'avait opéré la nuit. Souvent à Strasbourg. On l'avait opéré la nuit. Quand on a opéré la nuit. L'histoire de la nuit, là. L'histoire de son. C'est moi qui ai la vraie version de la nuit, là. Je connais, non. Je veux savoir la vraie version. Parle de l'histoire de la nuit, là. Pardon, s'il te plaît. Je ne dis pas qu'on va répéter, mais pour ça, pour les publications, les photos, pas vous dire. Ça, c'est sûr. Mais vous dites que. Chacun son japap, non. À chacun son japap. Woyo, je ne vous donne pas mon japap. Si c'est pour les photos, non. Mais pour la nuit, c'est Nivakine est tombé ici devant nous ici. Et où il est tombé, c'est à 20 minutes de chez moi.
la nuit. Hein. Donc, quand que tu tombes, c'est un cop. C'était trop ouvert ou bien c'est comment? C'est quand tu sais que quand tu n'as pas tes médicaments, non? Oh, mais médicaments du sommeil, maman, ou bien ces médicaments de quoi? De... Du Luxembourgeois. Hein? Maman. Attends. Et le pire, c'est que c'est toujours lui qui toi t'a dit que les gens ont les VIH. Alors que lui-même, lui-même, il a, depuis que je suis enfant, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a fait la maladie. Le cul, oh. Lever les pieds. Mais tu gamin, hein? On est parti trouver la vaquette. On est parti trouver la vaquette. Tu vois, c'était à pourri. On a cousu. L'ouverture. L'ouverture. Donc, quand il a fait la bombe, en fait, il pouvait se battre pour avoir les taoulos. Il pouvait se battre. Tu as vu que quelqu'un s'est couché sur moi. Ouais. J'ai mis dans les filles, j'enseigne, tu mets les enfants. Tu as compris ça dans ta tête. Tu as dit que tu peux créer que j'ai fait l'enfant. Tu as fait l'enfant. Quelle fille peut être bête? Quelle fille peut être stupide? Périllon, tu es de ma côté. Tu te tends les nerfs, merci. Quelle fille peut être bête? Donc, on a cousu l'anus. Hey! Tu sais que. Je vous avais dit, demande à ma copine, il y a ma copine qui avait clashé, une grande fille de Paris qui roule à la Range Rover et l'oncle arrive. Il est parti, elle était là, on l'avait portée. C'était là, au 31 rue de l'ambassadeur, mon ami l'avait plus là-bas, il m'en fout. Elle dit que. L'axe lourd. Donc, quand les gens viennent parler ici, c'était peut-être pas ce qu'elle avait fait. Mais tu tombes sur les pompes, tu appelles les pompiers te tiennent au courant, non? N'est-ce pas? On sait que c'est ça qui est ça. Moi, je suis la corona. Les insultes, en fait, c'est ça. Moi, je suis la corona. M'a insulté dans le profil de ta fourrure. Maman, tu me vas l'insulter. Vous me voyez l'insulter. Moi, je ne fais pas mon temps dans les insultes. Le clash, moi, je te clash comme les sorcières. Alors, je te sors mon côté chrétien, je te sors mon mamie attaque. Je te clash comme tu fuis. Je mets les balles réelles. Nivakim, ouais. Clash intelligent. Nivakim, je suis bamléqué, étonne de ça, écrit bien de bois manga. Dans ce bâtard-là. Bien même de bois manga. De souche même. C'est-à-dire que Nivakim, ouvre ta bouche. Tout ce que tu dis sur moi, les gens n'ont pas compris. Quand ils font le conseil, eux-mêmes, ils portent les pieds pour venir dire ce qu'ils ont dit. Ils n'ont jamais rien compris. On ne parle pas de ça. Je n'ai pas le conseil, mini-minor. Quand tu es quelqu'un qui sait ce que tu veux, j'ai un autre mot. Ils parlent eux-mêmes derrière. C'est-à-dire que tu vois, les gens vont pas faire votre conseil de vous, non. Vous-même, vous portez, vous venez dire que mini-minor, moi, j'ai dit que l'autre dit ça pas. L'autre dit ça pas. Mini-minor, ils vont mourir! C'est donc pas chez le blanc. Mini-minor était en Djamena. Quand j'étais en Djamena, je suis allé en Djamena pour le stage. Je n'étais rien. Je ne connaissais même pas ce que c'est que la sexualité. J'étais qu'un petit garçon. J'ai dit même petit garçon, j'étais dans une famille d'accueil. Il a même parlé de ça. Il a même parlé de ça dans le clash. Moi, ce qui m'étonne même, vous savez quoi, mini-minor? Moi, ce que je comprends, il y a des trucs que je ne peux pas entrer dans certains détails parce que, bon, comme je suis ton direct, je te respecte. Tu vois? Mais ce que je ne comprends pas avec lui, c'est que pourquoi est-ce que lui, il est toujours en train de clasher les gens qui l'ont tendu la main. Quand je viens intervenir ton direct là, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Tu peux dormir chez moi, tu me clashes déjà. C'est quoi? Ah bon? En plus, en France, elle vient chez moi, je suis à côté de Versailles, je suis à côté à 30 minutes en voiture, c'est chez moi ici. Je n'ai rien à tirer. Donc, quand les gens parlent là, oh, ouais, c'est crippé de dettes. Tu es crippé de dettes, mais pourquoi ça va payer loin alors? J'ai été ici à Paris, j'ai été touché parce que je suis arrivé ici à Paris un jour. J'ai un de mes fils, c'est-à-dire un fils qui est marié avec une famille et un enfant aujourd'hui. Il m'a invité au restaurant. Il m'a dit, Mini, je t'invite au restaurant, choisis où tu as envie d'aller. Même si c'est sur les champs, on va manger. Choisis où tu veux, ce que tu veux. Comme tu aimes le luxe, quoi là, tout ce que tu veux. Il m'a invité. Pour une bonne raison. Un grand changement dans sa vie. Honoré le diamant, là, c'est où j'ai compris que Honoré connaissait cette personne. Non, tu sais que laisse Honoré, elle est artiste, laisse-la. Quel artiste où? Artiste pour aller où Honoré? Elle chante, non. Je veux te montrer. Elle a fait le concert en Belgique, elle chantait la vie, la joie, la paix. Laisse-la chanter, c'est une artiste. Dans le Congo, ça, elle a parlé de sa meilleure copine ici à Paris, sacré sa meilleure copine jusqu'à partout. C'est qui sa meilleure copine?
copine. Ouais, une grande soeur qui l'aidait, qui l'amenait partout dans les grands milieux. Elle peut parler de quelqu'un. Moi, mes mini minons, on aurait massacré. Tu ne peux. C'est quelqu'un que non, méfie-toi. Je, comme Waris, comme je suis en train de te dire, méfie-toi. Non, moi, Honoré, c'est comment je connais Honoré Diamant, c'était l'année 2017. Écoute, Honoré, on sortait par exemple parfois, on se retrouve au restaurant, on sort, on va peut-être à l'after. Tu vois un peu des petites sorties comme ça là. Sans plus. Mais regarde ce que ça donne aujourd'hui. Imagine les gens comme ça, tu vas faire 100 mètres avec elle. Moi, j'ai connu Honoré Diamant à la BBB et il est venu chez moi une fois. Et je m'en fous. Il a même mis à sa vie Nibaki. La partie là. Voilà. La partie là, je vais te dire. Elle a sorti que c'est Nibaki qui l'avait violé, Nibaki qui avait mis quelque chose dans son verre. C'est faux. Non. C'était au stand d'un garçon chez moi. C'est faux. Allô. Ils ont nias. Marie et femme. Vous laissez mon nom tranquille. Aristocrate. Les aristocrates. Deux filles font quoi ensemble? Non, c'était les filles qui s'aident de nous. On s'entraide. Ah, c'est que tu dois faire la. Quand là, j'achète ta cape, non. Mais là, si tu dois faire son anus à son anniversaire à un jeune sans préservatif. J'ai dit, mais vous ne mettez pas. Je suis venu la demander, mais vous ne mettez pas le préservatif. Qui a fait ça? Qui a puni sans préservatif? Nivakin. Nivakin. Et c'est le truc qui va me discuter. Oh, Facebook. On va tout voir. On fait ça en préservatif avec son mari ou son copain. Parle essentiel. Ou sa femme. Est-ce qu'on parle de les biboines? J'ai dit que. Attends. J'ai dit que la nuit c'était ouverte. J'ai dit que. Nivaki avait mis les pieds comme ça. Je suis venu regarder. Donc, je suis venu. Il peut vous dire que j'étais venu. Je suis venu comme ça. Il dit que. Hé, hey, maman. Vous êtes en train de baiser. Nivaki, vous ne mettez pas le préservatif. Il a dit que. Oh, il a dit que. Hé! Hey. Comment le logo Bangala là? Maman, Nivaki est parti. Elle est partie. C'est comme mousse. On pile Nivaki. Tu sais que non, parfois il y a les choses. Tu sais que non, moi-même là que je parle comme ça, j'ai la bouche. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc je voulais voir avec mes yeux. Maman, comment Nivaki avait écarté les longues jambes là. Elle avait écarté. Maman, la tête est devant comme la girafe. Le cul est derrière penché. C'est le bruit, c'est le poil. Le poil, le poil, le poil. Il y a des wouhou. La vie s'est ouverte au Wataru. Non, flou. Elle a la supporte le Bangalais. Mais regarde le malien là. Le malien là qu'il a donné. Non, tu sais. Qui ne peut te faire 10 clients par jour, mais quand tu vois quand tu vois l'argent qu'il a à la fin, c'est les 500 euros. C'est même pas comment tu sais que les 100, 150, 150, 150, 80, 120, 150, tu sais que tu vois quand tu dis que là, tu as mis lesquels. Lui, c'est les. Comment c'est? Je n'ai même pas trop parlé, pardon, ne me venez pas taper mon pad. 10 euros, 20 euros, on dit 5 euros. On dit qu'elle a fait 4 coups. Pour 20 euros. C'est-à-dire c'est moi qui étais là, j'ai vu. Un coup, 5 euros. J'ai deux coups, 10 euros. L'autre coup, j'ai 15 vu. Euros. Pour les 20 euros, c'est moi qui étais là, j'ai vu. Il a dit, je l'ai dit 3 fois dans les coups. Une fois dans les coups. Venus, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Amine, on a été salut. Venus, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça fait un bail, ma chérie. Bonsoir à toi. Bisous là-bas. Tu sais. Oui. Tu as fait quoi? Attends, c'est Nivaki qui vient en faux profil, dit, elle était venue avec son sale faux profil sur mon mur, dit que, Waris, laisse un peu Nivaki, occupe-toi de ta vie, je connais tes mots, c'est elle. Je l'ai bloqué même Nino, c'est Nivaki. Allez, on va plus chercher autre chose, pas mini minon, pas que les mini minons, les non, est-ce autre chose? La fille, elle est tellement, Nivaki, tu es tellement envoûté par ma vie. Je comprends que je suis la star. Oui, je suis la star, je sais que je suis la star. Mais quand tu peux faire un mini minon, tu dois faire très attention. Il est envoûté. Chérie, tu m'en fais. Même quand il était encore dans le noir, il te clashait même par jalousie, quand il était encore dans le noir, il te clashait même par jalousie. Bien sûr, c'est normal. On est star, on va faire comment? C'est la star mania, non? Non, tu sais qu'elle est star mania. Tu es humble. C'est comme ça qu'on doit être. Tu ne faut pas clasher. Il s'assoit, il insulte les gens qui l'ont fait la porte. Je te défends, ouais, la liberté. Je te dis. C'est quoi ça? Quand j'ai écouté ton Dieu, j'ai dit, mais donc, c'est quoi?
Il va s'abonner là, il fait le même coup. Oh, Marie, ça te dit, mais pour vous, vous dites, il n'y a pas de sexe. Regarde encore, une marque appelle la robe que tu n'aimes pas. Il va qui? Je twerk. Tu peux twerker, il va qui? La diarrhée va couler. Tu peux? Il va qui ne peut pas. Les fesses, la nuit, c'est percé. La nuit, c'est. On a cousu. Je vous dis, je connais la tête de la nuit. Je t'ai choqué. Je vais faire la jeune. Lancez-moi un litip. Donc, c'est-à-dire que faites-moi un PayPal impossible. Que cette chienne va mourir. Moi, j'étais même choqué. J'étais choqué. Quand vous attendez, j'étais choqué quand on parlait de la nuit. J'ai appelé mes amis qu'on connaissait. J'ai dit, mais comment les gens de Facebook connaissent ça? C'est là qu'ils voient que, mais. Quand ils tombent sur moi, ils disent que, mais. Dieu te tue. Je t'ai dit. Niraki n'a pas venu. Il dit que. Waris est laide. Waris soit un téléphone. Waris est pauvre. Tout en menant le challenge de réalisation. On dit que tu es jolie. Péry, le lion dit qu'il ne t'a jamais dit ça, que tu es une très belle femme. Oh, merci, merci, Péry. Merci beaucoup. Merci. Waris, tu sais, franchement, dans notre vie ici, hein, aujourd'hui, dans notre vie, on ouvre les portes actuellement de gens. Et parfois, on se fait passer pour des personnes qu'on n'est pas. Mais en réalité, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas des mauvaises personnes, nous sommes de très bonnes personnes parce qu'à la base, nous sommes déjà exposés. C'est nous qui devons faire attention à qui on fréquente. Parce que la plupart de ces personnes ici en Europe, que ce soit les hétéros comme les homosexuels. Qui a tapé qui l'a envoyé? Souffre de m'écouter par là. Ces personnes sont tellement haineux, dans une haine, dans une concurrence ignoble qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi l'homme est comme ça? Tu ouvres tes portes à quelqu'un, la personne vient juste pour t'espionner, juste pour voir comment il va venir demain t'insulter. Tu ris avec au point où tu ne peux même plus faire confiance à quelqu'un. Pourquoi vous êtes comme ça? Sachez que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, tu t'attaques à nous, on va te répondre. Et il faudrait mettre les pieds sur le paquet parce que les classes ne se limitent pas seulement à toi. Si tu clashes, n'oublie pas que tu as ta famille, tu as ta mère, tu as tes enfants, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as tes amis. Le clash va de loin. Donc arrêtez souvent de vouloir toujours vous attaquer aux gens et quoi qu'on ne peut pas parler de vous. Nivakine Valo, aujourd'hui, ta pauvre maman qui est exposée, on a sorti tes photos de position en Djamena. Tu as dit que Minimino était en Djamena. Minimino faisait la pute. Voilà pour ta mère qui sort là-bas. Tu as dit que Minimino, Paris. Voilà ta part qui sort à Paris. Tu as dit que Minimino, tu vendais le piment à 20 euros. C'est, voilà pour toi qui sort. Tu n'as même pas vendu. C'était 20 euros, mais divisé par 4. C'est-à-dire que tout ce que tu diras de moi, sortira sur toi. Et t'es dit. Tout ce que tu sors sur Minimino, là, tout ce que tu veux inventer sur moi, ça sort sur toi. Voilà aujourd'hui, ta vie. Quand on va sortir la photo de ta pauvre maman en train de faire la pute, la pauvre femme l'a demandé quoi à quelqu'un. Minimino, je ne te coupe pas. Hein. Est-ce que tu sais que c'est toi qui as même donné le courage à Nivaki de venir sur TikTok? Bien sûr. J'étais là, non, j'étais dans des. Tu te dirais depuis le début. C'est pour qu'il y a de nous. La vie que vous voyez là, vous dites, mais les abeilles ont été cassées. C'est Minimino. J'étais là, vient dans Tito, vient rapporter ton argent dans Tito. Minimino, tu as donné le courage à nous. Mais quand tu n'étais pas dans les trucs des patriotes avant, là, quand tu. Oh mon Dieu. On n'en voit pas le lion. Il faudrait que la personne ait une considération pour toi. Le premier jour qu'il a dans ton Tito, il a eu les travaux, tous les cadeaux. Franchement, la vie. Non, ce gars est haineux. Ce gars est haineux, franchement. Les gars, là, que ce soit les gars, que ce soit les femmes, ils me donnent. Je t'ai dit. Je fais mes lives pour rigoler. On est dans la rigolade. Mais tellement que tu es haineux, tu es déplorable. Jaloux. De quoi vous êtes jaloux? Non, frère. C'est toi qui l'as mené. C'est-à-dire que Nivakine, tu avais créé ton but de te travestir, non? Quand tu te travestissais, tu faisais les drag queens. T'as pas de drag queens que tu faisais. On a tous porté les perruques, ça fait quoi? Ouais. Ça fait quoi? Dis donc. Ça fait quoi même des dames? Vous vous justifiez qui? Non, je n'avais même pas de façon. Tu m'appelles ici. Je n'avais même pas de façon. Tu m'appelles ici. Je n'ai jamais fini. Je me cache. C'est qui ici? Vous parlez de quoi? J'ai peur de. Ouais, vous êtes. Je veux tous dire qu'il y a une. Regardez mon concept. Je suis moi. Est-ce que porter même les perruques, même c'est la qualité des perruques là? Quand tu t'habilles, tu te déguises, tu danses bien, tu es sensuel et c'est beau. Ça veut dire que tu es jaloux. Oui, quand tu es là, tu es sensuel et c'est beau. Je fais mes lives.
J'ai les cadeaux, Je même trop. Oh, je suis ma parole, je ne justifie pas ma peur que j'ai montré. Il est joli quand il se déguise sur TikTok. Il est beau, il est sensuel. Les gens aiment. Il va voler ton coton. Au bout de ça, moi je suis venu avec qui dit donc, moi je m'en fous des cartes. Regarde. Tu vois. Je vais voler tes photos. Je n'excite pas les gens. Je sais ce que je fais. J'ai mes cibles. Waris, tu as vu celle-ci? C'est jolie. Maman, les vaccines. Tu as envie que les filles de France soient plus puissantes. Donc, je fais mes vidéos parce que j'ai envie de rigoler. C'est parce que tu es belle. Mais bien sûr, c'est pour rigoler. Même en... je suis beau mec. Je sais ce que je veux. Je suis un bel homme. C'est pas que taper. TikTok me paye, non? TikTok me paye. J'ai les abonnés. Même sur mon compte, j'ai les abonnés. Je fais, c'est mon délit. Mais ces personnes-là, c'est-à-dire que... Je voulais tes photos pour ma caisse. Je connais un gars congolais qui l'avait piné dans les toilettes de train à Liège parce qu'il n'avait pas d'argent pour... Il n'avait pas d'argent pour quoi? Pour acheter Facebook. Et c'est lui qui aimait parler. Mais c'est bêtise là. L'agnus partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu écartes ton anus partout? Mais la bouche et l'anus partout, c'est écarté. Mais où va la terre? Mais ma très chère. Je vois qu'avec tout le make-up même et le filtre, Jacques a qui fait là. Il a fait quoi? J'attends sa réalisation. Là, je n'aurai pas mon chantier dans 2 semaines. Après mon adversaire. Mais quel est ce genre de personne que son anus est écarté partout? On t'a baisé ici. Mais n'as-tu pas de dignité? Ton cul est devenu sueur. Tu poses devant ton cul. Tu te bases moi avec ton anus partout. Elle aime les immigrants illégaux là. Elle aime les gens de l'Afrique de l'Ouest. Elle ramasse même à la porte de la chapelle. Vous tapez Mini Minor PDG original ou Mini Minor officiel, vous allez me trouver. Je suis sur TikTok. De quelle suite demain, elle va nous ajouter Balata. Mais quelle prononce ma famille, c'est une personne. Je lui mets ici. Ah! Je me rends compte qu'elle prononce. Mini Minor, il va te dire, comme tu es marié en Europe avec un blanc, tu n'es jamais marié. Non, tu n'es jamais marié avec un Mini Minor, la vérité, c'est que toi, tu es assis, tu es quand même. Parce que c'est quand même besoin de te mettre dans la maison, elle met ton nom. Allons dans ton sens. Tu es besoin de te mettre dans la maison. Attends. Alors, dans ton sens. Allez-y, avec ma photo, salue. Elle dit que bonsoir. Quand tu m'as dit que mon beau, il dit qu'il est là. Il dit salut, non, ma mère. Il dit salut. Oui, mais non, allons dans son sens. Oui. Si une personne t'a mis dans la maison jusqu'aujourd'hui et que tu es officiellement dans la maison, là, et tu n'as pas fait ta formation, tu rentres chez toi, ça veut dire que tu as ça à gagner. Où est le mariage? Merci. Je vous dis, quand on va venir prendre mes photos, il a pris 10 pailles. C'est moi qui l'ai dit que vous avez dit. Tu as touché. Ivakine, on ne fait pas ça au bordel. Je me rappelle il y a quelques années en arrière. J'avais les watts qui étaient lourds. Ivakine nous a demandé de raconter ça à Waris. Ivakine me dit que Mini Minor, c'est chaud, je souviens. Il dit que Ivakine n'a pas de problème, je vais te présenter. Je vais t'envoyer les watts. Mais la seule condition que je vais te donner, c'est que ne parle pas de moi chez Watts. Ah bon, hein? Ouais. Ivakine a pris les watts. Il dit que, maman, tu sais, dans la vie qu'on aide les gens, non. Pas fait tes choses seul, tu prends ton argent et puis basta. Le Watt me draguait, mais le Watt n'avait jamais accès. Tu connais les Watt riches là, non?
bien riche, chef d'entreprise. Elle m'a demandé même encore que, mais non, le Watt est où? J'ai dit que le Watt est là. Le Watt, c'est mon ami. Non, je ne peux pas dîner ensemble, je ne peux pas coucher avec lui. Il dit que c'est mon pote. Je ne couche pas. Je ne fais pas. Quand tu parles de Watt, laisse-le le Watt, m'a quoi lui. Attends, alors, c'est fini l'histoire. Mbakin Dong est parti avec le Watt. Le gars, elle a amené même un gars. Première fois, ça s'est bien passé. Elle était contente. Deuxième fois, elle a pris là. Elle était contente. Elle était où c'était paru, mais je ne sais pas c'était où. Mbakin a ramené même un gars avec. Ils ont volé la montre du plan. Volé l'argent. C'est comme ça que c'était fini. J'ai même encore envoyé d'autres personnes. Des gens prenaient leur argent. Des gens prenaient leur... Jusqu'à ce qu'ils sont partis jusqu'à commencer à demander 500 euros au blanc. 500 euros au blanc. Le monde dit, ben, tes amis, les gens que tu m'as présentés, ben, ils me demandent 500 euros. Hein. J'ai dit, hein, papa? Le roi est là jusqu'aujourd'hui. Le roi dit, ben, t'as beau faire... Ils ont raconté ma vie comme ça, raconté des choses sur moi. Le roi dit, ben, t'as beau faire du bien aux gens, ben, ils parlent de toi. Voilà ben, ce qu'ils m'ont dit. Tu sais, moi, je ne donnais pas la possibilité à ce blanc, en fait, de m'appeler, tu vois, de m'appeler ou bien de... Tu vois un peu le genre, non? On pouvait se retrouver... On se retrouve au restaurant. Mini, ça va? Tu vas partir où? Tu vas à Paris? Ben écoute, je te réserve un truc. Je te prends un truc, tu vois, des endroits. Ben écoute, on va voyager. Tu vas aller en Afrique. Je vais te prendre des billets. Viens, on va en vacances. Je dis, non, c'est gentil. Ben non, merci. Hein. Tu vois, c'était un peu ce genre de personne. C'est-à-dire que c'est tout le genre de personne que si tu as un problème même de 5 000, un problème même de 3 000, le roi peut t'aider. C'est d'abord Ils m'ont fait quoi? Ils ont parlé de moi là-bas. Et quand ils parlaient de moi, c'était pas qu'ils ne savaient pas ce que je faisais. Et ils ont dit que si vous voulez le blanc là, appelez-moi. Je vais négocier pour vous. Si vous voulez ce blanc, c'est... appelez-moi. Tu sais que une femme m'a dit que elle m'a dit que toi, tu es le genre que tu parles avec les gars, des gens. Moi, Mini, demande-leur que quel gars. Demande-leur que est-ce qu'on a déjà eu le même gars? On est sorti avec le même gars. Mon meilleur ami, quand je dis que c'est mon meilleur ami là. Nicole, écoute une vidéo là-bas. Nicole, écoute ta vidéo, s'il te plaît. Nivakin demande à Nivakin que quel gars est-ce qu'on a déjà eu en commun? Quel gars? Elle veut parler de mon meilleur ami. Il y a une histoire qui s'est passée avec mon meilleur ami. Demande même Gonda. Elle va te dire. Gonda, on se connaît très bien. Stéphanie peut te dire. On se connaît très bien puisqu'on est chaque jour à Strasbourg ensemble. C'est qu'on a souvent des blagues que Mini Mino est sans sentiment parce que je dis souvent que le jour que vous perdez la route de vos camarades, j'accepte ou mes vos filles, vos copines, j'accepte seulement. Comme on dit souvent dans nos blagues pour rigoler, on rigole souvent dans nos délits. La bêtise prend la chose. Quand on sort même souvent comme ça, on dit que Mini Mino, toi, tu as tout le monde et tu dragues. Mini Mino, laisse même qu'on drague. C'est un peu dans ce sens qu'on rigole souvent que Mini Mino, voilà telle personne comme ça. Quel gars, je suis sorti à Strasbourg. N'est-ce pas, je fais quand toujours mon meilleur ami aujourd'hui. On se retrouve toujours ensemble, non? Je suis dans sa maison, non? On se retrouve, non? On est toujours ensemble, non? Je dors même là-bas. Ils sont où? Est-ce que si tu as fait du mal à quelqu'un comme ça un jour, même quand il faisait le live sur Facebook, on m'appelle. Il peut m'appeler, il va dire que Minimino, coupe ton là, Minimino, fais attention. Moi, je n'ai pas aimé le fait là. Moi, je n'ai pas aimé ça. Si je viens te défendre là, te soutenir surtout, c'est parce que je n'aime pas le fait que tu as dit que tu l'as accueilli toi deux fois. On n'est jamais arrivé chez Nivakin. Je n'ai pas accueilli Nivakin. Et c'est toujours lui qui l'insulte. Nivakin est venu chez moi autant de fois. Ma porte a toujours été ouverte. Autant de fois. Même quand maman, il a même la clé. Il venait ça à Paris, même quand tu parlais partout dans la BDD. Pour voler pour aller. Mini, raconte-nous la partouze que Nivakin a fait avec Thierry Tchoumi. Je ne connais pas la partie que Nivakin avait fait. Je ne connais même pas qui est Thierry Tchoumi. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne connais pas. Tania, je ne connais pas. Je ne connais pas parce que Nivakin, on m'a dit que Nivakin a fait la partie. Attends, mais laisse-moi te faire parler. Ton Dieu, je sais. Non, on me demande que Nivakin a fait la partie. Mais c'est que je te dis que personne ne va arranger à ce problème-là parce que Nivakin n'a pas le droit de laisser les gens qui l'ouvrent la porte. Ça, là, ce côté-là. Quand tu veux le dire, la question a dit, je vais en. Ce n'est pas un problème. Mais c'est de temps en temps. Moi, j'ai une vie à faire. Le 11 samedi, tu es ici, on va manger, ici, on va boire. Hey, mes amis, le bar aussi, que Nivakin connaît. Quand tu vas le dire, tu vas les voir comme ça. Mais écoute, je vais aller. Et lundi, je vais aller. Je ne suis pas ton ennemi. Et Nivakin, je ne suis pas un grand mec. Tu me fais 1000 directs, mais quand il peut tomber sur un jet, on parle de toi, je t'atomise de ça, bam. Je pars. Donc, je veux te dire que moi, je n'ai pas aimé le fait que je viens de m'en. Je te dis mon but. Je suis quelqu'un de droit. Moi, je n'ai pas fait le quelqu'un qui dit ce qu'il pense.
le fait qu'il t'a invité alors qu'il est arrivé chez toi, on n'est pas quelqu'un qui t'a hébergé. Il y a un problème que ma gamme me dit, que la personne qui t'a ouvert sa maison, qui t'a donné à manger, à boire, et tu le fous, il peut te maudire. Si tu n'as rien fait, si c'est que c'est lui le coupable, c'est autre chose. Mais si tu n'as rien fait, dans ce côté, on n'a jamais fait ça. Et puis, il a fait, toi, tu as dit, il a un mauvais français là qui doit les rayonner. Il y a même un fait Abdel qui avait été bloqué. Quand tu étais à bloquer toi deux fois avec Claude Lacam. Mais là, je vous laisse. Ça va quand te bloquer. Tu m'accordes, mais calme-toi. Hein. Je te vois, je lis. Les haineux, les pauvrettes. Elle vit dans un petit village à côté de Charleroi. Les filles de Belgique, même qui vont faire le Wakaché, qui vont être bêtées. Il va vous faire ça. Il faut être stupide. Il faut être stupide. Il va être un village comme les Charleroi. Un parti dans un petit village. Les années où on paie la maison à 300. Mais il va tout faire. Waris, depuis que tu me connais, depuis que tu as entendu, tu as dit que Mini Minor est venu voir ou bien Mini Minor a connu quelque part là. Sérieusement, je n'ai jamais mis les pieds à Reims. Je n'ai jamais. Non, moi, je n'ai pas entendu. Ça n'a même pas menti. Mais honnêtement, il m'avait appelé, la salope m'appelle la dernière fois qu'on parlait pour son mariage. Et viens chez moi, tu verras comment le bonhomme, ça m'a dit, viens chez moi, tu verras. Et mais, il dit que viens chez moi, il y a le waka. Je regarde Mini, je regarde Nivaki, moi. Je vais prendre ma pays, ma valise, pour aller chez Nivaki, que Nivaki n'est qui. Il faut être stupide. Nivaki, non, vend le piment. Je me suis assis comme ça, là, que, même s'il vend le piment, là, la qualité, s'il veut vendre le piment, là, ça veut Nivaki. Ça veut Nivaki. Si elle dit que je peux m'asseoir à Nivaki pour vendre le piment, je ne peux même pas m'asseoir ou je peux m'asseoir pour vendre même ça. Maintenant, je veux vendre le piment. Et là, elle veut vendre le piment. Wari, j'ai dit bien ceci. Si je veux m'asseoir pour vendre le piment, Nivaki ne peut même pas s'asseoir là-bas pour vendre. Qui n'a jamais vendu le piment? Même moi, je veux vendre le piment. Il y a piment et piment. Retenons qu'il y a piment et piment, il y a catégorie par catégorie. On dit que quelqu'un vend le piment à 5 euros. Elle est forte, elle a l'eau. Elle est forte dans les piments des Noirs. Nivaki aime les West Africains avec les Sierra Leone. C'est un aristocrate. Ce n'est même pas le but de piment. C'est-à-dire que c'est un héritage. Non, pas moi ici. Ok, envoie, il va prendre. Il va tirer le piment comme ça. Mais c'est à dire qu'elle assise au bas comme ça. Ah, ma carna, oh oui, Mini Minor, je vais te donner un challenge jusqu'aujourd'hui. Je vais continuer mon chantier, tout le temps, sans vous montrer. Il monte son challenge. Il a rien fait. D'ailleurs, vous avez menti que ma mère vient à Kibi. Que ma mère vient à Kibi. Ma mère vient à Yaoundé où je l'ai offert le terrain de sa maison. Moi, ma mère vient à Kibi. Même si la planche ou c'est la tôle, c'est toute la maison qu'elle construit, non. Chérie, quand on parle d'hommes qui vendent le piment, on parle des escortes. Des même pas escortes. De 20 euros. Non, on appelle ça en bon français prostitute. Ça, c'est même. Les escortes, même. Parce qu'une escorte, c'est une fille qui va au rendez-vous, mais tu vas manger, mais on lui paye. Ou elle fait des prestations, massage, on paye. Mais c'est dans la classe. Attends, faut ne peut pas baiser avec Nivaki. Ça, c'est pas possible. Taf, faut ne peut pas. Laissons les bruits. Taf, faut ne peut pas. Taf, faut ne peut même pas. Taf, faut de Espagne, il ne peut même pas. Ah bon, il y a un taf en Espagne, c'est qui? Il y a un taf en Espagne, taf qui faisait les vidéos, taf ne peut pas baiser Nivaki. Hein? Taf ne peut pas baiser Nivaki. Même pas. Que ça a commencé? Hein? Ouh, impossible. Partagez un peu ça. Like ça, s'il vous plaît. Oh. Celle-là peut parler. Elle peut parler à qui? Vraiment. Quand on dit. Mais c'est quoi ça? Toujours que d'insulter les gens à gauche, tu insultes. Toi, il va te clasher. Tu clashes Paul. Si on regarde sur YouTube, on va regarder comment. Il va qu'il a clashé tel. Il va qu'il a clashé tel. Il va qu'il. Tu vois, je rigole. Elle ne clash pas. Elle se querelle. Dans sa tête, elle fume souvent. Elle n'a caché. Elle doit garder un seul dealer. Elle doit garder une seule personne qui lui livre ça. Mais on lui livre ça souvent, ne sèche pas. Une personne comme ça, c'est quoi? Même au Cameroun, les enfants. Pas les oreilles. Maman, tu fumes le manga, ça te fume. Il y a une vraie fille. Les filles des sous-quartiers qui aiment les querelles.
C'est pas pour un oui, pour un non, c'est l'avec qui est au quartier alors que personne ne lui a rien fait. Non. C'est l'écureuil. C'est de l'hypocrisie. Cette chose est hypocrite. Je ne sais pas comment je dois t'appeler. Si je dois t'appeler oiseau de nuit ou corbeau, ou je dois s'appeler tu, Nivakin. Mais quand tu es maigre, il ne reste que les os. C'est pas moi qui tue. Waris qui t'a hébergé. Waris qui t'a aidé. Qui t'a montré comment on peut même un peu se laver, que va te laver, Nivakin. Tu campais sur le canapé, tu suivais. Ah, mais voilà quoi, mon écoute, attends, non. Comme tu as dit que tu me fais, comme depuis tu me fais les problèmes, Nivakin, je ne te réponds pas. Quand tu vas prononcer ma famille, le problème qu'on aura, c'est que tu me dois 3 000 euros, les 6 mois de loyer, 500 euros par mois. Tu ne m'as pas donné ça. Donc, pour l'instant, je ne dis encore rien. Comme tu voulais les problèmes, quand je vais commencer avec toi, là, quand tu vas prononcer ma famille, là, quand tu vas me donner les 3 000 euros, là, Nivakin, bats la tête à ta famille avec moi. Pas vos trucs que vous faites, c'est que vous vous chamez, vous me chamez. C'est maman Samuel qui va goûter ici. Je m'en fous même de tes grands-mères, je m'en fous. Tout même tes tantes, les Lilian, les mémés, ils veulent vous allumer, vous tous. Ta soeur qui a fait l'enfant, j'ai fait ma bouche. Ça va venir. Ta soeur qui a fait l'enfant avec qui, sa soeur? Maman. Non, 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 c'est même, j'ai pas fait. Sa soeur a fait l'enfant. C'est mon japap, ouais, et je vais te soutenir, laisse mon japap. Non, mais dis-moi le japap. Juste le japap là, après tu me donnes. Juste le japap là. Oui. Okay. Juste le japap là. Je ne peux pas décrocher parce que je suis en appel sur mon téléphone. Parle doucement. Mimu, dis que. Approche ton téléphone comme ça, tu parles doucement. Non, je ne m'approche pas, je parle doucement. Oui, parle. Juste le dernier chapitre. Le dernier chapitre, oui. Oui. Nivakin, la soeur de Nivakin, la petite soeur de Nivakin, la dernière, a fait l'enfant avec le chien de Nivakin. C'est un voisin de Mélan qui s'appelle Junior. Et il voulait Moussa. Nivakin était le chou du gars. Le gars a pigeonné Nivakin au Maroc. J'étais vous dire des sources, je joue comme ça là. Et c'est à ce qu'elle est rentrée, elle n'a pas la soeur. Donc, il a couché. La soeur lui fait un peu le même compte. Je vous jure. Vous regardez. Maman. Je te défends. Je te soutiens. Je l'aime pas. Non, moi, je n'aime pas les affaires que tu as fait du mal. Genre, tu touffes ma porte, tu entres chez moi. Et là, tu me rends chez moi. Tu entres chez moi. Ce que tu veux faire chez moi, c'est ma maison. Vraiment. Voilà. Et dès que Nivakin a fait la petite soeur de Nivakin, Nivakin, tu as un faux profil là, tu me vois où tu te dis. La petite. Que ma petite soeur, il me parle pas. Ma petite soeur Marie avait un couple. Je ne m'entends pas. Nivakin. Je répète encore, tu vois. Ma petite soeur Cameroun est mariée avec un colonel. Ça dit que tu ne peux même pas parler là où la petite la parle. Elle écrase toute ta petite famille comme ça. Comme de la merde. Je mets seulement mes petites soeurs, je mets seulement mes deux petites soeurs derrière toi. On connaît mes petites soeurs. Je les mets seulement les deux petites filles là derrière toi. Elles terrorisent toute ta famille. Oui. Voici ma balayée. Donc là, en fait, la petite soeur a arraché le mari de sa grande soeur. J'ai payé 35 000. J'ai fait 15 000 plus 20 000. Et là, j'ai encore envoyé 20 000 parce qu'il y a quelqu'un qui m'a encore le mal. Je veux vous dire quelque chose que la petite soeur de Nivakin, la dernière, a fait l'enfant avec son voisin qu'on appelle Junior Amélien. Et le voisin, c'était le gars de Nivakin. Et le voisin, non, attendez. Ouais, c'est mon japap. Oui. Bon, comme tu te. Non, tu as d'abord dit ça. Ouais, maman, Waris. Partagez le live. Je le dis que je vous engage, maman. Le gars, c'est comme un gars du quartier qui part en aventure, qui est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est scope Nivakin. Nivakin, j'ai ta vie, c'est vraiment. Et quand le gars donne la rentrée de dépasse, il rentre au Cameroun, il fait donc l'enfant avec la petite soeur de Nivakin. Il y a les problèmes de là. C'est le dernier. Nivakin, tu as parlé de ma petite soeur. Voilà pour ta petite soeur qui est sortie. Tu que ma petite soeur, tu connais ma famille. Oh, hey! Wow, l'héritage familial. C'est lui qui fait le. C'est lui qui fait les vidéos, me donne 1 000 euros. J'ai dit que sa petite soeur, bon, la maladie qu'il a portée chez le grand frère, il a envoyé sa petite. Ouais! Ouais, le site de la famille, allô! Ouais, non, ouais, moi! Ouais, go, pou, moi, pou, men! Ouais, yo, gapfou, gapfou, gapfou! Yiii! On pleure! Yiii, le cul! Tu ne peux pas.
accepté que Nivakim se lève, il m'insulte, on n'avait pas de problème, même quand on a fait la réunion ici à Paris, il me dit, tu allais voir ici à Paris, tu comprends, non, le 11. Ils vont te dire que Waris n'avait aucun problème avec lui. Même qu'il m'insultait, ils m'ont convoqué à Paris, tu comprends, la communauté de Paris. J'ai dit que non, on n'a pas un problème. Peut-être qu'il va inventer sa page. Mais il allait loin. Moi, j'enlève ce qui m'a insulté, je m'en fous. Mais tomber sur ma famille, je te dis que sa petite soeur a fait l'enfer sur le show du Maroc. Oh, aide! Je vous aide. Regardez les talons, mais. Hey! Ouais, ça a léché les talons. Non, et mes voisins, vous savez que ici dans les quartiers comme le 92 et 78, dans cet endroit où on habite, moi, au centre-ville, vous voyez la mairie en face, je suis en plein centre-ville. Toi, tu vas voir le 11. Je ne peux pas faire trop de bruit ici. Ce qui met le mot demain pour signaler parce que les gens. Tu as raison. C'est là où tu vis. Attends, Minimi, non, pourquoi tu comprends ce que tu dis? Tu vas voir ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu dis. C'est pas le mot. Non, regarde. Tu as raison. Regarde. Quand c'est comme ça, il faut. Regarde. Attends, regarde. Regarde, je peux te dire que chez moi, ici, ça ne rigole pas. Tu vois, les papiers. Chez moi, c'est un truc. Tu as vu, non? Donc, ça me. Si tu fais tchac, j'ai 62 mètres carrés. Va le mobile là-bas en haut. Moi, souvent, les maisons-là, ils ne sont pas super bien isolés, au fait. Non, c'est que dans les. Même à Strasbourg, chez vous, les immeubles haussmanniens, avec les trucs haussmanniens comme là, enfin, c'est ça qu'on dit haussmanniens. Ben oui. Ça... Je connais, je sais très bien. C'est de magnifiques appart. Vous avez vu, non? C'est là. Pourquoi tu fais là, c'est les anciens. Là-bas, c'est là-bas, c'est la table à manger. Bon, là, je vais jeter l'autre là. Mais c'est les appartements. Vous voyez un peu, je suis dans un appartement standing. Même dans le 16e, tu ne peux pas faire trop de bruit. Tu ne peux pas. Même que ça soit, peu importe où tu es, tu peux être, peu importe où tu habites, tu ne peux pas. À une certaine heure, il faut laisser les gens. J'ai une grande cuisine de 13 mètres carrés, c'est fermé. Mais la bêtise, c'est ce qu'on appelle la cuisine de 13 mètres carrés. Elle ne sait pas ce qu'on appelle la cuisine. Tu parles de quelque chose à quelqu'un qui ne connaît même pas, quelqu'un qui n'a même pas de maison. Tu es allé en Belgique. En Belgique, tu as eu les papiers en Belgique. On t'a donné la maison. Même la maison qu'on t'a donnée pour que tu travailles, tu as laissé abandonner la maison pour partir. Maintenant, pour venir renouveler tes papiers, tu es obligé de partir supplier Adolina pour essayer. Et même chez Adolina, tu as insulté. Tu as failli brûler la maison d'Adolina. Elle veut parler à qui? Il n'avait plus la maison pour renouveler ses papiers. Il fallait qu'il renouvelle ses papiers quelque part. C'est pour ça qu'il a couru pour aller camper chez Adolina pour pouvoir renouveler ses papiers. Oui, mais non. Je me sers ton direct pour parler ce qu'il parlait. Parle. Vous voyez que quand c'est de ma famille, je ne calcule pas. Parce que je veux l'avertir, parce que lui et moi, soit je parle de lui, je parle de ce que j'avais à dire, parce que c'est ma famille. Mais s'il parle avec ma famille, encore qu'il fait un autre direct, il n'a pas la part de lui. Je vais même pas vous appeler, on va vous dire que Waris a un direct. Parce que il me connaît. Je vais montrer, il avait dit que Waris a bien vu, Waris a suivi. Quand j'ai fait le direct, il m'a dit qu'il allait faire le direct aussi en même temps que moi. Je l'ai tapé pour tout, trois fois pour. Ou je lui ai dit que mon chéri, mon amour chou, mon chéri est l'âme du chou. Chou, le père de mes enfants, ma sœur de foi, je t'aime. Prononce ma famille si tu as un nom. Oh! Je te dis que non seulement il y aura ma famille, il y aura les 3 000 euros que je vais te réclamer sur Facebook. Tant qu'on ne me donne pas les 3 000 euros là, je ne te laisse pas. Là, tu as fait chez moi 6 mois, tu as payé quoi rien. Tu as volé les habits de. Même les caleçons rouges, Marc Pinky, les Chinois. Elle a voulu. Hey! Une dévergondée voit ta route comme ça là. Regardez, je jure. 4 grammes. 4 grammes. Maman, c'est tes talons là qui me tuent. Ça, les petits gosses comme ça. C'est joli, hein. Ouais, c'est bon. C'est ça, les belles tatoues. C'est ça, les belles tatoues. C'est ça, les mango. La peau neuf, même. Non, en fait, c'est comme la maman. Pour la maman, pour la matière. Pour la maman. Pour la matière. Donc, ça peau neuf, voilà. C'est pour la matière au cabot. Pour la matière. Ouais, le cul. Maman, j'ai aimé. J'ai grave aimé. Tu avais aimé quoi? Maman, j'ai aimé. Oui, papa, le goût, ça avait le goût jusqu'à. Tu sais, Waris, au fait, je vais te dire,
Sincèrement, tu sais, même quand tu fais les clashs, je regarde tes vidéos parce que c'est les clashs même tu fais, même tu rigoles même. Ce n'est même pas des choses même pour être, pour faire la haine. Et c'est ça que c'est que quand on est sur Facebook ou sur TikTok, tout ça, c'est le game. On fait pour rire, on ne fait pas peut-être pour... Même Annabelle, que tu vois, on a jamais dit vraiment nos vrais liens. Ils ne connaissent même pas vraiment nos vrais liens. Parce que quand on parle. Il dit, mais non, tu n'as pas de bâtisse. Je vais t'appeler mon même WhatsApp, mon même téléphone. Oui. Dans une minute. Ok, à tout de suite. Pardon. D'accord. Joachim, moi, je vais venir, mais non, je vais te laisser. Non, je viens là tout de suite. Ok, je t'attends. Nicole. Je vais te laisser, mais oui, vas-y. Ça veut dire que même quand Bibi, c'est qui est aux États-Unis, là, non, a demandé qu'il laisse. Il n'a même pas voulu. Tu sais qu'il y a des gens qu'on ne peut pas prononcer, qu'on est souvent sur Facebook comme ça là. C'est pour ça que j'ai mis les noms des gens. Apprends. Les personnes, en fait, quand il y a même une... Il y a des gens que tu prononces les noms, même en bien ou en mal. On va les appeler. Tel avait prononcé ton nom. C'est vrai. Alors que c'est des personnes que peut-être ils ne veulent pas forcément. Même Ivakil l'a insulté, Ivakil avait clashé correctement sur Facebook. Bien sûr, je sais tout ça avec bien voilà. Sûr. Donc c'est pour ça que parfois il y a des situations, j'aime même pas prononcer les noms. Parce que tu prononces le nom de quelqu'un comme ça, même par mégarde comme ça là. Mais c'est des trucs que tu n'as peut-être pas envie. C'est pour ça que parfois je raconte pour faire l'histoire qui s'est passée, ça avait commencé, je t'aime. C'est pour ça que je ne raconte pas l'histoire. Je raconte des personnes qui sont concernées directement. Mais ce gars est haineux. Mais c'est pas ce qui te prend, Mignon. C'est pas ce qui te prend. Dans sa vie, c'est ça. Je suis son. On appelle ça comment, son miroir. Il peut nier. Mais depuis des années, Ivakil est à l'afflux de ma vie. Il cherche, ouais. Il vante, il crée. La personne qui me connaît, même les personnes qui me connaissent, même avec qui même j'ai même été même dans la maison, même eux-mêmes ne parlent même pas de moi. Eux-mêmes, ils ne m'insultent même pas. Vraiment. Il y a même quelqu'un qui m'a accueilli ici à Paris, même accueilli. Quand je suis venu, j'entends comment la personne même ne parle même pas. Voilà, c'est ta connexion, ça fait échec connexion. La personne ne parle même pas. Mais c'est Nivakin là, qui ne me connaît même pas. Que quand Nivakin, tu viens chez moi là, quand c'est pour sortir avec toi, je sors avec toi, je t'amène. Nivakin n'a rien. Nivakin, tu n'as rien. Rien. Mais quand tu le vois, même, c'est un pauvre. Nivakin, franchement, si on te demande même Nivakin, c'est le jeu de la nuit, franchement. Insulter. Parler des gens. Oh, tu as fait que. Mépriser tout le monde, les gens qui lui dépassent même à un certain niveau, même que moi-même, il y a des personnes que toi-même, tu sais que la personne te dépasse. Moi, je le fais avec quelqu'un. Je connais ce qui fait ta force, c'est que Mino, tu es humble. Ce qui fait ta force, c'est que tu es humble. Waris, ta connexion. Je connais mon niveau de vie. Dans la vie, ne pète pas plus haut que ta connexion dérange, Waris. Ne pète pas plus haut que tes fesses. Et moi, bien je connais ma place dans ma vie. Je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. Que tu as les gens que tu m'as dit la concurrence avec, que tu peux arriver en Europe quand? Tu es quoi? Maman. Je veux vouloir s'inventer une vie. Je veux venir aujourd'hui, par exemple, je veux venir ici à Paris, je veux faire la conférence avec les gens. Que j'ai leur niveau de vie. Je n'ai pas le niveau de vie. Moi, il y a des moments que je sors ici à Paris, je vais boire le champagne. On m'invite à boire le champagne. Je bois le champagne, je n'ai même pas l'argent dans mes poches. Mm-hmm. Parce que tu n'as pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais ton argent, vraiment, c'est limité. Tes fonds sont comptés. Parce que tu as les gens. C'est ça. C'est ici. Il y a des moments que tu n'as même pas. Le moment que tu as dépensé jusqu'à tu as fait le shopping, tu es foiré. Le moment que tu as fait la Java. Mais c'est ça, tu ne restes pas dit que. Nivakin, quand Nivakin boit quoi? Nivakin peut me payer les factures. Où on est assorti quand même avec lui-même, on sort combien de fois même? Oh, tu es sur TikTok, tu peux demander les cadeaux. On demande les cadeaux, tu peux demander les cadeaux sur TikTok. Tu es venu là, viens alors demander. Viens donc. Mais c'est toi, il était dans le direct là. C'est toi-même qui l'a demandé que Nivakin vienne dans TikTok. C'est toi qui as encouragé Nivakin. C'est toi qui l'as encouragé. Donc, comme il a fait le live là, tu as fait le live, tu as insulté Mini Minor. Non, tu avais 700 personnes qui te regardaient, tu avais un quart de personnes qui te regardaient parce que tu as prononcé Mini Minor, PDG. Bien sûr. Va faire demain encore. Tu vas faire sur Facebook. Tu vas refaire encore. Il va dire quoi dans Facebook, tu n'auras pas encore entendu. Quand tu vas faire, Nico va te regarder, tu vas te ramasser. Je serai seulement là pour rigoler. Je vais partager seulement les vidéos. Oui, je vais partager. Tu veux partager. Quand on va sortir, maman, on va sortir que boum, boum, la mère qui tombe le pépé, la photo de la mère en Djamena. Ouais, ta connexion dérange. La photo de ta mère qui a vendu le piment en Djamena, elle était malade, elle est quittée, elle est rentrée au Cameroun se soigner. Regarde ta petite soeur. Regarde ta pauvre vie. Ta pauvre vie. Tu peux parler, ta petite soeur, un gars que tu as quitté, ton voisin junior, ta gnoxie là-bas sur l'aventure, et qui t'est parti enceinte, ta petite soeur là-bas au Cameroun. Hein? L'héritage familial.
écarter la nuit. On couvre. On met les enfants dedans. Père inconnu. Tu ne connais pas ton père. Ta soeur aussi, ça suit. Tu veux pas aller? Tu veux depuis, pas c'est aller. Qu'il ne comprend pas les conseils. Non, quel conseil? C'est quelqu'un que papa essaie tout. Papa s'habille tout, papa essaie tout. De toute façon, demain, j'ai une vie demain, je vais... Ouais, si ça ne prend pas, c'est pas grave, hein. On va devoir refaire cela. Demain, je me lève tôt, je dois me lever très tôt, je vais aller en stage. J'ai une vie à construire, contrairement à toi, mon très cher Nivakin, que tu n'auras jamais. Pour arriver comme moi là, tu aurais dû commencer dès le début. C'est ça la vie. Il faut savoir bâtir sa vie. Il ne faut pas toujours attendre et compter sur les autres et sur son anus et sa sexualité pour pouvoir chercher l'argent. Travailler. Qui vous a dit que être vraiment un handicap, que vous n'allez pas travailler? On peut faire même des choses, mais on reste humble et propre. Tu n'as aucune fierté dans ta vie. Aucune fierté. Tu n'en réponds pas. Attends un peu, il descend. Ça ne dépend pas, il descend. Non, ce n'est pas toi. C'est sa connexion à lui. C'est sa connexion, au fait. C'est sa connexion qui dérange. Ce n'est pas que c'est... C'est moi, c'est sa connexion. C'est son wifi, au fait. C'est pas moi qui fais que ça ne prend pas. Non, ce monsieur gars, toi, il a très mal insulté ton mari. Ça m'a tellement fait mal. Mais oui, il connaît même la personne qui était même ouf. Ouais, mon Dieu. On peut être méchant comme ça. Toi, il ne t'a pas insulté. Le plus, c'est qu'il est minime. Non, il peut m'insulter, il ne me connaît pas. Le plus, c'est qu'il te connaît. Vous allez en manger ensemble. Tu l'as hébergé. Tout le monde a vu. Tu es pour m'insulter. Pour dire que minime, non, étage. Tu connais quand j'étais là. C'est moi qui te dis que. C'est moi qui te dis. Ta mère était Anjamina. Sa mère faisait la pute Anjamina. Sa mère a fait la prostitution Anjamina. Sa mère qui Anjamina parce qu'elle est malade. Elle qui Anjamina pour aller au Cameroun se soigner. Et quand sa mère qui Anjamina, sa mère repart au Cameroun. Elle qui au Cameroun, elle part maintenant en Côte d'Ivoire continuer la prostitution. Et même maintenant, elle fait la prostitution. Il va qui fait la prostitution pour 20 euros pour un malien. Maman, il va venir parler à moi. De la part de l'invité, pas de réponse à part de... Waris, ta vidéo, c'est... Attends un peu. Je vais supprimer. Je ne te vois même pas. Je sais même où. Attends que je te vois. Waris, sors du direct et tu rentres. Sors du direct. Ferme l'application, Waris. Ferme l'application Facebook. Et maintenant, tu coupes ta connexion. Tu fermes l'application Facebook. Maintenant, tu rentres dans l'application. Amen. Je me rappelle. C'était en 2021-2022. J'étais encore dans le noir. Comment tu l'avais accueilli chez toi avec les bouteilles de whisky, le champagne et tout. C'était tellement beau. Il a même dormi. Je pense qu'il a dormi même une semaine chez toi. Il pense qu'il a dormi chez toi. Hein. Il a fait plus d'une semaine. Oui, il a fait plus d'une semaine. Oui, je me rappelle. C'était en 2021. Franchement. Il a fait possible. Eh non. Et après. Mais c'est comme ça, c'est censé. Il va toujours insulter. Il va dire, je vais venir vers toi. Jamais moi, je viendrai vers toi. Reste dans ton coin. Reste. Pourquoi tu insultes les gens? Si tu étais tellement une mauvaise personne, pourquoi est-ce que tu es revenu? Tu es venu vers moi, c'était peut-être dans les personnes. Tu as vu, je t'évitais. Même quand tu venais à parler, des fois, tu m'appelais. Moi, je suis dans mon coin. Parce que je me méfie, je sais déjà ce que vous êtes. Le petit accès comme ça qu'on vous donne, vous cherchez ce que vous allez insulter, vous cherchez ce que vous allez inventer. Mais vous n'avez rien à inventer dans ma vie. Tu n'auras rien à inventer dans ma vie. Vraiment. Mon petit trajet là, depuis que je suis d'abord casanier. Je suis casanier. Si ce n'est pas que je suis peut-être sorti ou peut-être j'ai voyagé, je suis parti chez moi, je suis à Paris, je suis quitté de chez moi, je suis peut-être ailleurs, que je n'ai même pas envie de prononcer. Moi, c'est ma petite. Si ce n'est pas que je vagabonde par-ci, par-là, j'ai mes objectifs, j'ai mes cours même qui ne dépassent même la ligne. C'est parce que j'ai dit que je vais faire ce direct. J'ai fait ce direct. Et j'ai pas. Fait ce direct parce que je veux peut-être trop me chamailler ou peut-être parce que je veux me rabaisser. C'est pour te faire comprendre à un moment donné qu'on peut te répondre. On ne te répond. Je suis blogueur. Je suis d'abord à la base influenceur. Je suis à la base d'abord influenceur, papa, j'ai pas de FBI. Vous allez d'abord comprendre ça. Cette personne ne peut pas m'insulter parce que cette personne m'insulte depuis des années. C'est pour faire comprendre que ça dit tellement ça. Elle dit que ma vie, personne ne connaît, mais voilà sa vie qui se verse avec les photos de sa mère. Il insulte même Lolo. Lolo, c'est la copine de sa mère. Hein. Mais ils sont ensemble aujourd'hui. Franchement. Mais non, laisse-moi aller me coucher. J'étais juste tu vas m'insulter sur TikTok jusqu'à demain. Même qui n'est regardé. Tu vas insulter aujourd'hui, après demain, aujourd'hui. Tu vas insulter jusqu'à mourir. Il est en anglais sur TikTok. Je ne sais pas. Il va m'insulter là-bas. Jusqu'à demain. Jusqu'à... Je ne peux même pas regarder. Je n'ai pas le temps pour ça.
Mini Minor là. Mm. Je suis ici là. Okay. Insulte là-bas sur Facebook. Insulte. On dit que nous insultez là-bas sur TikTok. Insulte-nous sur TikTok. Dit pour ça. Waris, on dit que nous insultez sur TikTok jusqu'à ton nom et verser là-bas. Non, c'est ce que je t'ai dit que Mini Minor. Insulte. C'est pour mon nom. C'est pas grave. Il va m'insulter. Il va m'insulter. Demande à l'université. Il va vous montrer son contrat de bail qu'il a même la maison. Il a une maison. Il a une maison. C'est un grenier. On appelle ça en bon français les greniers. Parce que les greniers, c'est quoi? C'est les maisons sont sur les toits là. Que quand tu montes, ça commence. On appelle ça en bon français les mansardés. Ça commence grâce à la même. Oui, ça se penche comme ça là. C'est les maisons que c'est comme ça. Ça s'appelle les maisons mansardées, les appartements mansardés. Ou à l'époque. Non, avant, à l'époque, ça s'appelait des chambres de bonne. C'est-à-dire qu'au dernier. Les chambres au de bonne, étage. Oui, les chambres de bonne, c'était plus dans les grandes villes. Mais comme il y a des petites villes, c'est les greniers des blancs. Et quand les blancs ont perdu avec la révolution, on a transformé dans les greniers en chambre ou en studio chambre. Mais quand tu vas ta chambre, quand tu montes l'escalier, chez lui, il y a une petite chambre. Tu vois, pas qu'il fait son direct sur la poêle là. Ce n'est pas grand. Aussi. C'est pour comme mon. Vraiment. Oh, vraiment. Ouais, vraiment. Tout ce qu'il cherche, c'est seulement la visibilité. Visibilité. Mais bien sûr. Mon téléphone là déconne. C'est le Samsung. Vous partagez mes lives comme insulte même là. Vous, ça me donne quoi? Pourquoi je viens écouter? Moi, tu as le temps même de regarder. Moi, quand il m'insulte, je suis à mort de rire. Il va dire quoi de moi? Les gens ne comprennent pas. Je vais leur montrer ça sur YouTube. Où Nivakin insulte Mini Minor, il y a combien d'années? Je vais vous montrer. Que du mec. Je vous dis que. Il y a 11 ans. Mini Minor, moi, la défense, ça te. Tu peux. Moi, je réponds Nivakin parce que tu défends dans ton mur. Sinon, moi, je mets ma caméra. Depuis 5 mois. Il fait rien à ma caméra pour l'insulter. Il dit que. Depuis combien de mois même? Depuis 10 mois. Depuis 5 mois. Maman, tous les insultes suscitées pour moi comme ça là. Hein? Ça fait mal. Moi, ça me fait pas mal. Quand il m'insulte, je rigole. Mais ça me fait les têtes. Les bleus, ça me fait rigoler. Il va qu'il clame du clamé, même du clamé, maman. Ce jour où j'étais à Zurich, c'est ce jour qu'il a volé l'agence là. J'avais là, je veux te montrer. Je veux bien manquer l'argent que j'avais. Nivakin a volé cet argent dans mon portefeuille. Ouais. Attends, je vais bien montrer. Voilà. Je vous avais dit non. Moi, je réponds pas s'il me clash et il m'en fout. Quand il me clash, il faut que je tombe sur Dieu. Voilà l'argent là. Yeah. Hey, Mbombe Duo. Ma. Tu as vu comme il riait. Il a regardé le. Il est content, il n'a jamais vu 1000 francs suisses. Et la pauvreté de tout. Donc, Nicole, que tu as dit, je ne m'arrête donc pas que c'est un gros voleur. Je t'ai dit, Waris, mais je ne vois pas Waris. Ce qui me plaît, c'est que Wari, tu es trop calme, tu fais tes petites cuisines, tu ne comptes pas dans nous, tu les gens t'aiment pour ça. Wari, tu dis, reste comme tu es. Il te dit. Je m'en fous. On ne fait que quoi? Clasher. Il va clasher. Que les clashs. Il te dit. Vraiment de Dieu, vraiment de Dieu. Il n'y a que ça. Nivakin, c'est une personne qu'il faut bien, quand tu es à l'école, même jusqu'à la terminale, là, même en premier ou en troisième. Tu analyses la vaisselle, tu vois que la vaisselle aime se curler et inventer des vies sur les gens. Tu n'entres pas dans la bouillabaisse. Comme le loco de la classe Flore de Lille, Nivakin va clasher Mini Minor. Mais il n'y a pas mal qui va. Il n'y a même pas de comparaison entre toi et moi. Il n'y a pas de comparaison entre toi et moi. Je ne suis pas comme toi. On n'a pas le même mode, même le même système. C'est ce que tu dois comprendre dans ta misérable vie. Je vous ai déjà dit que ne prends même plus ton musique. Là, parfois, Mini Minor, tu ne peux même pas te bâtir ta vie à ne pas insulter. Je suis ton summum.
Je suis ton... Tu veux insulter, même si elle a voulu que tu insultes, est-ce que tu as voulu répondre? Plus jamais. Insulte, plus jamais. Tu insultes après, tu vas enlever tous les bangalas qui sont dans le cul de ta mère. Tu entends? Tu soignes ta mère et tu vas la mettre dans une maison puisque tu vends ton anus. Ce n'est pas en vendant 20 euros, 20 euros, 5 euros le coup pour 4 coups que ça va te coûter. Chez moi, hein? Maman, 20 euros en euros. Même les pieds au Cameroun ne vendent pas 20 euros. 20 euros en bain. Mieux vaut dormir à la maison. C'est pas comme ça. Mais ne réponds plus. Fais comme moi. Si tu tombes dans le direct, tu en prends ou le lave. Tu fais comme on fait la main. Regarde comme moi. Je ne le réponds pas quand il me suit. Attends, moi, c'est des querelles. C'est qui parle? Qui m'a insulté? Il avait insulté, ma pépé m'a insulté. Il a dit qu'il ne va jamais le répondre. Parce que Mini Mino a mis ça. Il a dit que comme c'est comme ça, j'entre ici là. Je profite de ça bien pour te sortir bien. Moi, je suis en direct. Dès que tu m'as proposé, je suis en direct pour parler. Je te lâche la main. Je t'en. C'est toi qui m'as mis. Mais Nico, tu n'as jamais eu le problème de gars là. Hein? Maman. Bon, c'est moi qui ai décidé de vous placer. Parce que, tu n'as pas eu le problème de gars. Tu n'as pas eu le problème de gars. Je vois ces gars qui sont dans ma tête. Ils vont voler les cartes. Ça, c'était son histoire. Les cartes du blanc. Dès qu'ils volent les cartes du blanc, ils vont aller donner au bandit marocain. Allez, fait trop aller ma dépiécer. Il avait insulté. Il y a un franc là, aux États-Unis là. Il y a 4 francs. Las Vegas. Il avait insulté Las Vegas. Donc Las Vegas, là, vraiment, hein. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans de la vidéo. Il y a 4 années. Il y a 4 années. Moi, je viens de dire que tous les vêtements que, non, que vous la voyez porter, la posez-vous la question si elle a entré dans une prête à porter pour aller payer ses vêtements. Qu'elle vous montre la facture de toutes ces chaussures-là. Tu te connais depuis le Maroc avant la belle. Toute sa vie. Qu'elle vous montre ses anciennes photos. Qu'elle vous montre sa vie. Parce que moi, j'ai montré ma vie, j'ai tout prouvé. J'ai prouvé ici, partout, les anciennes photos, avant que je ne devienne d'ailleurs, je ne suis pas encore une femme, je suis une bordelle. Quand je vais me transformer bien en femme, vous allez voir que je me suis transformée en femme. Dès que ma vie finit, ils vont prendre tout le lit, le matelas, même le tapis jusqu'au caleçon. Les gens la ramassaient tout sans pitié. Ils prennent le passeport de la personne, du monde. Ils le font même encore une fois. Toute sa vie, c'est tout ce que non, elle a pu faire. Il va dire de ta vie comme ça là. Tu la connais très depuis bien. Depuis le Maroc. Écoute ta vie. Avec ses petits pieds, on dirait Pinocchio bien, Kirigo. Elle est venue avec un pantalon jean qui était tout sale. Elle sortait où c'est de la bourse, ou bien elle sortait de Vorada, ou bien elle sortait de. Je ne sais pas. Quand je l'ai rencontré, il y a un quartier qu'on appelle Joie Pura, qui est là-bas. Il y avait une femme qui est là-bas, qu'on appelle Longanda. C'est là-bas que nous tous, on se retrouvait. Ma chérie, ça va? Oui. Oui. Maman. Je suis là. Mmh. Ah, tu es très bienvenue. Mon ami Achille, qui est au Canada, me dit que Andek, Hervé, je ne te connais pas dans les trucs là. Hervé, je ne te connais pas dans les trucs là. La fille là que, donc, que tu as pris là, quand ça va sortir, elle a même tout fait. Elle m'a séparé avec ma copine. Mmh. Elle m'a séparé avec la vie. Elle m'a séparé avec la vie. Au Canada. Toute sa vie. Elle est partie au Cameroun 4 fois. Demandez-la si elle a posé une maison là-bas ou bien une brique. Demandez-la si elle a trouvé sa maman. Sa mère se trouve. Tu as insulté ma mère, mais moi, je ne pas ta mère. Parce que j'ai reçu une bonne éducation. Je n'ai pas insulté ta mère. Ah, elle a reçu ta mère. J'ai posé sa mère. Nous, chez nous, on respecte les morts. Parce que ce sont des gens qui nous ont laissés avec des plaies. Qui ne finiront jamais jusqu'au jour que nous-mêmes, on va quitter cette terre. Mais toi, tu as insulté les miens. Tu as insulté deux de ma famille. Tu as insulté mon oncle, tu as dit que mon oncle m'a baisé. Tu étais.
Tu étais quand même en français le Bangla dans le cul. Le jour que lui, il va te poiser. Il a dit que j'ai couché à mon beau-père. Et là, on dit, elle avait fait ici là une vidéo où elle racontait que j'ai fait ma vie, ce que j'ai vécu là-bas en Libye et tout, quand on avait dit comment on était en train de vendre le noir, les noirs, quand on était en train de vendre les blacks en Libye. Elle a dit que elle a profité de l'occasion. Oui. Je n'ai pas les dettes, hein. Remboursez vos dettes. Je vais vous le traiter sur TikTok. Il ne suffit pas de montrer les dents. Hein. Vous serez lavé aussi. Hein. Toutes ces personnes qui sont en train de rire dans le direct là-bas. Là. N'oubliez pas que vous avez les dettes à payer. Hein. Qui rit? Vous avez demandé que celles qu'on a en train de prononcer, là, celles-là qu'on prononçait que les États-Unis, elles se moquaient le jour qui t'insultait. Là. Bibi, ne peut pas se moquer de moi. Bibi, tu ne peux pas te moquer de moi. Hein. Tu ne peux pas rigoler aux éclats. Il est dit, c'est pas bien. Tu ne peux pas rigoler aux éclats, Bibi Love. Ouais, si tu veux entrer dans cette danse là, ma très chère, bien que tu t'asseyes, hein. Si tu veux devenir blogueuse, asseyes-toi bien, Milo. Parce que tu vois des danses que tu fais que. On vous laisse que t'as raison, vous venez. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Ton dossier comme ça là. Donc si tu veux rentrer dedans, je vais te mettre dans la sauce aussi. Si tu veux te clasher, il faut te clasher. Ce n'est pas les choses que vous dites que vous clashez, vous clashez, c'est pas comme ça, ma chérie. Sache que ta famille sera dedans aussi, hein. Il faut savoir ça, parce que quand vous manquez vos dents, vous battez, vous asseoir, vous faites là. Ta part sera exposée. Tu as compris ce que je te dis, non? Ne te tiens pas seulement pour rigoler, pour venir dire que mini-chou, il n'y a pas de mini-chou qui tiennent. Tu sais que Nicole Kecha. Tiens, il faut lui le message. On dit que fait entendre. Elle est avec Jennifer et Annabella. Oui. Annabella a le game, mais c'est pas qu'elle est méchante. Je n'ai rien à faire. Non, elle n'est pas méchante. Je ne l'ai qu'à TikTok. Rien à foutre. Je fais le game de Facebook. Le point de guerre, pourquoi lui parle sur TikTok? Il vient sur Facebook parce qu'il part pour les étoiles. Il part pour qu'on lui donne les cadeaux. Tu sais, quand tu vas classer, on va t'envoyer. Les cadeaux, si ce n'est pas que c'est peut-être les gens que je connais. Mais moi, je vous pose une question. Si elle veut me maintenant, elle veut couper le live, c'est peut-être parce que je vais dormir, parce que demain, je me lève très tôt pour aller mener ma vie. J'aurai même mes cadeaux, même que vous n'aurez même pas. Rien à foutre. Tu as même caché Diana Boulou, caché même Annabelle, allez là-bas, même 1 milliard, même, je m'en fous, rien à foutre. Vous allez faire jusqu'à demain sur TikTok. Je ne peux même pas vous reprendre sur TikTok. Rien kick. Sur TikTok là, non, je vais rigoler, je vais monter, je vais rigoler de mes shows. Je ne réponds même pas sur TikTok, même pip. Vous avez compris? Je ne donne pas la visibilité. Tu sais que. Bon, comme tu as fait le direct là, cette fois-ci là. Partout, elle est les travestis qui sont là-bas aux États-Unis là. Tous là. Je vais vous traiter. C'est Patricia. Donc, elle me dit qu'elle est pour. Mieux. Vous, comme il est en train de me clasher, vous êtes dans ce live là. Commencez à me clasher là-bas, tous ceux qui sont là-bas. Parce que si vous ne me clashez pas, je vais vous clasher, je vais vous exposer. Bon, là, vous êtes en train de me clasher. Je vais vous dire une chose, n'oubliez pas que je suis au courant. Je suis au courant. N'oubliez pas que je suis informé en temps et en heure. N'oubliez pas que je suis informé. Laisse tout ça. Laisse tout ça. Parce que moi, j'ai un peu de vie. Je ne peux même pas vous donner l'occasion. Là. Allez là-bas avec sur TikTok. Je m'en vais sur TikTok. Il y a des personnes qui me respectent sur TikTok. Je rigole. Bien je vais sur TikTok. Je rigole. Bien sinon, je vais si elle veut lancer mon live là, si elle ne veut pas lancer mon. Je monte dans le live là-bas. Je rigole. Je passe à autre chose. Je ne vous donnerai même pas l'occasion que je vous reprenne sur TikTok. Jamais. Vous allez m'insulter. On va prendre, on va mettre. Insulter. Mettez même ma photo derrière que Mini Minor PDG. Vous collez mes deux comptes. Je n'ai rien à foutre. Oui, c'est suffisant. Il est dangereux, maman. Nivakine, regarde-moi bien. C'est ta voisine, Mélène, qui m'a dit. On file les beignets. Nivakine vole les beignets, qui chauffe, il couille, il va manger, ça brûle, ça meurt.
Il n'a pas mal au menu, il mange les billets, il va dire que je mange. Quand papa l'américain, le fou était là-bas. Donc, ça, c'est les petits détails, ça, c'est les détails de base de c'est ce que j'ai appris à Mélène. Nibaké n'est pas. Il a été école au cours le matin 2. Il était bête. Il a fait la 5 fois. Il vous confirme après mon direct. Mais maintenant, il dit quoi? Non, qu'est-ce que tu as dit? Il dit rien de spécial. C'est la même chose. Tu vois, on dit qu'il dit rien de spécial. Un conseil d'esprit. Nibaké a été école au cours le matin 2. Il voulait les billets d'une voisine. La femme a fait la fille les beignets. Nibaké, juste la croisée, mais elle qui m'a tout dit avec la confiance, c'est 5 personnes. Même la fille qui s'est insultée m'a confirmé. La fille qui s'est amenée, tu as voulu 3 000 euros. Nibaké volait les beignets comme ça, là, chaud. Il court. Il mange les beignets parce qu'il y avait la famine chez eux. Ouais. Nibaké n'a pas quitté le famille. Nous-mêmes, nous sommes nés dans la pauvreté, mais la qualité, là, on nous a pas appris. Il y a un genre de pauvreté. Excusez-moi, je suis bêtise, mais il y a un genre de pauvreté d'un quoi. Il y a l'un quoi très pauvre, normalement, monsieur le quoi. Mais l'un quoi qui connaît la bande de lui abandonne les enfants. Pas tous les enfants. Moi, j'ai un enfant, c'est un enfant quoi, des pions quoi. De notre côté, on nous a quand même, dans notre petite vie, on nous a quand même donné le petit minimum, manger, respecter les gens. Mais il y a aussi là, quand c'est une famille qui ne connaît que la bordellerie, couche les mêmes hommes, ils s'esquerrent, tout. Vous voyez un peu les gens des quartiers là, non? C'est pas tout le monde, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Les gens des sous-quartiers là, qui couchent les mêmes hommes dans la même famille, ils s'esquerrent tout le temps. C'est ça, sa maison. Donc, quand ils viennent maintenant voir que les gens sont arrivés en Europe, déjà, pour commencer à évacuer pour ta jeunesse, quand tu étais au Maroc, moi, tu étais en face. Donc, quand ils viennent voir, vous n'avez pas vu qu'il a tout le monde à gauche. Les gens qui sont venus à l'éloignement familial, Nibaké, tu es bête comme là, tu n'es jamais venu à l'éloignement familial. Puisque en France, tu parles de protection, Nibaké, je suis plus protégé que toi. Je suis enfant de Française. Ça veut dire que même si je fais tous les dégâts de ma à tes amis, même qui me connaissent, j'ai fait les 200 sans relever mes papiers, je me fous. On me donne tous mes papiers. Est-ce que je mens? Pas tes données, tu es enfant français, c'est normal, tu as le droit. Donc, quand tu viens de parler de moi, toi, tu es réfugié de Belgique là-bas, Union européenne, l'ONU, est-ce que moi, l'ONU c'est pour les... Bon, excusez-moi ceux qui ont ça, je n'insulte pas les gens, mais l'ONU c'est pour les gens démunis, les gens qui sont défavorables. Mais moi, je suis venu avec un visa famille de Français. Il va qu'il y ait mon petit boulot qu'il fait là. Je vais te taper la nationalité si on va voir. Parce que moi, je suis venu qui faisons le travail CDI et 2 fiches d'impôts que j'ai à déclarer les impôts. Je suis enfant de Français avec les papiers dans la maison. Donc, je n'ai pas besoin de ce que tu me racontes là. Même si c'est pas au Cameroun, on me vole mes papiers au Cameroun, je reviens en France, je suis entré mineur. Et l'État européen me protège parce que je suis venu mineur en Europe. Contrairement à toi, quand on a connu au camembert, tu connais au camembert, pas un don, tu connaissais ça. Le fromage. Ouais, les gens qui savent ce que c'est. C'est lui qui vient de sur lui comme le camembert, là, à part ça, il n'y a pas autre chose. C'est lui qui nous a disséminé mineur qu'on avait vendu à Libye. Non. C'était nous. Mais il a saqué Anno partout, donc Anno a arraché son gars, ou c'est quoi, papa là. Et que sa meilleure copine est partie faire l'enfant avec le gars. Mais je dis, c'est les mêmes bandes. Les mêmes bandes. Saccage. Tu n'auras aucune réponse de moi. Non, tu sais, René, mais non, sache que tu as mon soutien parce que tu as dit un mot, parce qu'on envoie les coupures. J'ai les coupures sur mon WhatsApp. Oh, tu as la vidéo et lui, que les gens peuvent m'envoyer pour dire que tu, avant, après, quand tu venais chez moi, tu ouvrais la porte. Ça, ce côté m'a marqué. Je ne fais pas le aide-moi de tester. Je n'ai pas besoin. Pas pour Nibaké, là. Il m'a insulté, même encore. Je l'ai ouvert la porte encore. Et parce que c'était le genre que je lui laissais dormir dans la rue. Hein. C'est-à-dire que la façon dont il se comportait, c'est mon meilleur ami. Et je connais comment mon meilleur ami. Et mon meilleur ami, c'est-à-dire que quand il me dégame, il dégame très mal. J'ai vu les langues que je passais. J'ai vu comment il se comportait, comment il était en train d'attaquer le gars de la fille. Tu comprends? Il calculait le gars de la fille. J'ai vu ça, j'ai dit que non, la fille, il va péter un câble. Moi, normalement, je travaillais. C'est-à-dire que c'était en semaine. Un jeudi en semaine, je fous quoi dehors? En semaine, on sait qu'en semaine, je ne sors pas en semaine. Même parfois, les week-ends, je bossais. Il va qu'il vole même les bonbons à Carrefour. Il a volé les caleçons chez H&M, c'est chez H&M, non? Il a volé. Non, tu sais quoi? Moi, je vais dire, je vais appeler Adeline. Non, Adeline, je vais pas appeler Adeline, mais je ne vais pas l'appeler. Mais je vais faire un direct demain. Pour dire Adeline, Adeline, je t'aime beaucoup. Tu vois, que même pour le mal, pour dire la vérité, si je suis allé loin, même, c'est parce que j'ai vu le direct avec Adeline.
Adonis, on a fait le tour de Dieu ensemble. N'oublie pas à la gendarmerie mobile. Adonis, j'ai plutôt qu'à dire de le respecter. C'était quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais le fait que tu donnes ton téléphone, et attends, c'est minute, te vois comme insulte. C'est l'avertissement de ce que je donne là. Toi et moi, on a fait le coup moins deux ensemble. À part du lycée Leclerc, moi, on a le CP. Moi, j'étais chez monsieur Ebani. Tu étais chez monsieur Ayeta. Tu étais chez monsieur Zoua. On a le CP ensemble. On est parti au collège Madeleine ensemble. Après, je suis parti en France. Je t'ai laissé. Quand ton Ebani t'a insulté, ça m'a fait mal. Quand j'ai vu qu'il a fait la vidéo étant chez toi, Adelina, je te dis que je ne t'en veux pas. Moi, je ne t'en veux pas pourquoi? Parce que c'est que toi, tu crées le fragile. Vous comprenez ça? Coupez ça, vous envoyez ça, Adelina. Je ne t'en veux pas parce que tu es quelqu'un de fragile. Mais n'accepte pas qu'on vienne insulter les gens qui ne t'ont rien fait dans ta maison. Ça, je le fais. Juste à prendre ton téléphone. Parce que je veux que tu me fâches contre toi. Parce qu'il a fait les directs. Chez toi, je n'ai pas fait un problème. Et je ne t'en veux même pas, Adelina. Les hommes n'étaient pas bloqués. Je n'étais pas bloqué, Adelina. Je t'ai défendu. Jusqu'à aujourd'hui, je mène mon combat. Que le fait même qu'il a parlé de ta famille, alors que je sais que je vois la réalité, il n'arrête pas de t'insulter. Donc, le téléphone de Adelina écrivait comme ça pour m'insulter. Le téléphone de Adelina. Adelina dit que je. Mais non, il y a un caprice qui te dit avec tes lèvres. J'ai dit que Bibi Love, tu es là-bas pour rigoler. J'ai dit que vous dites que vous voulez faire la guerre. Maman, faites la guerre. Tu es dans le direct là-bas, non? Pour m'insulter, pour que rigoler. Ma chérie, avec partout. Avec partout. Vous n'êtes pas dans le direct là-bas pour rigoler, pour m'insulter. Pas tous les, maman. Pas tous les. Au moins, ne pas encore Bibi Love. Pas tous les, maman. Elle force la beauté, ça ne fonctionne pas. Mais sachez que pour aller en guerre, il faut être prête. Je n'aurai aucun remords. Et moi, non. Je touche tout, ça fait mal. Il n'y aura pas de sentiment. Tu ne peux pas rire avec moi. Tu dis que ministre, il n'y a pas de game dedans. Il n'y a pas de game. Si vous êtes non, sûr, que gens, non. Ministre, mais non, ne fais plus les dire. Donc, assieds-toi dans ce direct là, tu ris, tu me dis. Mais non, quand tu reviens à mon ami, j'ai pitié de vous parce que vous êtes d'accord de montrer le plan, c'est le game. Ce n'est pas le game, il n'y a pas de game dedans. Il n'y a pas de game. Non, mais non, écoute bien le game. Écoute le game. Waris, tu as dit là-bas que non, Mini doit bouffer la tontine. On est entre nous, les bâtards. Ma très chère, tu sais d'où tu as dit ça et tu sais ce que tu as dit. N'oublie pas que Mini Minor, j'ai les cornes en 2023. Tu vas pas t'asseoir, tu dis que non, Mini, tu manques les dents. Non, tu sais ce que tu as dit. Ah, mais c'est le 11, je ne vais pas aller plus haut. Une personne qui va dire. Non, une personne qui doit faire les dents. Regarde comme moi. Ben, Miondo, bonsoir, ma mère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Mini Minor, quand tu es venu sur le 11, je vais te donner deux balles de garder. Deux balles. Ne pas, mais à condition que tu ne parles plus. Il dit qu'il ne faut pas faire. Vous clashez très mal. Vous êtes même toi un peu bête. Même. Quand quelqu'un gestique, il faut le regarder. Vous êtes même toi un peu bête. On dit qu'elle est partie. Pourquoi tu finis? Il faut rester là-bas. Yeah. Il faut rester. C'est-à-dire que vous riez avec moi. Mais vous partez, vous assortez dans les directs, vous m'insultez. Tu manques les gens, tu fais qui. Ce n'est pas ça l'amitié. Non, c'est zéro. Écoute très bien. Je dis ça devant mon neveu, je vais te donner deux balles de garder à mon anniversaire, à condition que je puisse te voir faire les directs pour répondre les conneries de Nibakin. Attends, je promets. Je promets. La balle que tu as, c'est la balle à 1%. Parce que 1%. Elle n'est pas méchante. Elles peuvent parler. Bibi, si tu veux, non, je te donne l'occasion de parler là-bas de moi. Je te donne l'occasion de parler. Mais il faut savoir que. Tu sais ce qui sera exposé. Moi, Mini Minor, je suis exposé, non. C'est-à-dire que même vos entrailles. Tu as vu pour Nivakin, les photos de sa mère là où elle vendait la pute en Djamena, il y a déjà. Les photos de sa mère là-bas en train de vendre le piment écarté, les fesses, c'est déjà là. Ma très chère, pour aller en moi, tu as ça, c'est moi, tu as ça. Si tu as les pieds partis. Personne n'a les pieds. C'est moi qui a tous les balles là. Sur Facebook, non, on n'a plus de cœur. Sur Facebook, ce n'est pas TikTok. Facebook, ce n'est pas TikTok. Si tu dis que tu veux venir, tu sais qu'elle est pour que tes dames. Tu montreras tes dames et tu verras tes fesses. Tu montreras. Et tu verras tes fesses. Et tu es en face que tu veux. Mimi, non, je te trouve un peu lâche. Écoute, je t'aime bien. Tu es un frère à moi. Je te trouve un peu lâche. Tu ne sais pas faire les fesses.
Tu as déjà parlé, ne te querelle plus. Ne te justifie plus. Vous êtes là-bas. C'est Jenny, hein. C'est Jennifer. Vous êtes là-bas, non. Vous manquez les dents, non. Pour vous, ma Nivakine, t'insulte bien là-bas, le feu sort. Nivakine va m'insulter quoi? Qu'est-ce que Nivakine peut insulter? On dit que Mini, mais là, tu réponds à quoi même? Bon, dans ce qu'on laisse le contrat pour les deux balles. Non, on ne peut pas laisser. Parce que là, tu fais quoi? Deux balles, on reste dessus. Je ne dis que ne réponds plus aux conneries. Écoute, bien, les deux balles. Mais non, mais il ne te vaut pas. Même c'est comme tu reprends. Il y a des gens qui ne vaut pas la peine. Si tu veux répondre à Nivakine, en dans direct ou en insulte Nivakine, comme je fais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Quand tu fais là, tu perds le nom. Tout ce que tu fais là, tu te rends compte que tu abonnez-vous sur Waris, comme ça, vous partagez le taille. Non, je vais te donner la photo de lui de son petit mère, c'est ta maman que j'ai coulé. Tu vas aller prendre ça, tu vas garder. Où sa maman dit que ta maman a pleuré. Hein, sa maman a jamais pleuré. Quand elle voulait... Non, c'est devant nous, non. Que sa maman a appelé l'alerte. Là, j'ai la photo là. J'ai collé une photo avec lui et lui son petit mère, où j'ai mis mon fils Tapine 2017, ma mère. En Jamila 2017, j'ai collé les deux photos. C'est écrit. Tu me connais. Tu discutes même quoi depuis la mini-mino? Tu te justifies avec qui? C'est ça le problème. Donc, en fait, vous parlez pour rien, vous écoutez pour le clash. Mon nom, c'est Mamie Palaba. Je suis Karaba. Sorcier, le feu sort. C'est juste que je n'aime pas. Devant la Stéphanie, je n'aime pas provoquer les gens. J'aime respecter. Mais quand tu diras mal, quand tu viens mal envers moi, quand tu parles de ma famille, je dis que mais toi, tu peux comprendre ma famille, ta famille. Une famille que les cousins, les nièces, les neveux, les gens viennent, c'est vrai que c'est une famille qui est puissante. On a pris, nous tous, Air France. Il n'y a aucune lacune. On a tous pris Air France avec les Suisses. Mini, mais là, ne réponds plus. Écoute, tu as répondu, basta, ne réponds plus. Il ne te calcule pas, mais... Il ne te calcule pas, Mini, de zéro devant. Bon, quand tu as venu, Mini, Mino, parce que je te dis à mon nom, je vais te donner la balle seulement, la balle de la photo de sa mère et lui, quand sa mère pleurait, que tu gardes. Mais tu me promets que même si t'es insulté, tu ne vas pas publier. Qui tente encore de dire que tu n'as rien fait, ou il te touche, ou ça te fait mal. S'il parle de Bruno, tu déposes, comme je dis. D'accord. Mini, Mino, ignore. Le refait par le direct. Vous savez pas les clashs. Vous savez qu'il y a des clashs. Didi Chou. J'ai dit, et je redis encore, les filles qui sont sur TikTok, faites très attention. Je suis Mini Minor, hein. Mini Minor PDG. Vous me simplifiez, mais je vais toucher où ça fait mal. Si vous voulez entrer dans les clashs, vos mères vont entrer dedans. Mini Minor. Mini Minor, ce que tu fais là, excuse-moi, c'est le clash des plaisanteurs. On ne calcule pas les sous couverts. Non. Je calcule la cible. Moi, quand il va m'insulter là, mes amis, ils se moquaient de moi. Je ne sais pas. Ils sont même. Ce n'est pas ça. Ils rigolaient. Si quelqu'un veut monter dans le live, je ne calcule pas les sous couverts. Ouais, on ne peut pas m'insulter. On ne peut pas être en train de t'insulter. Je vais monter dans le live et dire qu'il rit. Ah, ouais, ça bouffe la tête. Mini Minor, tu as le chemin le 11, non? Tu viens chez moi le 11, non? Il y a des amis qui veulent te montrer qu'ils rigolaient. Quel mari que Nivakine parle? Allez là-bas écouter même, non? Quel mari parle? Allez là-bas écouter Nivakine. Mais toi, tu as un mari. Il est perdu, je suis perdu. Nivakine est parti au mariage de Casse-la-Chicotte. Le mari de Casse-la-Chicotte a foutu à la porte. Moi qui vous ai dit ça, j'étais au courant. J'étais au courant le lendemain. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient là-bas, les personnes qui avaient cuisiné, je connais. Non, les deux. Les gens qui étaient là-bas, moi, je les connais très bien. Avec Mini Minor, tu me connais même. Avec Nivakine, Annabelle a dit une vérité. C'est moi, je n'avais même pas vu le directeur qui a montré. Nivakine n'est rien. On est tous pauvres ici en Bénin. On n'est même pas pauvres, on est tous modestes. On n'est pas pauvres en Bénin. Parce que même une femme de 70 ans peut faire le camion, on peut même faire les annonces à tous les clients, ou le blanc peut l'épouser. C'est en Afrique que les femmes, quand elles ont plus de, à partir de 40 ans, qu'elles souffrent. Même à 20 ans, les filles souffrent en Afrique, sûrement. C'est vrai, je suis d'accord. C'est-à-dire que Mini Minor, je ne vais plus que, ne comprends pas les sous-couverts. Oui, les gens, tu vois, je te dis un truc, j'ai vu des amis, j'ai des amis qui viennent inviter, ce que tu vas voir, les gens connus ici à Paris. Ils rigolaient quand Nivakine m'insultait, parce que la manière de se lever faisait rire. Mais ils n'étaient pas d'accord avec Nivakine. Vous voyez? Tu vois? Hey, maman, le piment. Je te confirme que toute la famille de Nivakine sont dans le piment. Hey, le cul! Maman, toute la famille.
Carrément. Attends, je mens. Je peux vous dire où les Nébakin habitent. Je peux vous dire où les Nébakin habitent. Vous partez, vous allez voir ce que vous dites. Même les voisins vont vous dire. Mais. Parce que je cache. Ils savaient parler aux gens. Bon, pour dire vrai, j'ai une éducation. J'invite encore parce que j'ai une maman et j'ai les familles. Donc, il y a des choses que je laisse. Vous comprenez? Contrairement à Nébakin, s'il avait les balles sur moi, il m'aurait exposé. Mmh. Voilà. Donc vous comprenez jusqu'à maintenant, je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je sais me défendre. Waris, je ne veux juste que tu prononces ma famille. Waris, oui. Si j'avais vendu le piment avec Nivakin là, tu comprends non? Mais Nivakin m'aurait exposé. Si Nivakin m'avait mais non, je ne peux pas éduquer. Je ne tente même pas. Même qu'elle me dit qu'elle vient à Charleroi. Si Nivakin avait les piments. Nivakin ne vient pas à Charleroi. Ouh là-bas, on paie les 20 euros, 30 euros là. Ouais, écoute-moi les filles. À demain. Je vais vous laisser à demain. Ok. Moi-même, monsieur Yami. Déjà, où Nivakin habite, le piment là-bas, c'est 20-30 euros. Quand tu as trop donné là-bas en Belgique, c'est 50 euros à Charleroi. Il y a quoi là-bas? Nivakin avait les preuves sur moi de tout ce que Nivakin raconte là. Nivakin aurait déjà exposé. Tu sais que Nivakin avait commencé au début d'abord avec un parabole que c'est moi qui lui ai montré le coup. Il a commencé ça au début, oh, je n'ai rien dit. Après, me dit que j'ai un de Liège qui l'ont de l'Onkou. Quand j'ai parlé de Liège, j'étais mort de vie. J'ai dit que, hé, hey. Il dit que Waris, c'est plutôt toi qui l'as de loué, l'Onkou. Donc, c'est vous aussi. Oh, tu vois qu'il est incohérent. Il est incohérent. Ces gens sont lâches. On dit la vraie vie que quand quelqu'un donne la, jette le tort sur quelqu'un, c'est qu'il est lâche. Tu comprends? Non, mais non. Quand quelqu'un jette le tort sur quelqu'un, que si je suis rien, juste grâce à cause de toi, c'est que la personne est lâche. Mais oui. Je peux tenir avec quelqu'un, la personne est peut-être une mauvaise influence, je change de camp, je me relève. Claire, tu quittes. Il avait sorti que c'est moi qui l'avais mis dans la cocaïne. Après ma grande surprise, les gens de Liège m'appellent et me disent que, mais attends, ce n'est plus toi, c'est maintenant nous. Nivakin, c'est un démon. Je vous dis que je n'ai jamais. Je ne déteste pas. Hein. S'il me dit, on dit qu'on va risque, je suis désolé. Hein. Et toujours le laisser. Mais on va prendre les recul. Plus les appels intimes, plus les ceci. Parce que je ne peux pas combattre quand quelqu'un de normal peut s'asseoir et en vouloir que à ses proches. Et dit que Mini, mais non, tu vas voir les invités que j'ai ici, on serait plus de 30 ici. Hein. Et les filles qui seront sexy. Oh. Tu vas voir personne filmer quelqu'un. Mm. Nous, on n'a pas le temps là. Nous, on est les vrais parigots. Nous, on aime la fête. Les gens dansent, les gens s'amusent. Oh, il y a des gens boivent le champagne. J'ai une copine là qui veut, elle s'appelle Maëlle Valois. Elle a laissé un refait. La veuve, je la connais même. Elle est sexy comme ça, blanc. Elle est longue brésilienne. Elle va avec un beau fond gâteau. C'est pas exactement. J'ai dit à Nivakin que Nivakin, tu as quel ami même au final. Tu as quel ami. Nivakin n'a pas d'ami. Personne. Nivakin n'a personne. Oh, Mimi, non. Est-ce que tu sais pas. J'ai parlé avec les gens de Belgique m'ont appelé pour dire que Waris, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Maintenant, Nivakin a dit, Nivakin était déjà un truc. Quand tu prends, ah, tu échappes là comme ça. Ouais. Hey, mon mari, Mini Mino. Bon, mon chéri, Nivakin t'a laissé pour Mini Mino. J'aime Mini Mino maintenant. Je ne t'aime plus, Nivakin. Je ne t'aime plus. Il va mourir. Le mariage est fini. Toi et moi, c'est fini. Lundi. C'est fini. Je marie à Baham. Tu es Baham, non? Je suis Baham. Ma mère est Bamleke Etoun. Et mon père est Christ. Allez, mais toi, donc, je marche chez les Baham, il m'a dit, il me fait rire. Eh, il va qui? Voilà donc mon mari, Baham et tout. Eh, le comportement des étonnes de ça. Le quoi, le bon. J'ai encore me parler. Le bon tarot pilé. Ni va qui ne te veut plus. Le bon. Tu as un gros nombril. Je ne te veux plus. Crayon d'amour, ma petite soeur chérie. Elle dit que je l'ai. Tiens. Ils peuvent mourir. Sur TikTok, non, il y a les bonnes personnes. C'est la jeunesse. Et même c'est la team qui est Yankou Karebeka. C'est la team là. Mais c'est ma cota. Elle est gentille avec moi. La team là, ma PDG, la reine, mais elle m'a souhaité mon anniversaire. C'est la team des marraines. Je ne vois pas les cadeaux d'anniversaire. Quand vous connaissez cotiser, c'est ma pour donner à cette chose là qui se balade partout avec la nuit ouverte là. Hein? Mon cadeau d'anniversaire, c'est où la team des marraines? Tu sais quoi? Il y a des gens, quand tu veux que les cotas te donnent l'argent, il ne faut pas. Je ne demande pas. Avant moi, comme ça, c'est ton anniversaire. Je n'étais pas sur Facebook, je vais en faire ta campagne aussi quand on doit te soutenir. C'est tout. Même si je mets un projet là-bas, elles vont se faire. Elles ne vont pas faire. Elles connaissent seulement que. Non, le problème, c'est que, regarde comme moi, je suis assuré que pour avoir l'argent que j'ai eu, les gens me l'ont donné naturellement. J'ai parlé naturellement que mon cadeau d'anniversaire, je m'avais pris un appartement que je dois travailler. J'ai été convaincant. Le projet cinématographique, il y a ouvert un litige, ce projet cinématographique, ils ont fait. Quand il fallait faire l'anniversaire, quand il va venait faire le boulot, là, c'est là de la jalousie.
Moi, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Nathalie, comme c'est ton anniversaire, en tout cas, je vais mettre dans mon mur, je vais faire dans les directs un peu avec mes petits quotas. J'ai mes 4 milliardaires qui sont au tout là. Oh non. J'ai mes 4. Il y a 2 abeilles et les deux, je connais pas. Elles peuvent te donner même, les 4 là peuvent te donner 1000 euros. Waouh, le cul. Avec le problème, c'est comme moi, par exemple, je peux peut-être me partager, j'ai la carte bleue. Je peux, par exemple, même sans rendre ton litige, c'est pas un problème. Mais il faut que je souffre, c'est pas convaincant. Bien sûr. Moi, j'ai dit que pour mon cadeau d'anniversaire, je vais à la maison aussi. Et elles m'ont aidé, j'ai eu. Non, je n'ai pas eu bravo, besoin de. Bravo. Ils m'ont fait les virements, les gens voyaient, je partais prendre l'argent, ils ont tout payé. Dit, je fais mon cadeau d'anniversaire. L'appartement, c'est un appartement qui est béni. Même si j'aurais quelques problèmes, je vais tout décanter parce que c'est Dieu qui m'a donné ça. Bravo. Oui. Maman, donc mon frère est en forme. Je me suis juste échangé. On est le soir. J'ai juste mis un peu de lunettes. J'ai mis mon petit pyjama. Mon petit pyjama, le haut et le bas, Nivakin. Tu vois? Il va te voler ça avec les yeux. Nivakin, tu vois, c'est rien de méchant. Hein? Rien. C'est tout simple. Il va te voler. Il faut juste savoir. Et j'ai mis mon petit bonnet pour protéger mes cheveux avant d'aller au lit. Et tout. C'est comme ça qu'il faut être esthétiquement propre. Il va te voler ça avec les yeux. J'ai dit. Il faut être esthétiquement. Les lunettes, si j'avais acheté ça à Bruxelles, j'avais vu les lunettes, si je marchais avec un amour à Bruxelles. Je marchais avec Zagalo. On était en train de marcher. Ah, Zagalo, elle a parlé. C'est pas du Mini, mais non, je parle à Paris. Je m'en vais à la bébé tout à l'heure. Zagalo à Paris. Donc, je vais le rejoindre là. Oh, tu lui passes le bonjour. Je ne peux pas sortir parce que je me réveille très tôt et j'ai une très longue journée jusqu'à 16h. Je n'ai pas le rejoint à bébé. Bon, tu me connais avec le sommeil. Après, c'est super facile, je dors. Non, je ne peux pas. Parce que j'ai une très longue journée demain. Mais tu es dans quel département? Tu es dans quel département? Je suis à Paris. 75? Non, 14e. Non, 75, 404, donc 75, oui. Paris-Centre, c'est 75. Oui, je suis à côté. Le 14e, c'est, je suis au terminus vers le métro 4. Au terminus du métro 4? Tu es au 92? Présent. On peut dire. Je connais pas tout à fait. Non, j'ai grandi ici, Bagneux, voilà, tout ça là. Presque, on peut dire. Je connais tout ça là, j'ai grandi ici. Moi, je suis à l'école. Je connais tout ça. Maintenant, moi, je suis à l'opposé. Moi, je n'ai pas voulu aller habiter dans Paris où j'étais à l'époque là. Tu vois où tu es là? Mm-hmm. De où tu es là où j'habitais avec ma cousine rouge là, même pas 10 minutes de voiture. J'étais à Malakoff. Moi, je suis à côté Paris, je suis à côté. Moi, Bagneux. En fait, tu es du côté de Bagneux. Et Bourg-la-Reine. Bagneux, effectivement, Bagneux. Et moi, je marchais à pied jusqu'à Châtillon, Montrouge et Malakoff à pied. Je prends la voiture. Je prends la voiture. Puis, en voiture, c'est passé comme c'est aussi trop petit. En voiture, je paye 900 euros là-bas. Je ne sors même pas devant. Je sors directement des escaliers. Tout, je rentre directement par le parking. Je sors toujours en voiture. Toujours, je suis en voiture. Là où tu es là et où j'habitais avant, c'était même pas 10 minutes. En voiture. Même pas. Parce que j'étais du côté de Malakoff, Châtillon. Et derrière Châtillon, c'est vous. Tu vois, j'ai payé 900 euros 30 mètres carrés avec les charges 1200 euros. Moi, après, j'ai dit, avec le Covid, je suis parti à Rouen un peu me reposer. Mini, va dormir. Tu ne dis rien de bon. Et tu fais quoi là, Eya? Tu fais quoi là, Rebecca? Hein? Tu fais quoi là? Tu me dis, toi, carrément, que va dormir. Méfie-toi, hein? Voilà, je prends même le suivette. J'ai le temps. Est-ce que cette chose... J'ai mis la robe sur mon évacuum. Personne n'aime pas la robe. Petit pyjama, tu bois ton petit thé. Petit, on appelle ça nuit tranquille. Tu bois ton petit, tu te rafraîchis. Tu te chauffes un peu. Avant de partir au lit. Bah, bien sûr. Non, moi, le problème, c'est que... Mini Nivakin, c'est pas que les gens te détestent, mais il faut te remettre en question. Tu peux insulter tous les gens qui t'ont ouvert la porte. C'est pas ouais, ouais, ouais. C'est pas clair. Bon, personne ne te déteste. Remets-toi en question. Moi, ça ne te déteste pas.
Je te regarde, ça me fait des petits chocs. Toi, tu mais celui-ci. Marie, c'est la débile, mais elle est de l'autre. Le reste, toi, tu as quelle date? Tu es mariée. Tu es mariée avec un blanc. Un blanc ne te donne rien. Elle n'est même pas mariée elle-même. Elle est là. Elle est là. Tu vas droit partout. Tu oublies. Mes arrêts sont assurés. Là où je suis, c'est là, si elle dit que j'ai besoin même de 200 euros. Là, j'aurai le vigoureux. Je pars même sur le corps. Tu pars loin. Regarde. Alors que je pars là, mes amis m'ont dit que comme c'est mon anniversaire samedi, ils m'invitent. Il y a Zagalo et mes amis, quand ils m'invitent, ils me donnent les bouteilles à boire là-bas. Ils m'envoient le taxi Hitch. Ni va que là, les amis. Je n'ai pas avec les amis, mais ni va que quel ami te donne 2000 euros. Mais tu mens. Même nous qui avons les amis, quel ami te donne 2000 euros. Mais Nala, nous. Regarde. Les amis, 2000 euros. Regarde, quand on met les comptes comme ça, là, tu as vu les comptes. Tu as vu tout ça comme ça, c'est les comptes. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Ce sont les comptes. Moi, j'ai accès à ces comptes-là. Mais personne n'a accès à mes comptes. C'est-à-dire que je peux entrer. Je suis en direct. Je mets ici, je manipule. Je mets là-bas. Je repartis cet argent dans mon compte. Tu n'auras jamais cette possibilité, mon très cher Nivakin. Tu n'auras jamais cette possibilité un jour dans ta vie. À défaut, il est venu me dire que ouais, ça fait le compte bancaire. Quand vous avez monté la quand j'ai monté ma carte bleue qui expire en 2025, il n'a pas encore dit quoi. Va ma carte bleue qui est là-bas couchée. J'ai même jusqu'à même 3 comptes. Mais est-ce que c'est le but de. On peut m'avoir 5 comptes si on veut. Mais il faut monter ce qui est dans le compte. En tout cas, il n'y a pas un moine ici. Hein. De tout ça, il n'y a pas de moine. Il y a que les plus. Le cul. Non, le. Il est venu mentir que ma ville et je mange le RSA. Moi, j'ai refusé le RSA parce que quand tu prends le RSA ici dans ce pays, et nous qui gagnons l'argent souvent, bac, là, des fois, quand tu peux envoyer l'argent, tu te mets trop l'œil. Donc, moi, j'ai arrêté le RSA. Voilà même les virements de Pôle emploi. On ne voit pas. Je ne peux pas montrer. Est-ce qu'on montre? Ah, il y a tes numéros des identifiants. Oui, attends. Non, je montre. Regarde, virement pour l'emploi, tu vois. D'accord, ok. Virement pour l'emploi. Il y avait les VIP. Mais attends, on a des revenus mensuels. Non, mais on a des virements pour l'emploi. Honnêtement, les affaires de RSA là. Ok, ça finit. On a la bébé. Tu passes le bonjour à Zagalo de ma part. Je ne dis même pas. Pour moi, c'est une très longue journée, c'est lundi, et je suis saturé, donc je suis en stage, et ça ne rigole pas. Tu prends en charge des personnes. Non, tu sais, il faut être vraiment sérieux, et tu supportes ta formation. Il y a une chienne là, toi la chienne là, chez qui je suis passe, toi il y a une chienne là qui a dit que mais non, c'est qui fait ce... Vous, quand vous croisez souvent dans mes choses, que je suis à l'école, vous croisez souvent, vous croyez que vous pouvez me... La fille qui perd la route, j'envoie directement ça à ma responsable, elle va envoyer ça à sa responsable. Ne vous égarez pas vos bêtises que vous êtes souvent dans les... Vous croyez que vous faites vos conneries là, que vous allez dire, à l'étudiant, on va dire vos choses là. Dans le milieu Watt, non. Je suis Watt, mais dans le milieu noir, je suis calme. Il y a les chiennes là souvent que tu crois. Vous faites dans l'occupe, même vos sales fesses là qui. Que vos choses qui fait sur TikTok. Qui fait sur TikTok avec ta part. Espèce de vieille chouette. Tu as raté ta vie, c'est là-bas que tu vas bâtir. Ils vous dites, vous envoyez les nouvelles qu'on me donne. Il faut venir me donner. Qu'est-ce que tu vas écouter le dire? Il faut venir me donner les nouvelles là. On n'est même pas. On devait te servir. On va se croiser, ma chérie. Faites te mettre en question, Je veux vous montrer. Je ne parle pas peut-être parce que je n'ai pas peur de quelqu'un. Remettre en question. Je sais ce que je suis. Je reste juste calme. Mais retenez que je n'ai peur de personne. Et moi, quand je touche là où ça fait mal. Oui. Je touche là où ça fait mal. Vous voulez venir en guerre? On dit en gay. Vous avez vu comment on insulte les pères d'aimer, on affiche, non. Vous-même, les vôtres seront affichés. C'est-à-dire qu'entrer dans une guerre, dans une danse, vous allez tenir. Entrer dans une danse, vous allez tenir. Vous manquez votre temps partout, vous croyez que vous êtes... Je ne suis pas dedans, hein. Mais il y a une personne qui déteste, honnêtement. Franchement, il faut arrêter ce que tu fais là. On a un nous, on se cherche, mais venez toujours insister que les gens ont raté la vie. L'autre a fait que l'autre a le gars de l'autre. Waris, tu sais, les clashs, la résistance. J'ai fait les clashs. Tu comprends? Compressor et moi, on a fait les clashs. Pendant combien d'années? C'est la résistance, hein? C'est la résistance. C'est-à-dire que dossier sur dossier, on s'entend aujourd'hui. Nivaki ne peut même pas
télé. On ne calcule même pas. Moi, je suis quand même. Moi, j'appelle ça les querelles. Les querelles, les querelles de ceci. Moi, regarde-moi, il va. Il n'a encore rien pour. Il n'a encore rien pour. Il gesticule. On clash les gens quand ils ont partagé les lives. On clash les gens. C'est-à-dire qu'on te clash que tu as partagé le live. On a insulté quelqu'un que tu as partagé. Ça veut dire que tu as contribué qu'on insulte. Tu es monté rire. On t'insulte. Donc, quand vous, venez, vous voulez venir en guerre, venez en guerre. Ça veut dire que ça, ça appelle ça les querelles. Regarde, Nivakin me lave tout, au moins tous les deux. Nivakin se chamaille comme. Moi, le serment dans sa bouche depuis. Est-ce que je calcule? J'ai ces balles-là dans mon téléphone. On appelle ça l'observation. Donc, il est partout. Allez continuer à monter. Hein. Allez monter. Vous rigolez. Mais très cher, quand la cloche va sonner, va retentir, vous aurez vos oreilles pour entendre. Ce n'est pas le moment. Franchement, il faut te calmer. Hein. Franchement, regarde tout le monde, nous tous là, il n'y a personne. Vous faites... ouais. Mini bouffe. Vous allez bouffer. Le moment viendra où vous serez capable de bouffer. Et quand vous allez bouffer, ça sera ici. Toutes vos familles viendront voir. On ne vous a pas encore affiché sur Facebook. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous faire un live chaque jour. Si vous continuez comme insulte, on insulte ma famille, la vôtre sera aussi insultée. Il n'y aura pas de demi-mesure. Je vous dis juste parce que vous étiez dans ce direct, on m'a partagé le direct, on enregistre, on poste. Et vous dites, ça ne sert à rien d'être avec les gens et être hypocrite à ce point. Quand on veut garder sa vie secrète, on garde sa vie secrète. Mais quand on va aller en guerre, c'est-à-dire que la guerre ne finit pas. C'est-à-dire que la guerre là est continuelle. Au jour d'aujourd'hui où je suis nos limites. C'est-à-dire que je reste comme ça, je reste serein. D'une certaine manière, très serein. J'attends juste. Le jour que tu tombes, boum, c'est là que tu comprends que, hey, on m'a eu. Mais trop tard. Trop tard. Moi, vous, je comprends pas. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la guerre. Moi, je te comprends pas. Il va te nuire à tous les moyens. Nous sommes Camerounais. On ne peut pas. Il n'y a pas le moyen. Donc, évitez de rentrer dans cette danse. Si vous voulez rentrer dans cette danse, entrez. Si vous voulez venir faire la guerre, venez faire la guerre, on va faire la guerre. Je n'ai pas de problème. Mais sachez que cette guerre sera sans fin. Elle va aller où elle va aller. Oui. Moi, on a insulté mon père, on a insulté mes cadavres. Attends, tu as mis le chapeau pour couvrir ta graisse. Les cheveux. C'est les cheveux, c'est les traits. Je rigole pas là-bas. C'est les traits de l'os. C'est pour faire un peu jazz style, tu vois, les cheveux, les coiffures du soir, là, pour faire un peu style. Kim Nivakin porte aussi. Quelqu'un qui vient de sur Facebook, il est parti chez Primark, il a acheté un habit à 7 euros. Hey! Même en achetant chez Primark, même ça ne ressemble à rien. Il a souvent les couleurs. Il n'a pas acheté, il a volé. Il a les couleurs là, comme s'il est debout comme le spaghetti. Le non, tu sais qu'elle avait dit que c'était. En fait, j'avais tellement peur où tout le monde avait dit que c'est Adeline à qui l'avait appris à voler chez H&M les caleçons. Et je vois qu'il avait volé aux caleçons portés chez. Et mes manteaux, j'étais dépassé comme bad. Et depuis, c'est qu'on a tous vu le tunnel. Il a volé quoi, le manteau de fourrure? Il a volé aux caleçons, ensemble caleçons rouges. Le manteau de fourrure. Mon manteau en fourrure, mes deux manteaux. Il a même volé mes talons même. Dans la voiture. Nivakin, on appelle ça un manteau de fourrure, Nivakin. Et on sait, c'est lui, non? Nivakin, ça s'appelle un manteau de fourrure. Tu vois? C'est que tu es parti voler chez Waris. Toi, tu as un ami qui t'a offert le manteau. Est-ce que Nivakin a un ami qui peut l'offrir? Tu peux. Merde. Mini Minor, tu veux me parler des habits? Les gens des choses ici. Nivakin a quel ami? Tu veux me parler des habits? Tu dis qu'Honoré, même Honoré, c'est tous les jours. Honoré n'est pas méchante. Je connais. Honoré n'est pas mauvaise. C'est Nivakin qui est parti à côté de l'exotérique. Je connais Nivakin. Mais Honoré m'a fréquenté. Honoré a raconté pour lui. Je te dis que, Mini, maintenant, en fait, tu ne connais même pas Nivakin. Tu vois, quand tu passes, je suis mort de rire, tes regards, je rigole. Tu ne connais pas Nivakin. Nivakin est quelqu'un que, quand il sait que tu as fréquenté quelqu'un, il vient commencer à taper le ventre pour inventer. Et puis, il raconte les trucs que l'autre aussi a dit que, et Honoré aussi raconte les conneries ou bien les trucs que vous avez eu à parler. C'est pas Honoré le problème, c'est Nivakin qui est derrière tout ça. Ouais, je te connais Nivakin comme ma poche. Après, je me rends même compte, quand tu parles de ce mot, tu ne connais même pas Nivakin. Tu ne connais pas Nivakin. Nivakin ne peut pas. Nivakin ne veut pas aller, mais avec Honoré. Déjà, Honoré, il t'explique encore un truc, Mini Minor. Un jour, tu vas me donner raison. Mais quand les amis de Mini Minor, écoutez bien. Vous voulez parler à Mini Minor? Regardez, on appelle ça les costumes, hein? Ça s'appelle des costumes. Ça s'appelle des costumes. Nivakin, que tu as un mètre, c'est vrai.
Pardon, tu me verras. Là, que j'ai le foie de sirop, c'est pas vrai, j'ai pas le foie de sirop. Tu verras l'homme. Est-ce que c'est que. Ça s'appelle des positions. Oui, mon mari s'habille bien. Ni va qu'est-ce que tu es, toi. Mon mari s'habille bien. Ça, c'est quoi? C'est beau, ça. Hein? Regarde bien. Mm-hmm. C'est Hugo. Je pense que c'est un costume croisé. Il veut me parler. C'est juste parce que je suis à Paris. Je ne suis pas chez moi à Strasbourg. C'est des costumes que voilà, j'ai pris, j'ai envoyé au pressing et tout. Ni va qu'est-ce que tu es, le cours de ça. C'est des costumes que j'ai pris, j'ai envoyé. C'est-à-dire. Mon baron me tourne. Regarde, j'ai dit par exemple que je vais sortir, peut-être, je vais porter. Regarde. Mais là, tu veux me parler? Tu veux parler à Mini Minor? Hein, mon très cher. T'as vu ça? Non, c'est comme tu es plus petit, t'as que lui, il ne peut pas te voler, ça passe. Ça va être. Les costumes sont bien larges. J'ai les costumes. Nivakin, tu ne peux pas. Même Honoré n'a même pas ses costumes-ci. Mini-Minor, tu ne connais pas Nivakin. Honoré, même tu allais voir le pont, Honoré ne pourrait rien. C'est Nivakin qui a l'habitude. Quand il sait que tu as fréquenté quelqu'un, il vient mentir que Mini-Minor m'avait dit ça. Il invente des choses. Et la personne m'a dit les conneries. Je connais Nivakin. En fait, tu ne laisses Honoré. Nivakin est derrière tous les problèmes là. Je le connais comme ma poche. Ouais. Tu sais que quand quelqu'un prend les initiatives dans sa vie, il faut. Honoré n'est pour rien. C'est lui qui est direct. Honoré était là-bas. Il faudrait. Mini, maintenant, tu ne connais pas Nivakin. Je te parle de Nivakin que je maîtrise. Et demain, en tout Paris, je maîtrise Nivakin comme ma main. Nivakin, je vais faire ça. Ici, c'est que tu as amené quelqu'un. Il va venir commencer à dire que oui. Mini Minor m'a dit ça et tout. Il invente. Nivakin a menti devant moi plusieurs fois. Devant moi, il ne sait même pas que j'écoute plusieurs fois. Est-ce que je calcule? Il ne sait même pas que j'écoute. Tu mens sur moi. Peut-être que je connais Nivakin comme ma poche. Honoré n'est pour rien. Honoré s'est fait manipuler par Nivakin. Pour lui, il aura le prix de son salaire un jour. Voilà. Regardez tous les costumes. Ça va aller loin. C'est pas Nivakin. Regardez tout ça. Il faut qu'on avait ça ici à Paris. Je sors. Tu justifies même toi-même. Il me parle de pauvre malheureux comme ça. Il veut venir parler à qui? Il veut venir me parler. Il veut venir me parler. Tu justifies quoi même? Pardon. Non, mais parfois, souvent, il faut faire comprendre aux gens qui doivent fermer un peu leur gueule. Mini, à chaque fois que tu fais les directs, c'est tout bien habillé. Non? C'est moi qui mets ça mes robes. Vous avez vu tout l'état de jeans. J'ai dit que j'ai acheté plus de 2 sacs de jeans. Les habits. Qu'est-ce que j'en fous? Les habits, c'est quoi? Zara, HM, puis les billes, les BHK, les assos, les ceci, où il y a les Morgane, les ceci. Maman, il n'y a pas que ça de jeans dans mon truc. Mais si Nivakin même veut acheter même la fausse marque, même avec la fausse marque, Nivakin ne ressemble à rien. Tu as vu comment il s'habille, je vous avais dit, il s'habille comme les années, regardez, il s'habille comme les années qu'il est arrivé en 2016. Attendez. Il plie le pantalon encore comme ça. Et c'est lui qui est longo. Il va dire, ah, mes pieds. Ce n'est pas comme tes pieds de ceux qui ont marché dans plusieurs désirs et plus lourds. Dans mes pieds, il va dire. Pas les mains. Il porte où? Qui voit? C'est des habits, c'est de rien du tout. Il met les pochettes avec les pantalons troussés. Et c'est lui qui va porter les pantalons sauter là. C'est de rien. C'est que rien du tout. Il n'a rien. Il a sa petite valise là qui tire comme ça. Il monte, il descend avec. Il est quelle heure même? 1h37. Demain, la journée est très longue. Tu commences à quelle heure demain? Je commence très tôt le matin vers... Moi, demain, je suis de l'après-midi. Mais pas qu'à l'après-midi, je commence à 13h30. Mais je finis à 17h. Mais c'est la formation pour l'instant. Parce que bon, on voit que même c'est à Paris. Mais pour l'instant, j'essaie de voir si je peux trouver ici à côté. Mais il commence le 15 normalement. Tu es dans le 12e. D'accord, courage. En tout cas. Ok, demain normal. Envoie ton numéro sur Messenger parce que je n'ai pas ton numéro pour t'envoyer l'invitation à l'adresse. Pas de souci. Donc, mes très chers, partagez ce live pour tous ceux qui viennent d'arriver. Parce que je n'ai pas ton numéro pour t'envoyer l'adresse. Je suis sur mon deuxième téléphone. C'est mon deuxième téléphone. Partagez-le. D'accord. Ça nous a fait plaisir de partager ce direct avec vous. Passer un bon moment, rigoler un peu. Donc voilà.
Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Partagez le live. Et abonnez-vous. C'est important. Abonnez-vous. Ne manquez pas souvent nos lives, nos petits directs et tout. Abonnez-vous aussi chez Waris. Je conseille. Ouais, c'est bien sûr officiel. Voilà. Je conseille. C'est mieux sur ma page. Parce que sur mon mur, même, je ne fais pas les directs. Tant que je fais les directs. Je ne conseille pas les trucs des abonnements. Là. Les trucs qu'on a l'abonnement. Sur la... Je ne connaissais pas ça. Non, ah bon. Je ne connaissais pas. Les trucs que tu vois, le nombre de followers, je ne connaissais pas moi. Je savais même. C'est quand mon ami, c'est ma personne avec qui je sors. Parce que tu vas voir ici le 11. C'est ma personne qui. Que... Ouais, je vais te faire la page. Hein. Tu vas voir ce que ça va donner. Il dit enfin alors. Il va qu'il. Ma personne chorobi noire. Comme tu as dit ma personne noire chorobi, tu dis que ma personne est d'achat, ma personne d'eau. Tu n'as pas dit. Et l'enfant. Tu as raison. Il faut vivre ta petite vie. Bah écoute, je te souhaite passer une excellente journée. Okay. Bien des bêtes. Ok, bisous. Et à tes fans, très chers fans. Pardon, je les connais même. Et les amours, la famille. Voilà, je vous souhaite passer une excellente soirée. Un très bon début de semaine. Votre mini minor PDG très cher et je vous remercie vivement et humblement pour vos messages de joyeux anniversaire. Votre star reste toujours debout, toujours imitée mais jamais égalée. Elle ne tombe pas. Merci, Mimi Rose. Ok. Moi, toi, ton thé, Nongo. Moi, ton thé avec élégance, c'est la classe. Toujours. La classe de ça. Il va dire, toi, tu bois dans le gobelet en inox, en Belgique, tu l'as pas en hauteur. Je vais la tasse. On va l'offrir comme cadeau d'anniversaire. Ah, tu sais que les pauvres, comme ils n'avaient pas le frigo, ils mettaient ça l'eau dans le truc à l'inox. Ouais. Non. si on était samedi, c'est que je pétais cette bouteille, je buvais. Mais comme on est. moi, je bois, j'ai fait un cerf. Lolo me voyait la belle vie. Moi, j'étais toi, les vrais blancs, les charrettes. Même à place de l'homme, nous, on dansait. Si j'avais le temps. Il marchait les pauvres. Faut quoi, les pauvres. Les pauvres, c'est quand ils n'ont pas fait la fête. Aïe, oh, il gomme jusqu'à. Comme tu es avec notre mini pineux, on est avec Waris. Merci Stéphanie. Ne venez pas chez moi par condition. Sinon, vous restez à votre coin. C'est quelle condition ça? Elle a fait exprès de commenter ça. Je suis comme un Allemand. On m'appelle l'Allemand dans ma famille. Quand elle dit stop, c'est stop. Pourquoi? Ma famille venait faire le direct. Elle me dit c'est que laisse les bacs. Elle dit que je ne laisse pas. Parce que ce gars-là, je le connais. Il ne peut pas continuer à parler de vous. Vous êtes ma famille. Vous m'avez tout donné. Donc, c'est temps. Il m'a dit que bon, fais comme tu veux. Il est fait. Après, il m'a dit que bon, comme c'est ça là, fais. Donc, maintenant, Nivakin, tu prononces ma famille. Moi, j'attends ça qu'il prononce ma famille. C'est tout qui dit les bilans. Le jour que Tom son direct, qu'on parle lui, Jean, dans le direct, je parle aussi. Mais je le déteste pas. Quand elle parle de se lever un matin, tu insultes des gens. C'est comment, Nivakin? Insulter que la personne se lève que 8 minutes, tu as la voiture. Voici ma part de clé de voiture. Mini minor, tu as la maison. Voici ma part de clé de maison. Mini minor, voilà ma part de diplôme. Dans tout ça, tu parles. Mais tu insultes seulement alors que tu n'as rien. Si mini minor même se lève, même mini minor prend même sa boîte de bijoux, mini minor ouvre même sa boîte de bijoux, on va même voir même que c'est qui sort même dedans. C'est même quelque chose de bien. Non, mais tu sais qu'il y a des mini minor. Moi, je te dis que je vais plus te voir faire la carte de direct comme ça. Là, on s'est défoulé, mais il faut plus calculer parce que Nivakin se chamaille comme les enfants des mauvaises cours. Les enfants des mauvaises cours. De mauvaise éducation. Parce qu'il va te dire que tu es peut-être comme ça, tu t'habilles mal, tu mets le faux. Ça, c'est les querelles. Moi, je le tiens là. J'ai dit que mon téléphone, c'est et chez ma famille. C'est chargé de balles. Maman, on dit que Daniel est en train de pleurer. Je n'ai pas les clients. Non, par contre, sa maman, c'est une dame respectable. Elle n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Même ses tantes, tu comprends? De sous ce sujet. Mais le problème, c'est que elle va peut-être nous voir depuis la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais ce n'est pas notre faute. Il ne peut pas se lever, insulter les familles des gens alors qu'il a des familles. Daniel, alors, avec Nivakin, je sais que tu as les copines qui sont de N'Djamena. Daniel qui était à N'Djamena, c'est la mère de Nivakin. Daniel qui se retrouve maintenant en Côte d'Ivoire. Ma très chère, Nivakin insulte les gens, il insulte les familles des gens. Voilà ta vie qui se verse déjà sur les réseaux sociaux où on a les photos de toi. On appelle ton enfant, tu recadres ton enfant. Est-ce qu'il écoute? Je parle à sa mère et c'est sa mère en train d'écouter. Appelle ton enfant, tu regardes ton enfant. C'est une bordel, elle n'a aucune éducation. C'est une petite prostituée de la rue.
Ouais, elle laisse. Non, ça c'est même méchant de temps. Ça c'est méchant. Ça c'est méchant de dire que prostituée ou bordel. Il y a les bordels qui aident leur famille. Les prostituées qui aident leur famille. C'est que sa fille passe son temps à nourrir les garçons. C'est tout. Attends, mais elle nourrit seulement les garçons. Quels garçons même on ne voit même pas? Mais elle a payé le logement. C'est un an à Brice de Londres là-bas en Tunisie. Elle a payé. Elle Brice de Londres m'est escroqué. Elle a fait quoi? Brice de Londres a fait quoi que donc il est dans la merde. Elle a payé le tamaracite alors qu'il avait à sa femme du Cameroun. Que non, parce que non, qu'il avait fait partie. Brice de qui, maman? La fille est belle. Brice de Londres, tape sur Facebook. Brice de Londres. Le cul, le Bangala. Voilà. Non, en fait, moi, jusqu'à maintenant, je respecte encore sa famille. Parce que jusqu'à là, je n'ai pas venu jusqu'au bout, mais qu'il arrête d'insulter les familles des autres. C'est ça le problème. Du matin jusqu'au soir. Mais le jour que tu vas tomber devant Bruno et que lui sera au courant, il va te faire la peau. Il va te faire la peau. Quand tu dis même que Bruno, ça parle même de Bruno et où? Tu peux pas. Si tu insultes quelqu'un qui vient, il te porte dans sa voiture, il t'amène à la gare. Quelqu'un qui te porte, il te fait à manger. Il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas ce que tu es. Cette personne même vient en France, Nivakin. Tu fais une demande en France de carte de séjour. Il fait une lettre, il envoie. Ou il passe un coup de fil. Pardon, Nimino, tu sais que pour avoir même le Ngunda en France, c'est pas facile. Vu qu'on lâche ça en France. Même la carte de 1 an, c'est facile en France. Elle peut vivre en français. Oh. Facebook. C'est les 4 lettres de Nivakim qu'elle insulte les gens. Ce sont ces 4 lettres-là qu'il avait sauvées. Pour avoir le Ngunda. Oui, oh, je suis sur Facebook depuis. J'ai lancé. Comme j'ai lancé, j'ai parti lancer le direct. J'ai dit que je te donne la visibilité, Nivakim. Je suis ton. On appelle ça comment? Je suis ton miroir, ton reflet, ta star. Tu ne vis que pour moi. Tu ne vis que. Mais vous parlez. Coco Emile, elle ce tableau. On l'insulte chaque jour. Je suis votre star. Vous allez seulement m'insulter. Mais je n'ai pas le temps. Tout ce qui est bon, c'est chez moi. Vous avez qui dans vos vies? Personne et non personne dans leur vie. Waris, elle venait chez toi pour draguer ton homme. Elle n'a pas pu. Nivakin, on a quel qui en commun? Tu as entendu Mimi, il a fait l'enfant. Tu as couru pour aller faire l'enfant aussi. Tu vas faire l'enfant avec qui? Quelle fille va faire l'enfant avec toi? Non, il a fait l'enfant aux années de. L'époque de d'Indochine. Ça fait combien d'années? En quelle année? Il y a 15 ans. J'ai fait deux fois les jumeaux. J'ai 4 enfants. Deux fois les jumeaux. En Europe, je n'ai pas de jumeaux. Je n'ai même pas une fille. Je n'ai même pas un petit jumeau. En Europe, c'est pour ça qu'il y a eu fait l'enfant avec une fille en Belgique. J'ai fait l'enfant ici en Europe. Oui, mais là, tu vas même plus savoir pour qui pour Nivakin. Tu as quoi d'important? Petit Sadia. Tu es aigri comme ton cœur, aigri parce que ta vie est. Tu as raté ta vie alors que tu es en Europe. Ne me donne pas les conseils, tu me donnes. Ne te donne aucun conseil. Va sortir ta mère de la pute. Fais en sorte que ta mère arrête de prendre les gourdes dans ses fesses. Elle a fait. Non, moi, je vais dire, non, c'est l'âge qui fasse ça. Les autres, on y a que c'est Daniel depuis Jamina. Tu veux parler à qui? Comment on peut parler de ma mère comme ça? Je suis là, il non. Je réfléchis même pas. En fait, dessous ce sujet, ça m'a commencé à Yaoundé. Mais après, elle est partie en Jamina. Je crois que c'est là que Nivakin a même su qu'il y avait la route du Brouza. Elle est partie en Djamena. Et en Djamena, elle est tombée malade. Bon, le reste, je vais vous dire ça quand il y aura le Japap. Quand il va prononcer ma famille, les sons. Comme c'est ma mère, c'est pas Au Cameroun, maintenant, elle n'est encore pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où elle est maintenant? Donc, tu sais qu'une femme, une maman se bat, non? Pour se faire s'en sortir, non? Donc, ce côté, pas en vouloir. Les sons tombent sa maman. Mais pourquoi est-ce qu'il insulte les familles des gens alors que sa mère est là? Et dès que c'est mon dossier, Mimi. Oui, après, laissez les mamans là. C'est notre dossier. C'est notre dossier. On est mariés, on est parti. Je t'ai dit que c'est mon dossier. Faites des trucs de TikTok. Je suis sur TikTok. C'est mon dossier. C'est moi qui ai saisi. Non, sur TikTok, c'est moi qui te dis. Sur TikTok, c'est une autre information. Moi, je m'en ai même fait 15 minutes sur TikTok. Je m'ai fait 15 minutes sur TikTok. Après maintenant, je suis. Non, je sais que. Il ne faut pas. Il ne veut plus les directs pour lui. Avant, si tu invites encore. C'est qui est sur demain, tu serais Nivakin. J'ai fait exprès même ma tête sur ton direct. Il va faire les directs ces jours-ci. Il est sur TikTok en train de crier. Bra, bra, bra. Et Nathan, c'était l'histoire. Tu vois, des affaires de pauvres. Oui, il avait été. Et puis le gars qui. Les pauvres, non, excusez-moi les pauvres, mais.
Mais quand je vous avais dit que Nivakim, normalement, l'histoire de Cosette, c'est la famille de Nivakim. C'est ça le film Les Misérables. Jean Valjean. Comme il n'a pas fait les études, il ne connaît pas. Dimini, non. Avec un Français, il n'a pas match Nivakim. Il n'a pas match entre toi et moi. Attends, mais. Nivakim parlait bien, mais Nivakim a appris le français dans la route. Nivakim a arrêté l'école de cours réglementaire. Qui parlait même quoi? C'est son comportement de quartier là. Que le goût, hein? Tu sais, quand j'ai vu le direct, qui était, ma mère a accouché la césarienne. Maman a fait les césariennes. Elle a fait 4 fois la césarienne. C'est-à-dire que en bas là, c'est fait. Mais ta mère ouvre ses mains comme ça là, le cul comme ça là. Elle donne. Elle a commencé depuis Yaoundé, N'Djamena. Elle a commencé. Elle a fait la route Bamayo. Elle a traversé. Mmh. Elle a traversé le nord. Elle est arrivée à N'Djamena. N'Djamena, elle a commencé la prostitution jusqu'à ça l'a dépassé. Elle a laissé chez Mamayo. Elle a même été chez Mamayo, ta mère. Donc quand je parle comme ça, franchement, je m'en veux parce que au fur et à mesure son dossier sort, on baisse. Parce que c'est le dossier de ta mère qu'on va, ça qu'on m'envoie, non? Va le dossier de ta mère qu'on m'envoie. On ne fait qu'envoyer. Je ne sais pas quoi envoyer. Tu vas venir prendre ça le 11. C'est pas toi qui envoie Waris. On ne fait que donner que Daniel, c'était sa mère. Daniel, sa mère est arrivée, elle a habité chez Maman Yo. Maman Yo qui est décédée en N'Djamena. Donc Daniel, c'était ta mère. Même quand ça, je connais le temps à couper sa mère. Mais quand ça, c'était ça. Ah, j'ai même entendu encore une autre partie que sa mère est lesbienne. Ouais, sa cool. Mère, il va dire ta mère. Laisse un peu sa mère. Ta mère est sortie avec Yamina, ta mère. Qui a chicoté ta mère? On parle de ça? Que ta mère est lesbienne, il y a quelqu'un qui était le gars de ta mère. Il y a une personne qui était le gars de ta mère. Écoute bien, Waris. Une personne qui était le gars de ta mère. Je ne sais pas si c'est un casse qui baisait avec, ou c'est qui baisait avec un casse à baiser avec la mère de Nivaki. Non, il y a eu les choses. Quand c'est comme ça, là, rigolons pour là, comme on parle, lui, on rigole. Laisse le nom d'abord pour l'instant. Il ne laisse pas pour moi. J'ai dit que sa mère est lesbienne. Attends, juste pour les petites insultes à deux balles qui t'es fait là. Et moi, c'est les insultes à deux balles qui fait là. Je ne dis rien. Moi-même qui le tiens ici. C'est pour qu'ils comprennent que sa vie est tellement sale. L'héritage est sale. Les placards. Tu sais que Nivakim est quelqu'un qu'il aime les clashs. Non, c'est même pas ça le clash. Il aime les querelles. Mais il se chamaille. C'est quand même des nouveaux. Maintenant, le problème, c'est que si tu fais comme rien, moi, quand il m'insulte depuis le regard, non, je ne dis rien. Je suis venu encore à te mouser à ton Dieu. Demain, les gens vont prendre ça, les pages, je m'en fous. Je suis venu alimenter ta page. Je suis venu vérifier que ça fait. J'ai le temps. Le temps, j'ai mis encore un peu, pim, tu m'avais. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'elle dit, ça? Bon, la star va couper le live parce qu'il est presque 1h30. Ok, elle va dormir, maman. Je vous aime. On se retrouve sur TikTok. Voilà, vous m'envoyez mes liens. Ok. Mon Didi Chou, Maïmouna, je vous ai tous vus. Je vous fais plein de bisous. Je vais maintenant regarder mes messages, si j'ai reçu des messages, parce que j'ai des messages. Et après, je vais écrire. Mais maintenant, tu ne calcules plus, Laisse-le à sa mère. Je ne calcule plus, Waris. Ne calcule plus. Fais comme moi. Mais par contre, si tu t'insultes trop, le jour que tu tombes dans le direct, tu laisses d'abord que tu t'insultes bien. Le jour que tu tombes dans le direct, où il parle encore de. Où on l'insulte, tu parles mal, tu fais ta part. Tu m'as dit de rester sage. Je dois rester sage. Je ne parle pas. Je laisse. Elle te donne la bouche de sa maman aussi. Mais si tu mets ça sur Facebook, je ne te donne pas les photos de la maison, les tombes, non, parce que pardon, je te donne que la photo de sa maman qui était malade. Je vais te donner que tu gardes. Bah, il n'aime pas ce qu'il fait. Voilà, et quand tu dis que tu gardes, tu le donnes. Même en plus, si je vois ça en faux profil, je saurais que c'est toi. Non, même en faux profil, tu vas pas voir. Même en faux profil, ça pique! Donc, on fait comme ça. Alors, coucou le direct. Si vous adore, abonnez-vous. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Waris Blanchard officiel. Qu'ils aillent sur ma page parce que sur mon profil, même, je ne calcule pas trop. D'accord. Qui parle officiel. Waris Ritchie Blanchard. W-A-R-D-I-S. Ritchie Blanchard. Allez taper pendant. Je suis fatigué. Okay, on fait comme ça. Bisous à vous. Les abeilles, la décassée, les balançoires, je vous aime. Mais le Lomania, les balançoires. S'il vous plaît, vous pouvez couper le live pour moi. Oui. Il n'y a pas les modérateurs ici. Au revoir. Bon Dieu. Il n'y a pas les modérateurs, s'il vous plaît. Ouais, même le thé est fini.
Tu vas faire le live jusqu'à... Ta tête va te faire mal. 4 grammes. Espèce de pauvre chienne. Haineuse. Et comment ta vie est misérable. Et comment ta pauvre vie est misérable. Elle est tellement misérable. Petite affamée. Petite affamée. Ta vie est misérable. Moi, on ne peut pas comprendre comment ma vie est... Ma famille est salie comme ça. Je suis là en train de faire... Pardon. L'enfant du pauvre. Je suis l'enfant du pauvre. Je sais d'où je sors. C'est pour ça. Je sais d'où je sors. Laissez la pauvre femme en magasin. Le magasin, c'est ma mère. Elle me cherche pour quoi? Elle me cherche pour quoi? Hein? Magasin me cherche pour quoi? Elle me cherche que elle et moi, on a quoi en commun? On est les copines. Faut arrêter souvent vos choses. Laissez la mère là-bas. La mère, elle n'a pas 10 ans. Hein? Elle n'a pas 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de moi? Nivaki, ta mère est lesbienne. La copine, c'est-à-dire que la copine, les copines, le gars, la femme qui niaçait ta mère, est partie niaçait ta tante. Nivaki, ta mère est lesbienne, prostituée, toi-même prostituée. Vous voulez insulter les gens? C'est vous qui voulez insulter les gens. Le dossier, on m'envoie la photo de ta mère en train de faire la pute. Pardon, je m'en vais. J'ai autre chose à faire. Demain, j'ai l'école, pardon. Hey! Avec les injures de quartier. Bah, c'était qui? Tu te chamailles avec moi. Tu te chamailles pas avec moi. Je reprends pas parce que je suis obligé. Je reprends parce que je veux. Je reprends parce que je veux. Oui, Cathy, j'ai compris. Je reprends parce que je veux. C'est pas que je suis obligé de reprendre. Mais j'ai répondu parce que je veux. Parce que j'ai envie. Parce que parfois, il faut reprendre aux gens. Il faut faire comprendre aux gens que vos placards sont sales. Tu es sale. Tu arrives en Europe, tu n'as même pas de maison, tu n'as rien. Tu n'as même pas de vie. Tu devais te marier dans ta tête. Tu as créé, inventé, inventé une histoire pour faire croire aux gens que je suis marié, je suis ceci, tu n'es rien. Tu es zéro, tu fais la concurrence avec les gens que tu as dit que tu as l'argent, tu es, qui est pauvre. C'est toi qui paie mon école là, qui passe chaque jour. C'est toi qui paie ma maison ici à Paris. Tu as même passé le permis en Europe. Nous, au moins, on a passé le permis. Hein? On a acheté les voitures, on a vu. Je n'ai pas conduit seulement une seule voiture, je suis toujours là. Je vous dois, j'ai apporté l'argent à quelqu'un sur toi. Ou je t'ai apporté l'argent à Nivaki. Je t'ai dit, Jouki Nivaki, paye-moi le billet ou bien Nivaki, achète-moi quelque chose jamais. Mais Mini, non, je t'ai fait tellement de choses dans ta vie. Est-ce que tu peux parler du bienfait? Tu peux parler du bienfait? C'est vous qui courez toujours où je suis. C'est vous qui venez, qui suivez toujours. Pourquoi est-ce que, si vous, ok, toutes ces personnes que vous êtes sur TikTok là, pourquoi vous suivez où je suis? Allez suivre, donc, allez lancer, allez créer vos amis. Mais c'est toujours les gens que je connais que vous suivez, comme la peste. J'arrive sur TikTok. À tout à l'heure. Je m'en vais sur TikTok.